Je referai une annonce juste pour vous signaler que l'événement va être filmé, il va démarrer dans quelques minutes, et que ceux qui sont tous là, vous allez sans doute être sur les images. En revanche, au fond à droite, au fond à gauche, vous n'y serez pas, voilà, pour vous donner le choix d'être ou non sur cette diffusion en direct, qui fait l'objet d'un replay, pour info. Vous pouvez souhaiter être sur les images, donc c'est, je vais dire le message inverse, c'est en avançant et en étant sur les parties avancées là.
On va bientôt démarrer. Il y a du café au fond pour ceux qui souhaitent. Et on va trouver place. Nos présidents de séance sont là. Est-ce qu'on peut ouvrir les micros sur l'estrade? Est-ce qu'on a de la... Sylvain, est-ce qu'on peut ouvrir les micros? Ils sont ouverts? D'accord. Allez-y. Assoyez-vous. Bien, bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous. Dans quelques instants, nous allons donc... le plan... Messieurs Jarly et Hénard, voilà, le plan de table est ainsi. Ouais. Peut-être profitez-en pour vérifier l'ouverture des micros. Donc dans quelques instants, on va démarrer. Nous serons ensemble jusqu'à 17h30. Je suis journaliste territorial, je travaille notamment pour Maire de France et l'AMF m'a confié la guidance de cet après-midi, j'en suis ravi, merci. Une petite précision d'ordre technique, le droit à l'image, etc. Vous savez que tout cet après-midi, vous ne le savez peut-être pas, est diffusé en direct sur un site privilégié de l'AMF. Il y aura un replay ultérieurement, j'espère que vous en serez informés. Et donc, si vous êtes à l'avant-plan ici, vous serez filmé. Si vous êtes au fond à gauche, au fond à droite, vous ne le serez pas et vous avez le droit. Voilà. Dans quelques instants, donc, ouverture officielle de cet après-midi avec nos deux hôtes, Pierre Jarlier à droite, Laurent Hénard à droite, pardon, Pierre Jarlier à votre gauche, Laurent Hénard à votre droite, deux élus locaux, deux présidents de commission qui travaillent ensemble sur cette question de la revivification et de la revitalisation des centres-bourgs et centres-villes. Un petit mot de lancement de chacun sur les enjeux, l'actualité, les questions qu'ils ont encore sur ces sujets qu'ils connaissent bien. Et puis ensuite, ils se transformeront en grands témoins en discutant pour les deux tables rondes qui vont se succéder cet après-midi, chacune étant ponctuée de 30 minutes d'échange avec vous. Donc vous pouvez déjà préparer aussi vos remarques ou vos interventions. Pierre Jarlier. Bien, merci. Bonjour à tous et merci de participer à cette rencontre sur ce sujet aussi sensible et qui intéresse beaucoup d'élus. Je vois qu'on est très nombreux aujourd'hui, donc très heureux de vous accueillir à l'AMF. Toutes ces questions de revitalisation de centre-bourg, elles sont présentes dans toutes nos villes, hein, qu'elles soient petites, moyennes, voire certaines grandes villes. La situation devient de plus en plus difficile, que ce soit sur le plan de l'habitat, que ce soit sur le plan du commerce, que ce soit sur le plan social, avec des paupérisations que nous connaissons malheureusement. Les réponses sont difficiles à apporter, évidemment, parce qu'elles sont transversales. Il y a des sujets qui touchent tel ministère, d'autres qui touchent d'autres ministères. Elles dépendent aussi beaucoup aujourd'hui du territoire. Elles ne sont plus seulement liées directement à l'action communale, elles sont directement liées aussi à l'action intercommunale. Et beaucoup d'initiatives ont été prises. Il y a eu déjà, il y a quelques années... une opération qu'on a appelée AMI, hein, une opération au centre-bourg qu'on a appelée AMI, avec une cinquantaine de villes qui ont été retenues pour pouvoir avoir une opération expérimentale.
Beaucoup de, peut-être plusieurs villes aujourd'hui sont concernées par ce, par, dans les représentants sont là, par cette procédure. Elle touche à sa fin. Et en réalité, on s'est rendu compte assez rapidement que finalement, il y avait eu beaucoup de crédits d'ingénierie, beaucoup de dynamiques qui ont été, de dynamiques d'action qui ont été mises en place. Mais aujourd'hui, ces villes sont un peu au milieu du gué, comme celles d'ailleurs qui les ont rejoints en dehors du programme AMI, parce que, comme le sujet est évidemment extrêmement important, aujourd'hui, beaucoup d'élus sont sans souci. Mais il manque aujourd'hui les outils qui vont permettre justement de répondre à cette grande problématique pour pouvoir redynamiser ces centres-villes. Des initiatives importantes qui ont été prises par le gouvernement, puisque nous avons aujourd'hui en gestation ces opérations cœur de ville, avec les fameuses ORT qui vont être dans la loi, qui va être présentée bientôt. On a enfin une approche pour avoir participé au groupe de travail qui a permis de monter cette opération. On a enfin une approche transversale de l'État qui dit, ben voilà, c'est plus seulement une question qui touche tel ou tel secteur, il faut l'avoir sur un ensemble. C'est un vrai projet territorial, en fait, qu'il faut monter avec de nombreux partenaires. La Caisse des dépôts et consignations, je salue la représentante qui est là, s'est beaucoup engagée sur ces sujets. On voit aussi que tout ça est lié directement à une évolution de notre société, des modes de consommation qui ont changé, avec des vacances commerciales qui sont extrêmement importantes. En tout cas, dans les petites villes, elles varient entre 10 et 30%. On avait fait faire une étude avec les petites villes il n'y a pas très longtemps. On voit aussi le mode d'habitat qui a changé parce que les gens ont été évidemment beaucoup plus attirés par la périphérie avec la mode du pavillon, avec donc de très nombreux logements vacants, avec beaucoup d'habitats indignes en centre-ville, avec de la paupérisation qui s'ensuit au niveau de la population. Et puis, il y a évidemment toute la question qui est liée au patrimoine. Je pense qu'il ne faut surtout pas oublier cette partie-là, parce que c'est aussi un facteur d'attractivité, sauf que ce patrimoine est très difficile à remettre en valeur, avec des procédures qui sont lourdes, qui existent, que nous connaissons, des procédures de sites classés, des procédures, les anciennes AVAP, qui sont devenues les sites remarquables, les sites patrimoniaux remarquables, et puis des outils qui existaient, qui étaient des outils fiscaux, qui sont très difficiles à mobiliser, dans les petites villes en tout cas. Donc énormément de questions qui sont posées, j'essaie de balayer un certain nombre de sujets qui aujourd'hui interrogent les élus, qui cherchent des réponses, et on attend beaucoup de ce programme Cœur de Ville, on attend beaucoup de ces ORT pour pouvoir mettre en œuvre une vraie politique de redynamisation de ces centres-villes avec des moyens qu'il faudra mobiliser, parce que la vraie question aujourd'hui, au-delà de l'ingénierie, qui est absolument indispensable, c'est évidemment les moyens qu'il faudra mettre en œuvre demain en termes d'investissement pour pouvoir mener à bien les opérations nécessaires, qu'elles touchent les espaces publics, l'habitat ou la revitalisation du commerce, par exemple. Voilà, je ne veux pas être beaucoup plus long. Ça va être intéressant pour nous d'échanger à un moment où on est en plein dialogue avec le gouvernement sur les contenus et où le débat parlementaire va s'ouvrir bientôt pour qu'on puisse recueillir évidemment vos observations, vos propositions, vos difficultés et qu'à partir de là, l'AMF puisse évidemment rentrer dans une phase de discussion et de proposition pour nourrir le débat parlementaire avec tous les administrateurs qui sont là et qui vont évidemment relayer tout ce que vous dites aujourd'hui. Donc voilà, encore une fois, bienvenue. Et puis, franchement, c'est bien de voir qu'il y a tout ce monde aujourd'hui parce qu'on voit que c'est un vrai sujet. Ah, et encore une fois, que nos villes soient petites, moyennes, c'est le même sujet. C'est la difficulté qui aujourd'hui doit nous mobiliser. Voilà. Ça veut dire aussi, Pierre Jarlier, que les contributions, les remarques, les questions, les alertes de notre auditoire de cet après-midi, vous les entendez à 100% dans le cadre de ces échanges, notamment avec le gouvernement, mais les CCI, les acteurs de l'urbanisme, etc. C'est un peu l'objectif de cette journée, c'est que vous puissiez vraiment nous faire remonter vos difficultés au regard de la connaissance que vous allez avoir tout à l'heure. Si pour certains d'entre vous, vous ne connaissez pas encore le contenu des opérations Cœur de Ville, elles vont vous être présentées. À partir de là, c'est intéressant que vous puissiez nous faire remonter vos difficultés, comment vous pouvez vous inscrire dans ces démarches-là, qu'est-ce qui peut manquer et qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour améliorer encore ce dispositif qui est quand même une vraie avancée, il faut le dire. Alors, parce que ces opérations cœur de ville, c'est quand même la première fois qu'on parle d'une approche transversale des réhabilitations. Or, c'est quand même le vrai, à mon avis, gage d'efficacité sur ces réhabilitations. Voilà, il y a d'autres outils aussi qui ont fait leur preuve, Laurent Hénard.
Il y a d'autres outils qu'on découvrira. Il y a aussi comment on met en œuvre ces outils. Cette opération Cœur de Ville, c'est une chose, mais il y a d'autres choses éprouvées, peut-être à recommander, des conditions d'usage. Du côté de Nancy, alors quelle résonance à cette question du centre-ville et de sa paupérisation éventuelle? Je crois que vous êtes à 5% de vacances du côté de votre collectivité. Oui, c'est ça. On a un peu plus de 6% de vacances. Donc Strasbourg et Nancy sont les deux villes dans l'est de la France de plus de 100 000 habitants qui sont en dessous des 10 points de vacances. Peut-être, on reviendra peut-être sur des éléments concrets de Nancy dans le débat, si je pense que ça peut faire avancer les choses. Moi, je voudrais simplement dire qu'à Nancy, comme partout, comme à Saint-Flour, Pierre, on est sur des tendances structurelles avec des éléments négatifs, bien sûr, des menaces, mais aussi des éléments positifs, des choses qui sont encourageantes. Éléments structurels sur la vitalité des centres-villes. On a voulu protéger, et c'est légitime. On ne sait pas toujours comment, tout en protégeant, tu évoquais les sites patrimoniaux remarquables, les classements monuments historiques, les abords, les inscriptions à l'inventaire complémentaire, on ne sait pas toujours comment, en protégeant, on peut aussi vivifier et comment on peut donner une pleine vitalité. Donc là, il y a un véritable sujet. On peut avoir un centre-ville attractif. Moi, j'ai vu avec Sylvie Petiot, ma première adjointe qui est dans la salle, on suit les chiffres d'attractivité du centre-ville à Nancy. Les années 2014, 2015, 2016, on a fait évaluer avec les montées des centres de transport en commun, les billetteries de transport en commun, les billetteries de rodateurs, les billetteries de parking. On a vu que la fréquentation du centre-ville avait augmenté chaque année de 3 à 5 points. Mais les chiffres d'affaires des commerces, eux, ont baissé. Ce qui veut dire que ce n'est pas pour autant, parce qu'il y a du monde, ce n'est pas pour autant que ces personnes-là viennent consommer et participent à la vitalité économique avec une dissociation évidente entre l'hôtellerie, la restauration, les brasseries, le café, et puis le reste des secteurs commerciaux. Donc il y a un vrai sujet sur la vitalité, la globalité de cette vitalité, et je pense que l'échange des bonnes pratiques est un élément fondamental, un élément vraiment essentiel. Deuxième sujet sur lequel on peut percevoir des menaces qui est une tendance lourde, c'est évidemment la montée du digital. Là, on n'est plus dans la confrontation entre le centre-ville et la périphérie. Tout le monde perd des parts de marché maintenant. Parce que la façon de consommer est en constante et, à mon avis, durable évolution. Donc il y a aussi besoin de repositionner des modèles économiques. Et je crois que là-dessus, on a aussi besoin d'imagination ensemble. Il y a des facteurs, par contre, positifs. On a des habitants qui veulent être en centre-ville, pour peu qu'on arrive à développer les offres de logements adaptées, à mettre à jour le parc. C'est presque, je dirais, les deux extrémités de l'échelle. Bon, Nancy a la chance d'être une ville étudiante. On a des étudiants qui veulent être en centre-ville, parce que c'est là où c'est vivant, c'est là où c'est convivial, c'est là où c'est chaleureux. À l'autre bout de l'échelle, on a des jeunes retraités, les enfants sont partis, ils reformatent leur logement, et ils ont envie d'être en ville pour avoir un accès plus direct et plus simple aux services. Donc il y a une attractivité résidentielle du centre-ville qui est réelle. Elle est plus complexe, évidemment, à satisfaire. Et puis on voit arriver... derrière les mutations des modes de consommation, on voit arriver aussi de nouveaux entrepreneurs, de nouveaux commerçants, des chaînes qui travaillent différemment, des enseignes nationales ou internationales qui travaillent différemment, et une nouvelle vague de commerces indépendants qu'il faut savoir encourager. Donc moi, je trouve qu'il y a on est dans une période, en fait, de crise au sens étymologique du terme, c'est-à-dire de profonde transformation, et il faut qu'on puisse déceler les facteurs positifs sur lesquels prendre appui. C'est l'objectif de l'AMF, hein, le président Baroin a souhaité qu'on remette en place une commission qui travaille sur l'économie, le commerce et le tourisme, parce qu'il veut que l'AMF travaille constamment sur ces questions, évalue les risques, les bonnes pratiques, les partenaires, et qu'on puisse être force de proposition. On a d'ailleurs prévu de le faire avec la DCF, parce que là, depuis la Lanotrée, voilà, travailler la commune sans l'intercommunalité sur ces questions d'économie, de commerce et de tourisme, c'est plus pertinent. Donc on va avoir un travail qui va être intimement coordonné avec la DCF, avec les communautés. On va le faire avec les réseaux consulaires. On a déjà rencontré les chambres de commerce et d'industrie. On va le faire avec l'ensemble des grands réseaux consulaires et économiques, évidemment. Et puis, on va le faire avec de grands partenaires. La Caisse des dépôts a été citée, c'en est un, évidemment. Et je pense qu'on peut en mettre en réseau d'autres. L'objectif initial, tout de suite, c'est la loi Elan. Pierre y a fait allusion. L'AMF veut bien sûr avoir des contributions, travailler avec les députés et les sénateurs qui sont intéressés sur ces questions de vitalité des communes, quelle qu'en soit la taille, du village jusqu'à la métropole, si je puis dire. Et puis, derrière, bien sûr, des propositions, travailler à des amendements, peser le plus possible dans le débat parlementaire. Mais on ne s'arrêtera pas à la loi Elan. L'idée derrière, c'est, dans la perspective aussi des échéances locales, de permettre aux élus communaux présents dans les commissions, participant à nos travaux, à nos échanges, de nous aider à enrichir en fait chaque pratique et chaque initiative locale.
La bonne santé, Laurent Hénard, d'un centre-ville ou d'un centre-bourg, selon vous, ça concerne plus spécifiquement quel type de collectivité, quel type de ville? Est-ce qu'on a un cœur de cible dans votre initiative du jour? C'est, moi, je vois en Meurthe-et-Moselle, dans mon département, bon, à Nancy, on a une politique pour soutenir la vitalité de centre-ville. C'est vrai qu'on n'a pas les mêmes obstacles que d'autres villes, qui sont des villes qu'on qualifie souvent de moyennes, hein, autour de 20 000 habitants. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les difficultés techniques sont les mêmes. Entre la concentration sur Nancy, la métropole, d'habitants qui, du coup, consomment moins dans leur ville d'habitation et désertent parfois des bourgs ou des villes moyennes, il y a effectivement un facteur sur lequel il faut retrouver des équilibres. Nous, on est plutôt guettés par la congestion de notre centre-ville que ne le sont les villes moyennes ou les bourgs. Donc, c'est vrai que les problèmes peuvent être différents. Les outils, quand même, se ressemblent. On est face à des difficultés réglementaires, techniques, à un surcoût du foncier et de l'immobilier, à une difficulté d'intervention et surtout à de l'habitat comme du local d'activité qui évolue pas très vite finalement. C'est quasiment un des contextes où ça évolue le moins vite. Donc la mise aux normes, aussi bien pour les attentes des commerçants et des entrepreneurs que pour les attentes des habitants, parce que le fondement initial, c'est les habitants. Plus il y a de résidents dans le quartier, que de centre-ville, mieux c'est. On crée déjà au moins une économie présentielle. Il faut aller au-delà, bien sûr, mais renoncer à l'économie présentielle, c'est quand même un premier abandon. Donc on s'aperçoit qu'en fait, on est quand même face aux mêmes difficultés. D'ailleurs, on réfléchit, parce qu'on a une SEM d'aménagement qui travaille sur l'ensemble du sud de la Lorraine, et on réfléchit en fait dans cette SEM à des outils qui seront mis à la disposition aussi bien de Nancy que de Lunéville, de Toul, ou même de communes plus petites, de 1000 à 2000 habitants comme Arouet. Donc on voit que, je crois qu'on a beaucoup de combats communs à engager, quelle que soit la taille de la commune. Votre fonction va changer maintenant. Vous allez avoir une fonction de discussion, d'interrogation des orateurs qui vont défiler à vos côtés cet après-midi. Vous avez souhaité, messieurs, un petit point didactique, un point théorique. Il est porté par Philippe Moati, qui opine. Oui, alors je vois le sourcil qui se soulève. Ce sera peut-être pas si théorique que ça. Je vous propose le pupitre. Vous êtes professeur d'économie à Paris Diderot, et vous avez une forte acuité consumériste. Vous êtes un ancien du Crédoc, et vous allez nous justement peut-être rebondir sur ce propos. Qu'est-ce qui menace le commerce de centre-ville? Quelles sont les tendances de fond pour un décideur public à prendre en compte? On a un petit segment de 15 minutes qui sera peut-être commenté par nos deux présidents de séance, pas par l'auditoire, parce qu'on ira très vite vers la table ronde. 15 minutes à 12, je me lève et je viens vers vous tranquillement. Merci, bonjour à tous. Je vais rebondir sur vos propos. Vous parliez d'une grande transformation. En 2011, je publiais un bouquin qui s'appelait « La nouvelle révolution commerciale ». Donc, je suis convaincu que nous sommes en train de traverser une période de renouvellement profond de la manière de faire commerce et plus généralement de satisfaire les besoins des consommateurs. Et si vous suivez un tout petit peu l'actualité de ce secteur, vous avez sans doute comme moi le sentiment d'une brutale accélération. Les choses ont commencé lentement, mais là, l'actualité témoigne de changements extrêmement profonds et à un rythme accéléré. Et donc derrière ça, c'est un nouveau visage de l'appareil commercial qui est en train d'émerger. C'est pas fini, mais le processus est en cours. Et associé à ce nouveau visage de l'appareil commercial, eh bien, un renouvellement des modalités de son inscription sur le territoire. Donc je pense qu'effectivement, alors que vous réfléchissez à comment revitaliser les centres-villes, il est essentiel de comprendre ce qui est en train de se tramer, d'en comprendre les moteurs et d'essayer d'anticiper vers quoi ça nous mène. Alors évidemment, en 15 minutes, je ne vais pas pouvoir aller au fond du sujet, je vais juste essayer de vous donner quelques petits points de repère, et notamment commencer par expliciter les causes de cette révolution commerciale. En fait, si c'est une révolution, c'est précisément parce qu'il n'y a pas une cause, mais il y a un faisceau de causes qui se combinent, c'est une sorte de cocktail qui combine des facteurs économiques, sociétaux et technologiques. Et je mets le technologique en dernier parce qu'on a tendance à rentrer dans le sujet par la technologie et on a tort. Alors, facteur économique, le secteur du corps, le capitalisme a énormément changé, il évolue en permanence et il est très clair que nous sommes entrés depuis quelques décennies dans un nouvel âge de l'histoire du capitalisme. Mais le secteur du commerce a pris du retard dans son adaptation à cette nouvelle donne, comparée à l'industrie par exemple, sans doute parce que c'est un secteur essentiellement domestique, protégé de la concurrence internationale. J'ai envie de dire aussi que c'est un secteur oligopolistique, où on est un peu entre soi, pas trop chatouillé par des nouveaux entrants. Et donc on a accumulé du retard et ce qui domine encore aujourd'hui l'appareil commercial,
Eh bien, c'est des concepts, des formats, des modèles économiques qui nous viennent du monde d'hier, du capitalisme industriel des 30 Glorieuses. Alors, évidemment, par rapport au premier super et hypermarché, les choses ont évolué, mais c'est une évolution, c'est pas une révolution. Et donc, on a un appareil commercial qui, globalement, est un peu daté par rapport à ce qu'est devenu l'économie et les fondements du capitalisme. Alors, pour aller à l'essentiel sur ce point, je dirais qu'en gros, on a quitté une économie qui était poussée par l'offre, qui était une économie descendante, pour entrer dans une économie qui est tirée par la demande. Vous voyez, moi, ça me prend une phrase pour le dire, mais c'est une véritable révolution copernicienne. Ça change tout. Ça amène les entreprises à s'orienter client. C'est le mot d'ordre, mettre le client comme point de départ de la réflexion stratégique. Eh bien, le commerce, avec retard, est en train de prendre conscience de l'importance de penser un peu moins produit et un peu plus client. Mais vous savez, on ne change pas les gènes d'une entreprise, surtout quand elle est devenue très grosse, du jour au lendemain. Donc c'est un peu compliqué. Et la prise de conscience qu'aujourd'hui, la valeur se crée au point de contact avec les clients est en train de provoquer une sorte de ruée généralisée vers ce point de contact. Et en particulier, les fournisseurs des distributeurs, les industriels, sont en train de devenir des prestataires qui traitent en direct avec les consommateurs, en ligne ou en magasin, pour certains d'entre eux, et ont tendance un peu à squeezer le revendeur, qui est peut-être une figure qui est appelée à disparaître. Ça, c'est pour ce qui est des facteurs économiques, excusez-moi d'aller au pas de charge. À ça s'ajoutent des facteurs sociétaux, ça a été évoqué, l'évolution des modes de vie, des modèles de consommation. Et là, la tendance de long terme, c'est une tendance à la démassification qui est liée au progrès du processus d'individualisation dans la structuration du corps social. Et cette démassification qui rend les consommateurs de plus en plus différents les uns des autres, pour le dire simplement, évidemment, est une attaque frontale au modèle économique de la distribution de masse, qui avait tendance à raisonner sur le consommateur moyen. Donc cette démassification appelle une démassification du commerce. Et c'est pas rien, c'est pas rien. À ça s'ajoute, et c'est lié, le fait que avec une population qui, bon an mal an, au fil du temps, s'est enrichie, les ressorts de la consommation, les ressorts de la décision d'achat ont changé. Et en gros, ces ressorts laissent une place croissante à ce qu'on pourrait appeler des facteurs immatériels et symboliques. Donc on n'achète pas seulement ce dont on a besoin objectivement, fonctionnellement, on achète aussi parce que ce qu'on achète véhicule un imaginaire, des symboles, des valeurs, donc des choses beaucoup plus compliqué à incarner dans une offre marchande, qui nécessite une compréhension de ce qui se trame dans la société, dans l'esprit, le cœur des consommateurs, et qui, quand c'est bien fait, est susceptible de créer de la valeur économique. Et en même temps, ça intensifie l'hétérogénéité de la demande, puisqu'on est ici en plein pied dans le subjectif. Le subjectif. Donc, une demande qui se fragmente, qui se complexifie, et par ailleurs, une toile de fond, et là, je ne vais pas pouvoir être démonstratif, de mise en doute du système. On sent clairement que tout ce qui nous vient du monde d'hier, ce modèle industriel, les grandes entreprises qui transforment, la grande distribution qui vend, ben ce système ne fait plus rêver, pour commencer, et suscite même de la défiance, et nourrit, ce qu'on mesure dans nos enquêtes, une aspiration à consommer autrement. Donc quelque part, les consommateurs ont presque pris de l'avance par rapport au système d'offres, et réclament un peu autre chose, pas forcément de manière militante, là c'est une petite élite, c'est diffus dans l'opinion, mais c'est quelque chose qui gonfle, qui monte et qui suscite le développement d'approches alternatives dont je dirai un mot dans un instant. Enfin, facteur technologique, c'est évidemment le numérique, qui est un formidable outil pour répondre aux enjeux que je viens d'évoquer, notamment l'individualisation de la demande. Par exemple, Amazon vend en France 250 millions de références. Donc quand effectivement il s'agit d'offrir à chaque consommateur le produit ou le service qui lui correspond le mieux, sachant cet éclatement du modèle de consommation, ici on a effectivement, à l'échelle d'un site ou à l'échelle de l'ensemble des sites de e-commerce, le plus grand magasin du monde, ce qu'aucun magasin physique ou pôle de magasin physique ne peut évidemment apporter. La même technologie fournit de formidables outils pour mettre en place une relation de service personnalisé avec les clients. Je parlais tout à l'heure de l'orientation client, mettre le client comme point de départ. Avec ça, on peut, à l'échelle de la masse, mettre en place une relation de service qui consiste à dire, client, explique pas ton problème, je vais mobiliser des moyens pour t'accompagner dans l'obtention de la solution. Ça, en face à face avec des moyens humains, ça génère des coûts exorbitants, on revient à l'artisanat, si vous voulez. Donc il faut être capable de le faire avec des coûts maîtrisés, et ça, c'est le numérique qui permet de le faire. Donc on a ici un formidable outil pour répondre aux enjeux économiques et sociétaux que j'ai évoqués tout à l'heure. Et donc tout ça contribue à diffuser des modèles qu'on va qualifier de serviciels, où il s'agit moins de vendre des produits que de vendre des solutions.
inimaginable sans le numérique. Encore faut-il avoir opté pour cette orientation client qui sensibilise à cette demande des consommateurs. Et c'est là que le bât blesse, c'est que le numérique a amené des nouveaux acteurs sur la scène. Les fameux géants du numérique qui n'étaient pas des géants il n'y a pas si longtemps. Amazon aurait pris le mal à la racine il y a 10 ans, c'était réglé. Aujourd'hui, ce sont des géants et ce sont des digital natives. C'est-à-dire que non seulement ils sont grands, puissants, mondiaux, mais ils sont nés dans ces technologies et donc les maîtrisent parfaitement. Et il n'y a pas l'ombre d'un doute. Autant la précédente révolution commerciale s'était appuyée sur la technologie clé du moment qui était l'automobile, autant cette nouvelle révolution commerciale va s'appuyer sur la nouvelle technologie clé qui est le numérique. Et là, nos acteurs du commerce, globalement, même les plus gros, ont pris du retard et ont face à eux des champions de ces technologies. Donc quand on prend tous ces éléments du cocktail, qu'est-ce que ça produit? Ça produit un fractionnement de l'appareil commercial. Le patron du groupe Casino avait trouvé la formule, je la reprends. Nous sommes en train de passer d'une distribution de masse à un commerce de précision. C'est-à-dire, en fait, au lieu d'avoir des formats monolithiques qui essayent de servir tout le monde de la même manière, bien pour répondre à cette fragmentation de la demande, on a une multiplication de concepts commerciaux qui ne cherchent pas à plaire à tout le monde, mais cherchent à plaire beaucoup à une cible qui a été identifiée, étudiée, et vis-à-vis desquelles on essaye de construire une offre qui soit en étroite adéquation avec ses besoins et ses attentes. Donc un fractionnement du paysage commercial qui se voit notamment quand on regarde le portefeuille d'activités des grands groupes de distribution, on se rend compte que c'est un empilage d'enseignes et de concepts qui chacun travaille avec précision une poche de marché. Conséquence d'ailleurs, ça met à mal les concepts qu'on va appeler holistiques, c'est-à-dire ceux qui continuent de vouloir satisfaire tout le monde, et au premier rang desquels, les hypermarchés. Les hypermarchés qui restent par leur taille condamnés à servir de l'eau tiède au plus grand nombre. Et donc la crise des hypermarchés dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines a comme raison première cette fragmentation de la demande et en réponse cette éclosion des concepts de précision qui fait qu'il y a d'évasion de partout. Chacun d'entre nous trouvons une offre plus adaptée à nos besoins dans les différents concepts qui ont été proposés depuis la création des hypermarchés. Au total, et toujours dans le cocktail que ça produit, ça nous amène à une demande des consommateurs qui devient extrêmement complexe par son hétérogénéité et la subtilité des ressorts qui sont derrière. Donc je retiens quelques évolutions simultanées. On observe une demande de sens de la part des consommateurs, qui passe en lien avec ce que je disais tout à l'heure sur la prise de distance par rapport au système. Cette demande de sens, ça va nourrir les circuits courts. Les commerces alimentaires bio, par exemple, qui ont une vitalité effrayante. Mais en même temps, on observe une montée de la demande de la bonne affaire. Donc on veut du sens, mais en même temps, on surveille son porte-monnaie et on veut de la bonne affaire. Et là, ça provoque la prospérité des concepts hard discount, des solderies, qui se portent très bien d'ailleurs dans la périphérie des petites villes. Et en même temps, alors c'est les mêmes quelquefois, ça peut être des segments différents, mais c'est parfois les mêmes. On observe la montée d'une demande de simplification du quotidien. Tout ce qui est un peu contraignant, mais en débarrasser auprès de prestataires qui sont à l'écoute et qui ont su bâtir des solutions. Le drive a été une illustration de ce phénomène. Et aujourd'hui, vous voyez le combat qui se livre en matière de e-commerce, en matière de réduction des délais de livraison, on est complètement là-dedans, on est dans le règne de l'instantanéité, et ça porte un nouveau secteur de l'économie qu'on appelle l'économie on demand. Toutes ces choses qu'on peut faire venir à soi en une fraction de seconde grâce à une application sur smartphone. Donc vous voyez la complexité du paysage. Il n'y a pas une tendance, il y en a plusieurs. Et quelquefois, nous sommes individuellement traversés par ces différentes tendances. Et pour rajouter une petite couche, ce cocktail que je viens de vous décrire fait enfin entrer le commerce dans l'économie de la connaissance. Car les transformations du capitalisme que j'ai esquissées à grands traits tout à l'heure comportent un aspect qui est reconnu par la plupart des économistes. Nous sommes aujourd'hui dans une économie de la connaissance où la richesse et la valeur se créent par la maîtrise de connaissances de plus en plus sophistiquées qui créent de l'innovation. Eh bien, ça change complètement les formes d'organisation des entreprises et ce qui est à la base de leur compétitivité. Et là, dans le monde du commerce, c'est une révolution, mais qu'on aborde très tardivement. Parce que jusqu'à maintenant, la compétitivité d'un distributeur, ça reposait sur sa puissance. Désormais, il faut que ça repose sur son intelligence. Une intelligence dans quel domaine? La captation des données sur les clients et la capacité à la traiter, en tirer une compréhension qui permet d'optimiser son offre. Et là, on est très, très, très loin du compte. Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, sur les géants du numérique, qui, eux, sont évidemment les leaders dans la captation des données et dans le traitement de ces informations. Donc, quel paysage commercial s'annonce à partir de tout ce que je suis en train de vous dire? D'abord, avec la croissance du e-commerce qui est loin d'être terminée, ça a été dit.
on va vers un excès de mètres carrés commerciaux. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde le reconnaît. Et s'il y a excès de mètres carrés commerciaux, alors qu'on continue d'en construire, eh bien, nécessairement, on va vers des surcapacités croissantes et des friches. Donc ça, un aspect quantitatif qui est difficilement contestable. Deuxièmement, on va vers une sorte de spécialisation du commerce. Pas au sens des produits, mais spécialisation au sens du commerce de précision que j'évoquais tout à l'heure. Des commerces qui ne cherchent pas à satisfaire tout le monde, mais qui vont être de plus en plus précis dans l'abord des clients. Et avec certainement une intensification de la dimension servicielle. On ne sera pas là uniquement pour vendre des produits, mais pour prendre en charge globalement le besoin du client dans une relation client qui va s'épaissir et s'enrichir. Et donc ça va produire certainement des nouveaux lieux de commerce. Parce que du coup, un commerce de précision, localisation de précision, quand on est dans une approche servicielle, il faut toujours être aux côtés du consommateur au moment où le problème se présente. Et donc, on va avoir une diversité des modes d'implantation. Donc, si je résume, trop de mètres carrés et pas tout à fait les bons. C'est-à-dire qu'on aura certainement devant nous un épisode de restructuration de l'appareil commercial importante. Et puis, dernier point qui est important, je pense que le modèle économique des magasins va changer. Actuellement, le modèle dominant, c'est de faire une marge sur les produits qu'on a achetés au moment de la revente. Je crains qu'on aille vers des modèles plus sophistiqués, et j'en vois deux qui émergent. Le showroom, c'est-à-dire le magasin qui ne vend pas, le magasin qui expose tout simplement les produits. On pense notamment à tous ces fabricants qui intègrent la distribution. Leur rentabilité est construite sur toute la chaîne de valeur, pas seulement sur le magasin. Donc, à la limite, si le magasin ne rapporte rien, si ça permet de vendre les produits qui sont fabriqués en amont, il n'y a pas de problème. Donc, on voit très bien qu'il y a une dynamique vers le showroom et une autre dynamique qui pointe à peine le bout de son nez, mais qui peut avoir des conséquences dramatiques, c'est la plateformisation du commerce. Et on en a déjà des illustrations. La presse spécialisée nous dit que... Alors, je vais vous expliquer ce que c'est. C'est d'être obligé de passer par Amazon ou Google pour toucher le consommateur final. Donc, vous savez qu'Amazon a déjà un service de livraison de produits frais, hein, alimentaires frais, sur la région parisienne en une heure, et ils sont en train de se battre. Et quand je dis « ils sont en train de se battre », c'est Monoprix et Système U pour fournir Amazon. Donc de plus en plus de distributeurs vont passer par Amazon pour toucher le client final. On parle d'un accord entre IKEA et Amazon. IKEA vendra sur le site d'Amazon. Donc en fait, ce qui risque de se passer, c'est que nos distributeurs, les petits comme les grands, risquent de devenir des fournisseurs de ces plateformes numériques qui vont devenir un point de passage obligé, que ce soit en matière de e-commerce ou de commerce physique. C'est l'arroseur arrosé, hein, vous constaterez, qui risque de se retrouver dans la position de leurs fournisseurs actuellement, avec des clients, hein, des Google et des Amazon, extrêmement puissants, qui seront capables de tirer la valeur à eux. Donc attention, des changements de business model, on n'a encore rien vu. On est au tout début d'un processus qui va être redoutable. Je terminerai dans la minute qui me reste sur quelles conséquences tout ça pour les centres-villes, notamment des villes moyennes et des bourgs, qui est votre sujet. Bon, en tant qu'économiste qui enseigne l'économie régionale, je dois dire que, évidemment, ce n'est pas qu'un problème de commerce. Je pense que tout le monde le sait. Et quand même que si beaucoup de centres-villes dépérissent, c'est tout simplement qu'ils sont victimes de la métropolisation. C'est-à-dire que les forces contre lesquelles on a à jouer, elles sont d'une redoutable puissance. Et plus on rentrera dans l'économie de la connaissance, plus la métropolisation va s'exercer avec virulence. Car l'économie de l'innovation est encore plus concentrée dans l'espace que l'économie de la production. Donc, ça va être dur, hein, il va falloir jouer un peu contre le vent et la marée, et ça va être difficile. Ceci dit, je pense que les démarches qui ont été inaugurées, vous en avez parlé, qui prennent le problème de manière transversale, qui ne se mettent pas au commerce, c'est évidemment la bonne manière de procéder. Je ne dis pas que c'est assuré de réussite, mais c'est à peu près la seule manière d'y parvenir. Facteur favorable, parce que je ne voudrais pas finir sur une touche négative. Facteur favorable, ce qu'on voit dans nos enquêtes à l'Obsoco, c'est qu'il y a une défiance à l'égard du grand. On n'aime pas le grand. On n'aime pas la grande entreprise. On n'aime pas la grande distribution. On n'aime pas les marques. Donc on n'aime pas les grands acteurs de l'économie. Et ça rejoint ce que j'évoquais tout à l'heure sur la défiance à l'égard du système. Par contre, on aime le petit. On aime le petit, on aime l'artisan, on aime le paysan, on aime le petit commerçant, on aime la petite entreprise. Et là, c'est quand même quelque chose qui est porteur d'espoir, disons, pour un commerce indépendant en petite surface. De surcroît, autre élément très intéressant, nous avons réalisé cette année un observatoire du rapport des Français à la ville. Et ce que révèle cet observatoire, mais beaucoup le savent déjà, c'est qu'il y a une énorme aspiration à quitter la grande ville pour aller vivre dans la ville moyenne ou dans le bourg. Quand même, un énorme paradoxe. Alors que précisément, ce sont les hommes malades, en quelque sorte, de la géographie de la France, il y a une énorme aspiration, notamment des métropolitains, pour aller vivre dans ce type d'environnement.
Et ceci est rattaché à ce que je viens de vous dire précédemment. Parce que là, on y retrouve, de manière fantasmatique, le petit, on y retrouve l'authenticité, on y retrouve l'ancrage, à la fois historique et géographique, et on y retrouve la proximité. Donc il y a une aspiration latente dans l'opinion publique à la déconnexion, au ralentissement, à la proximité. Et ça, je pense que c'est des valeurs que vous pouvez exploiter. Alors ça sera, je ne sais pas si c'est suffisant pour lutter contre la métropolisation, mais c'est déjà un élément intéressant sur lequel il faut travailler. Ça ne distancera pas de relever le niveau des commerçants. Car attention, il y a effectivement des forces contraires, mais il y a aussi des responsabilités au sein même du monde du commerce, et notamment du commerce de centre-ville, où quand même du retard a été pris sur beaucoup de facteurs. Donc je pense qu'il faut continuer à former les commerçants sur l'accueil et les services, parce que les exigences en la matière sont en train de monter du côté des consommateurs, et évidemment passer par le numérique. Et le numérique est une formidable opportunité. Quand la demande locale n'est pas suffisante, grâce au numérique, on peut étendre ses débouchés, quelquefois à l'international, si on est très pointu. Il faut prendre acte de ce commerce de précision et se positionner par rapport à cette segmentation de la demande. Et enfin, je parlais de la plateformisation comme une menace. C'est une menace pour Carrefour et Casino. Mais pour un commerçant indépendant, s'appuyer sur les épaules de Google ou d'Amazon pour élargir son marché, c'est une formidable opportunité par les places de marché que ces sites offrent. Et si on a peur de s'appuyer sur les épaules des grands, inspirons-nous de ce que font les grands et à l'échelle d'une ville, organisons des services mutualisés qui s'appuient sur du numérique avec le professionnalisme que les consommateurs ont appris à goûter grâce à l'excellence des grands acteurs du numérique. Donc la cause n'est pas perdue. Je vous souhaite de réussir dans votre réflexion. Elle va être tout simplement difficile et restez bien à l'écoute des mutations que traverse le secteur de l'activité. On n'est pas au bout. On n'est pas au bout et je pense que les années qui viennent vont témoigner d'une accélération des changements et au final, on aura un paysage commercial très différent. Donc ne soyez pas dans des actions associées au monde d'hier. Mettez des actions par rapport au monde de demain. Merci de votre attention. Petite virgule sur ce discours très churchillien du sang et des larmes promis par M. Moati, réaction de nos deux grands témoins. Bien, Monsieur Moati, finalement, vous nous promettez que non seulement on a des problèmes dans nos centres-villes, mais il va falloir aussi s'occuper des friches commerciales en périphérie. Donc on a un nouveau problème, il ne sera pas traité tout à fait aujourd'hui. Mais, non, mais par contre, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on est vraiment dans une période de mutation profonde, avec un changement de comportement du consommateur, beaucoup plus d'exigences, demande de beaucoup plus de proximité. Et le centre-ville, c'est la proximité, demande d'échange, demande de lien. Et c'est exactement ce qui caractérise le centre-ville. Et du coup, ça nous donne de vraies opportunités nouvelles, à condition évidemment qu'on s'adapte à cette nouvelle donne. Et le commerce tel qu'on l'a connu, sans doute va-t-il encore survivre, mais il va surtout évoluer énormément. Et ce que vous venez de dire en terminant, sur le numérique, on a là des potentiels qui sont extraordinaires. Il y a d'ailleurs des initiatives qui sont prises aujourd'hui, avec tout un tas de... J'achète au puits, par exemple. Hein, je sais qu'il y a une expérience comme ça qui est menée au puits. Il y a aussi aujourd'hui des points de contact qui sont organisés à partir du e-commerce pour qu'un commerce devienne aussi un lieu où on vient chercher ce qu'on a pu choisir sur Internet. Enfin, il y a tout un tas de... Il y a un monde nouveau qui s'ouvre à nous et qui doit rentrer dans une logique de service de proximité à l'intérieur du centre-ville. Et c'est là qu'on revient au côté transversal. C'est qu'aussi, grâce au numérique, on pourra à la fois apporter, avec une simple carte, du service, mais aussi du commerce. Voilà. Et là, il y a sans doute des opportunités nouvelles très intéressantes. Donc, merci pour cette présentation. Je pense qu'il faut qu'on laisse la place aux explications, aux tables rondes. Donc, je m'arrête là. Laurent Hénard, je suis manager du centre-ville de Romorantin. Qu'est-ce que j'entends du propos de Philippe Moati ? Je pense que ça nous renvoie de toute façon au même défi. Hein. Le premier... c'est d'être capable de comprendre qu'il va y avoir une contraction des surfaces commerciales. Et les outils publics ne sont pas adaptés à ça aujourd'hui. Je prends deux exemples. Quand vous voulez utiliser les crédits de l'ANA pour transformer un rez-de-chaussée de commerce en habitation, ça ne marche pas. Alors que vous soyez à Romorantin, à Saint-Flour ou à Nancy. C'est quelque chose de complètement absurde. Même remarque, on voit que ce que vous dites sur le changement de mode de consommation implique en revanche un changement de logistique avec beaucoup plus de besoins de logistique nouvelle et de logistique intelligente. C'est des compétences, c'est des emplois, c'est aussi un vecteur de reconversion de surface périphérique. Je crois qu'on peut aussi être sur des logiques
que vous avez évoquées, de diversification des produits. Cette diversification, pour beaucoup de consommateurs, elle s'éclaire avec une volonté de circuit court, d'économie locale et régionale. Ça implique des sites de production aussi. Enfin, voilà, je crois qu'il faut premièrement qu'on s'équipe sur cette idée-là d'une restriction durable des surfaces commerciales et donc de leur reconversion. C'est indispensable parce que c'est ça la ville dense et c'est quand même ça d'assumer tous ensemble la transition écologique. Deuxièmement, vous avez opposé métropole et ville moyenne et bourg. Moi, je pense aussi qu'il faut qu'on sorte de là. On a une bataille de retard sur les tailles d'intercommunalité. Enfin, je veux dire, voilà, on oppose des territoires qui devraient se mettre en réseau. Et on voit d'ailleurs que c'est extrêmement difficile, bien sûr, de surmonter ça. Mais si on n'y arrive pas, là aussi, on va perdre du temps par rapport à un monde qui évolue sans qu'on lui donne d'ordre et sans qu'on décrète des politiques publiques. Et je pense qu'à un moment donné, travailler à l'échelle des zones d'emploi, des aires d'influence, voilà, il y a une autre architecture territoriale à bâtir, différente d'ailleurs d'une région à une autre. Et ça, il faut à tout prix que l'État français jacobin l'entende et que les élus que nous sommes, souvent avides d'égalité, voilà, laissent une place à l'initiative et à la liberté. Puis la troisième remarque que je voudrais faire brièvement sur ce que vous avez dit, c'est que je pense qu'une partie quand même aussi de cette nouvelle consommation, elle n'est pas écrite. Et que des initiatives locales, des expériences qui rencontrent une opinion, un art de vivre, un terroir, une population, je veux dire, dans une ville qui est très étudiante, on ne fait pas comme dans une ville où finalement ceux qui sont résidents sont avant tout des travailleurs installés durablement. Je pense qu'on peut aussi avoir notre volonté d'imprimer quelque chose dans un mode de consommation en transformation et en changement. Alors ce ne sera pas forcément déterminant à l'heure de la mondialisation, mais chacun des facteurs additionnés à l'autre peut nous permettre d'avoir des dynamiques locales heureuses. Moi j'en suis intimement convaincu. Laurent Hénard, Pierre Jallier, on va continuer dans ce développement des constats, des attentes, avec quatre orateurs pour cette table ronde qui va nous entraîner jusqu'à 16h, dont 25 minutes d'échange avec vous. Peut-être inviterai-je donc Madame Bonjean, est-elle là? Est-ce qu'elle est là? Bonjour Madame, je vous propose de passer derrière moi et de profiter de ces quelques marches. Est-ce que Nicolas Sansu est là? Donc Madame Bonjean, bienvenue à vous Monsieur le maire. Madame Bonjean qui évolue à Dax, du côté de l'Interco et également de la mairie. On vous a situé là, Madame Bonjean, Monsieur Sansu de l'autre côté, si vous me permettez, il y a un chevalet qui est devant vous. Tout ça est soigné et on a Vierzon là qui avec vous est représenté. Christophe Gertier, bienvenue à vous monsieur le député pour la Corrèze et Sonia de la Provoté, notre sénatrice. Là, bonjour madame, je vous en prie. Alors je vous propose une organisation qui a été vue avec l'AMF. On va, monsieur Jarlier et monsieur Hénard, écouter d'abord les élus locaux dans la singularité de leur situation, leurs attentes, peut-être aussi à l'égard des pouvoirs publics ou à l'égard d'autres acteurs. Et puis ensuite, on demandera aux parlementaires de réagir, chacun ayant des responsabilités du côté de commission, de délégation, et ainsi d'élargir l'échange. Et puis on vous entendra ensuite du côté de vos colères ou de vos questionnements simplement. Elisabeth Bonjean, bonjour. Comment va le Dax et le Grand Dax? Comment vont-ils? Très bien. Alors peut-être y a-t-il un pressoir, voilà, un bouton pressoir. Merci, oui, bonjour, très bien, toujours première ville thermale de France, donc je le précise parce que ça amène aussi d'autres petits problèmes. Oui, c'est sûrement une responsabilité. En termes de dynamique de centre-ville. Que vous inspire, madame, on a parlé il y a quelques jours, un centre-ville avec, ce qui a été le cas pour Dax, avec 15%, voire un petit peu plus peut-être, de vacances. Quelle est l'émotion ou le sentiment qui vous habite quand vous avez vu ça il y a quelques années? Déjà de se dire que il fallait en effet observer les tendances et ce qui se passait autour. Je crois que c'était la première chose. Et ne pas se laisser enfermer dans tout simplement une critique simpliste de politique publique envers ou contre le commerce de centre-ville. Parce que je crois que ça a été dit par l'ensemble des intervenants. Le problème, il est bien plus complexe. Il est lié à l'évolution de la société, à l'évolution des consommations, aux formes d'habitat, enfin tout ce qui a pu être dit à cette transversalité qui est si importante et qui nécessite cette approche transversale qui n'est pas évidente parce qu'on a l'habitude de fonctionner dans nos politiques publiques de façon très cloisonnée. Et cela a été de se dire, prenons le problème de façon transversale, et nous avons d'ailleurs, c'est amusant parce qu'il s'appelait comme ça, nous avons lancé un programme Cœur de Ville en 2009.
justement, pour essayer de se projeter dans ce que pouvait être la ville dans les 10-15 prochaines années et pouvoir prendre en compte tous les domaines sur lesquels on devrait s'attacher à travailler, de l'urbanisme à l'habitat, en passant par le soutien au commerce, mais aussi l'innovation, mais aussi la formation des commerçants. On a essayé de balayer cette palette-là et, bien sûr, à partir de ça, de se saisir d'outils pour essayer d'avancer. Mais en tout cas, on s'est dit... Tout change en effet, mais on va essayer de ne pas subir, on va essayer d'agir. Alors aujourd'hui, d'ailleurs, vous êtes à 3 ans plus tard, à 10% de vacances. Effet ou pas, en tout cas, il y a sûrement un lien avec les initiatives que vous avez développées, que vous venez déjà plus ou moins de citer. À quel centre-ville aspirez-vous ? Alors, je vais reprendre les propos qui viennent d'être dits, parce que c'est l'un de nos projets phares qui rallie justement toutes ces aspirations. Dax est une ville moyenne, 22 000 habitants, dans une agglomération, une communauté d'agglomération de 58 000 habitants, qui est le premier territoire thermal de France, c'est-à-dire qui accueille 60 000 personnes en cure par an, qui est pas très loin de la métropole bordelaise, à 1h10 en train, à 1h30 en voiture, mais suffisamment éloignée pour garder finalement son identité. Et la ville moyenne à laquelle j'aspire, c'est cette ville qui saura rallier l'authenticité, la convivialité. Alors vous m'excuserez, mais je suis du sud-ouest, alors on tient beaucoup au bien-être, au bien-vivre, à cette forme de convivialité, l'authenticité alliée à la modernité, à l'innovation. Et c'est finalement le fil conducteur de ce sur quoi on essaie de travailler. Se dire que si on vit dans une ville moyenne, moi, je suis conseillère régionale, donc je vais aussi régulièrement à Bordeaux. Je vis à Dax. Si je vis à Dax, c'est pour y trouver aussi un art de vivre. C'est pour y trouver une nature préservée. C'est pour y trouver une façon de vivre un petit peu plus ralentie. C'est pour y trouver la proximité et l'authenticité et la convivialité qui vont avec. Donc c'est le fil conducteur, finalement, de nos politiques publiques pour garder cette identité et cette différence... peut-être, avec les métropoles et identité et différence qu'on assume avec fierté, y compris comme on assume notre accent. Vous avez mis en place des marchés, vous avez une charte d'occupation du domaine public, je le fais un petit peu en vrac, pardonnez-moi, il y a le FISAC qui a été sollicité, il y a une signalétique, on maquille les surfaces qui sont vacantes, on fait de la vitrophanie, on parle d'électronique également pour les boutiques, la signalétique. Il y a une dimension dans votre politique depuis 3 ans qui est intéressante, c'est d'avoir taxé les friches. Vous ne voulez pas être réduite à ça, mais c'est vrai que c'est une dimension intéressante. C'est pas très populaire, hein, mais... J'entends bien, ici ça le sera peut-être en tout cas. Vous avez taxé les propriétaires de friches vacantes. Alors, vacant, oui. Est-ce que c'est un... À quelles conditions ça peut fonctionner ? À quelles conditions ? Ça se prépare d'abord. Ça se travaille en amont. C'est-à-dire arriver jusqu'à la taxe des commerces vacants. On a une spécificité à Dax, c'est pour ça que je rappelais que c'était une ville thermale. On a une spécificité, c'est que pour une ville de la même strate, on a le double de commerces. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en centre-ville, on a 450 commerces, alors qu'une ville de la même strate en a 250. Donc déjà, il faut en effet franchir ce cap des changements de consommation et accompagner aussi les commerces qui ne sont plus d'actualité ou qui ne répondent plus tout simplement, parce qu'il y a moins de besoins de consommation. Donc il faut accompagner ces propriétaires-là, il a fallu les sensibiliser donc pendant plusieurs mois avant d'en arriver à la taxe et au vote de la taxe. C'est déjà grâce à notre pôle développement économique où on a une manager de centre-ville. Je crois qu'on a, sur Dax, on a essayé d'avoir tous les outils qui existent aujourd'hui, qu'ils soient incitatifs, coercitifs ou en termes de politique publique, on a essayé petit à petit de se les approprier. On a mis en place un travail avec les propriétaires qui ne sont pas forcément de Dax, qui habitent parfois ailleurs, qui ont parfois certains oublié que ce commerce qui est vide appartient à leur grand-mère qui habite à 300 km. C'est leur envoyer les informations sur leur commerce, leur dire que depuis 10 ans, leur commerce est vide, que ce n'est pas très bien dans une rue piétonne d'avoir ce commerce vide depuis 10 ans, avec une façade et une vitrine dégradées. Je leur écris, je leur envoie des photos, je leur demande d'intervenir, tout au moins pour nettoyer leur façade. Et puis ensuite, on est allé un peu plus loin en expliquant que la deuxième étape, ce serait la mise en place d'une taxe qui serait votée en conseil municipal. Bon, ça a bien sûr un petit peu réagi.
n'étaient concernés ou ne sont concernés que ceux qui ont des commerces vacants depuis plus de 2 ans. Cette taxe, on la double la 2e année et on la double encore la 3e année. Bon, il va de soi que dès que les propriétaires ont reçu les courriers comme quoi ils allaient être soumis finalement à ce risque de taxe, malheureusement, l'argent, c'est souvent le nerf de la guerre. On a vu un petit changement de tendance. Mais c'est vrai que depuis 3 ans, y compris ceux qui ne sont pas concernés directement par la taxe, font des efforts en ce qui concerne leur vitrine inoccupée, mais enfin des efforts de nettoyage, de propreté tout au moins, font pour d'autres des efforts énormes au niveau de la diminution des loyers. Puisque le problème principal était certes des commerces vacants, mais surtout des commerces avec des montants de loyers et des droits d'entrée inappropriés aux problématiques économiques et commerciales de nos centres-villes, de villes moyennes. Et ça, ça a été le travail de votre observatoire. Ça a été le travail de l'observatoire. Exactement. Le travail de l'observatoire, repérer les commerces vacants, repérer les droits d'entrée dans ces commerces vacants, repérer les exigences de montants de loyer pour ces commerces vacants, les repérer par rapport au prix du marché sur une commune comme la nôtre, et à partir de là, accompagner aussi les propriétaires. Il va de soi que, bien entendu, quand le propriétaire reçoit cet avis qu'il risque d'être soumis à cette taxe, on est là pour accompagner. On est là justement pour l'accompagner, pour peut-être faire baisser son loyer. Les loyers ont baissé de 30%. Je le dis parce que ça, c'est des résultats concrets de l'évaluation et de l'observatoire que l'on peut avoir sur les 3 dernières années. Des loyers qui diminuent de 30%, on a trouvé preneur, bien entendu. Les propriétaires eux-mêmes finissent par trouver preneur dans des rues vraiment très, très importantes du cœur de ville. Les droits d'entrée supprimés. Donc on voit bien qu'on a... Mais ça ne suffit pas. Tout ça ne peut pas être pris juste comme ça, la taxe... Sur les commerces vacants, tout ça doit être lié à une politique beaucoup plus globale et une politique d'accompagnement, y compris de formation ensuite des commerçants. Commerce friendly. D'ailleurs, dans les années 90, je crois que les Anglais avaient identifié que les centres-villes allaient leur poser un petit problème, que ça se désertifiait. Et ils avaient lancé une opération nationale qui s'appelait Town Center First, je crois. Alors, du côté de Dax, je crois qu'il y a une opération, une actualité qui est très importante, c'est une halle. Mais pas n'importe comment. Cette halle qui va être un moteur va être connectée. Il va y avoir des éléments de modernité un peu qui renvoient finalement à la grande distribution. Telle qu'elle voudrait non, être. Alors. Non. Je ne prends pas ce que vous avez dit à la fin. Corrigez. Je veux surtout qu'on se différencie de la grande distribution. Il y aura du drive. Parce qu'on essaie. Oui, bah, c'est plus pour répondre justement aux attentes. Des clients que ressembler à la grande distribution. Okay. C'est plus dans cet état d'esprit-là. On a la chance d'avoir, je l'ai dit, une ville moyenne, on a la chance d'avoir des marchés, hein, un marché qui est un marché très ancien, en plus un marché qui est sur la place principale, sur la place de l'église. Enfin, je ne veux pas caricaturer la ville de Dax, mais ça reste encore des lieux importants de rencontres, de convivialité, d'échanges. Et des lieux qui font la différence, certainement, avec les centres commerciaux. Notre différence, elle est bien là. On a des halles qui, malheureusement, depuis les années 80, ne sont plus des halles Baltard, puisqu'elles avaient brûlé, mais des halles qui ont le mérite d'exister. Et nous avons décidé, justement, pour travailler cette différence des centres-villes et peut-être des types de commerces différents que l'on peut apporter dans les centres-villes, de travailler sur la réhabilitation de ces halles, qui seront à la fois des halles avec les circuits courts, avec des commerçants que l'on veut être des vrais professionnels avec un vrai savoir-faire, de vrais artisans, des halles qui seront des halles modernes, des halles connectées. Nous avons déjà des bornes digitales partout dans la ville pour tout ce qui est commerce. Nous avons le très haut débit, puisque nous sommes le seul territoire à être urbain comme rural, intégralement équipé en très haut débit. Nous avons le très haut débit et nous aurons des halles digitales, des halles connectées et des halles avec un drive. Les travaux ont commencé, donc on n'est pas dans des projets à très très long terme, c'est du court terme. Elles seront livrées en 2019. Le travail a commencé avec un travail mené aussi avec la Chambre des métiers pour qu'on reste sur la qualité, avec le département des Landes pour tout ce qui est circuit court, avec les agriculteurs. Vous savez qu'en plus, nous, dans les Landes, on a une spécialité qui est le canard et on a beaucoup souffert justement de la crise aviaire, des 2 dernières crises aviaires. On veut aussi promouvoir justement ces produits un peu exceptionnels
et donner du sens. En fait, on a essayé, c'est pour ça que je rejoins votre intervention, monsieur, essayer de se dire le commerce de demain, c'est un commerce où on doit retrouver du sens. Et à travers ce projet des Halles, qui est pour nous, qui doit devenir demain la locomotive commerciale du centre-ville, la locomotive commerciale autour de commerces différents, les commerces de bouche certainement, on veut redonner du sens, de la convivialité, de l'authenticité à nos commerces de centre-ville en essayant de rallier finalement les tendances qu'attend aujourd'hui le consommateur, le simplifier. Et le drive, c'est pour simplifier justement son approche et répondre peut-être aux exigences de la situation de nos commerces qui périclitent, hein, c'est vrai, et de nos villes moyennes, avec une aspiration à des tendances, aux tendances de demain, sur quelque chose de relativement authentique et classique. Dax et le Grand Dax postule à l'action au dispositif gouvernemental Action Cœur de Ville, donc on vous souhaite bonne chance. Mais on n'est pas à la préfecture, alors je crains que... Ça viendra, oui, peut-être dans un deuxième temps. Peut-être dans un deuxième temps. Voilà. Justement, c'est le moment de vous demander quelles sont vos attentes, alors soit vis-à-vis de l'AMF, soit vis-à-vis comme ça, du corps des pouvoirs publics, ou peut-être de partenaires de l'ESS, des chambres. Quelle est votre requête du jour ? Je crois que ma requête, elle serait peut-être autour de la fiscalité. La fiscalité entre, pour tout ce qui concerne commerce de centre-ville et commerce de périphérie. On sait qu'il y a eu un moratoire à un moment donné sur justement la fiscalité parce qu'elle mettait encore plus en difficulté les commerces de centre-ville que les commerces de périphérie. Et peut-être, puisqu'on a parlé de la taxe sur les commerces vacants, c'est pas suffisant, vous l'avez compris, hein, c'est un outil parmi d'autres, mais c'est pas suffisant. Mais si on veut peut-être amener aussi des propriétaires à remettre leurs commerces vacants dans le circuit, c'est peut-être certaines incitations fiscales, comme on le fait pour l'habitat dans les cœurs de ville, qui leur donne peut-être la possibilité ou l'envie d'aller vers une réouverture de ces commerces. Je crois qu'on a des dispositifs qui existent. Ce que je trouve intéressant dans ce qui nous est proposé, et cela a été déjà dit tout à l'heure, c'est le premier dispositif qui pose la transversalité. Je crois que ça, c'est intéressant. Maintenant, ce que j'attends, bien sûr, c'est de voir quels moyens seront mis en face. Je crois que tout y est. Maintenant, il ne manque plus que savoir à quel niveau sera-t-on aidé pour mener l'ensemble de ces politiques publiques qui sont recensées dans ce plan gouvernemental. Alors, c'est un plan qu'on décrira un petit peu plus dans la seconde table ronde. Messieurs, question à madame, ou bien on va visiter Vierzon. On continue ? D'accord. Nicolas Sansu, peut-être aujourd'hui, que porte comme inquiétude le Grand Vierzon ? C'est bon. Il n'y a pas de Grand Vierzon. Vierzon, vous connaissez de nom, évidemment. Vous connaissez Vesoul, vous connaissez Vierzon. C'est normal. C'est une ville de 27 000 habitants au cœur d'un territoire en déprise démographique. Parce que la question, c'est celle-là. Là. Ça a été dit tout à l'heure. Et la métropolisation, nous, on la voit tous les jours. On la subit, entre guillemets, tous les jours, puisque Vierzon est à 200 km au sud de Paris. C'est la seule ville du grand centre qui n'a pas perdu d'habitants, ou très peu, en 5 ans, 27 habitants de moins. Mais à côté, vous avez Bourges qui en a perdu 350, vous avez Châteauroux qui en a perdu 2400 en 5 ans, vous avez Montluçon qui en a perdu 1500. Donc voilà, on est dans un territoire... Donc il y a un miracle vierzonais ? Non, il n'y a pas un miracle vierzonais, on est plus près de Paris que les autres. Et on a des trains jusqu'à Paris, on a 13 allers-retours par jour. Voilà, il n'y a pas de miracle là-dessus. Par contre, un territoire en déprise démographique, c'est un territoire qui vieillit en même temps. Donc qui n'a plus les mêmes aspirations, notamment sur le centre-ville. Et je crois que c'est aussi ça la question. Parce qu'on a un centre-ville, on a une ville qui est une ville industrielle encore, qui était très industrielle. Et les usines étaient en centre-ville. Donc vous aviez des milliers de salariés qui était en centre-ville tous les jours. Il y a juste après-guerre, c'était la réalité de la ville. Vous avez eu ensuite des habitants qui ont quitté la ville, à commencer par les commerçants qui habitaient au-dessus de leur commerce. Pour ça, d'ailleurs, que c'est une grosse difficulté pour remettre en état parce qu'il n'y a pas d'accès séparé, plein de choses qui sont très compliquées. Et puis, vous avez aussi les services qui ont quitté le centre-ville. Il a fallu, nous, qu'on tienne bon parce que Pôle emploi voulait s'installer en périphérie,
Pôle emploi, hein, qui recrée des locaux en périphérie, à côté des zones commerciales. On a refusé. Il a fallu tenir bon. Pôle emploi s'est installé à côté de la gare, entre la gare et le centre-ville. Donc on est vraiment très content. Mais vraiment, ça a été, quand on pense que les services de l'État, certains quittent les centres-villes, c'est la mort assurée des centres-villes. Donc voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes une ville qui avait énormément de commerce, qui a eu une périphérie qui s'est développée à la fin des années 90, début 2000, de manière considérable en termes de zones commerciales, qui connaît déjà des friches dans la zone périphérique, sur des locaux qui se sont créés quand même en 2005-2006. Hein. Donc vous voyez ce que ça va faire. Et puis, qui en même temps a des commerces, beaucoup de commerces vides, mais certains commerces n'existent pas. Je prends le sport. On a 96% d'évasion commerciale vers Bourges. Et donc, quand on a une demande, je le dis parce que c'est parfois compliqué de céder assez pour une grande surface commerciale de sport, je ne vois pas comment on peut refuser. Je ne vois pas comment on peut refuser parce que la réalité, c'est que il y a plus d'achats commerciaux aujourd'hui, même avec des zones périphériques au sein de la ville, ça reste dans la ville, alors que si on faisait un moratoire, je ne crois pas qu'on garde aussi nos clients. Voilà, donc c'est ça la réalité. Alors moi, je vois trois obstacles. Bon, il y a la modification des usages du centre-ville. Nous avons candidaté à tout et nous avons été retenus à tout. C'est pas pour ça que ça marche. Non, mais je le dis. C'est-à-dire qu'on a candidaté au PNR CAD dès 2009. On a été retenu. C'était Madame Boutin puis Monsieur Apparu. On a été retenu. Après, avec une poignée de main, parce qu'on n'était pas dans la bonne liste, donc on n'avait pas de moyens financiers conséquents, mais on a été retenu. On a créé donc une concession d'aménagement qui s'appelait Cœur de Ville, avec un concessionnaire, où on a tenté de travailler sur l'habitat, le commerce, etc. On a mis en place l'ORI, l'OPA RU, on a eu donc la loi Malraux, on a mis en place la préemption des baux commerciaux, on a mis en place la taxe sur les friches. Vous voyez, je veux dire, tous les outils ont été utilisés et maintenant, on a été retenu par la Caisse des dépôts, sur le centre-ville de demain. On a été retenu, on va être retenu dans la liste ORT, puisque nous faisons partie des heureux élus. On a été retenu, on a été le premier PRU de France signé, qui est un PRU de centre-ville, parce que la pauvreté, la paupérisation s'est déplacée en centre-ville. Et donc, on est en plein dans le cœur du problème. Et j'ai envie de dire, on a trois obstacles. D'abord, c'est il faut aller vite. La déprise commerciale et le problème des centres-villes, ça va plus vite que les actions de politique publique que l'on peut mettre. Il faut aller fort. Ma collègue de Dax l'a dit, le montant des moyens mis en œuvre va être extrêmement important. Parce que quand vous avez des zones commerciales vides, je parle bien en centre-ville, et qu'il faut faire une DUP, ce que l'on envisage avec les PARECA, parce que les PARECA nous accompagnent aussi, donc je ne vois pas ce qu'on peut faire de plus à un moment. Quand il faut faire une DUP sur tout un site pour récupérer des locaux commerciaux, les restructurer, les remettre à la location ou à la vente, c'est des coûts considérables, bien au-delà de ce que peut faire une ville comme la ville de Vierzon. C'est-à-dire que très clairement, vous achetez 100 000, vous mettez 100 000 de rénovation et vous pouvez vendre ou louer à hauteur de 100 000, pas plus. Donc voilà, donc il y a 50% de déficit foncier à porter. Et aujourd'hui, qui porte? Pas facile, pas facile. Alors sur l'OPA RU, on peut trouver des solutions parce que l'ANA accompagne, mais sur le commerce, c'est quand même très compliqué d'avoir ce type d'opération. Donc voilà, vite, fort. Et puis après, de la cohérence. On est dans des villes moyennes, des petites villes. On a des services d'État qui restent importants. J'ai rien contre l'égalité des territoires, bien au contraire. Et je suis un petit peu jacobin pour ça. Quand on a un hôpital dans des villes moyennes et que parfois on lui enlève un peu de substance, je ne vois pas. Après, on peut mettre tous les millions qu'on veut sur les centres-villes. Si on enlève des services de ce type, c'est quand même extrêmement compliqué. Donc voilà, je crois qu'il faut aller vite, fort et en cohérence. Est-ce que vous encouragez vos collègues à postuler à ces dispositifs intégrateurs qui apportent de l'ingénierie, de l'argent? Est-ce que vous dites oui, Vierzon a été porté aussi par ça? Et puis on finit juste sur le chiffre de la vacance commerciale. Et si c'est pour vous un bon indicateur d'ailleurs,
Et puis deuxièmement, quelle est l'attente que vous formulez en direction de qui ? Alors oui, les outils de contractualisation sont toujours très bien. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait une coordination, parce que quand vous signez un PRU de centre-ville, hein, je le dis, qu'en même temps, sur le commerce, vous êtes retenu à cœur de ville, à l'ORT, qu'en même temps, vous mettez en place un certain nombre d'outils, il faut surtout mettre de la cohérence. Donc ça, c'est très important. Ensuite, sur la vacance commerciale, il y a deux solutions. Il y en a une qu'on va prendre très vite. Nous, on a une vacance commerciale extrêmement élevée, pour plein de raisons. Alors, d'abord, parce que c'est une ville pauvre et que les habitudes de consommation ont changé comme partout. Mais aussi parce qu'on avait énormément de commerces, parce que c'est une ville qui est un regroupement de 4 villages. Et donc, il y avait des rues commerciales complètes qui, aujourd'hui, sont complètement vides. Donc, on va casser le thermomètre. On va changer l'affectation des rues, des commerces, et vous allez voir que la vacance commerciale va baisser. Ça ne change rien. Hein. Ça ne change rien sur le fond. Mais on est en train de le faire. On va les passer en locaux d'habitation et l'affaire sera réglée. Vous passerez de 25 à 15 ou exactement. Quelque chose. Ouais, c'est assez simple, en fait. Hein. On a une rue complète qu'on peut changer en locaux d'habitation. On a une autre rue aujourd'hui qui est la rue piétonne, qui est en très grande souffrance, qui est une rue qui, en plus, monte, est en pente. Alors, pour les personnes âgées, c'est quelque chose... Donc on va remettre les voitures. On va remettre les voitures. C'est quand même un comble, mais c'est ça la réalité. Et la deuxième chose, c'est que sur cette rue, on fait une pépinière commerciale. C'est-à-dire qu'on propose aux propriétaires de louer leur bien à hauteur du prix du foncier, de la taxe foncière, puisque aujourd'hui, ils ne sont pas du tout mis en avant, et que nous, on puisse sous-louer, que la puissance publique puisse sous-louer ensuite à des activités qui ne viendraient pas en concurrence des commerces existants. Parce que la question est celle-là. Si on met un boulanger dans ce type de choses, ou alors il faut vraiment le limiter à 24 mois, mais sinon, ça ne marche pas. Vous avez des boutiques test, comme à Dax ? Non, on n'a pas de boutique. D'accord. Votre requête aujourd'hui vis-à-vis soit de l'AMF, pourquoi pas, ou d'institutions privées, publiques, ESS ? Je pense que c'est surtout d'aller vite. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une telle situation qu'il faut des outils, notamment, par exemple, des DUP autorisés pour des prises commerciales ou absence de commerce depuis trop longtemps, qu'on ait des autorisations pour pouvoir préempter, exproprier et porter nos projets, parce que sinon, on va être en grande difficulté. Madame, vous disiez il y a quelques jours... j'ai envie de témoigner parce qu'en plus sur le plan local on est un peu stigmatisé, nous, aux affaires par l'opposition parce qu'on se trouve responsable de chiffres qui ont été construits sur des décennies et sur des mandats. Parce que les élus sont responsables de tout. Ouais. Mais au-delà de ça, disons, sur le désir de témoigner et sur la reconnaissance peut-être par les pouvoirs publics qu'il y a un enjeu, une cause nationale. Qu'il y a un enjeu et puis qu'il y a un besoin de cohérence. Je crois que c'est très important parce que moi, je me bats depuis quelques semaines. Ce n'est pas avec Pôle emploi. J'ai perdu. Hein. J'ai perdu la partie. Je me bats avec Orange. Il me semble que l'État, encore quelque part chez Orange, qui est dans une stratégie de quitter les centres-villes pour aller dans les centres commerciaux de périphérie. À Dax, la boutique Orange est en plein cœur de ville dans une rue piétonne. Au mois de juin, ils partiront dans le centre commercial à l'extérieur. Je trouve que tout ça est un manque de cohérence. J'ai écrit au ministre. Est-ce que c'est différenciant Orange dans un centre-ville par rapport à ce que vous évoquiez tout à l'heure ? Ça amène du flux. C'est ça qui est important. C'est qu'à un moment donné, on a besoin de flux. On a besoin d'habitants et on a besoin aussi de communes, de commerces qui amènent du flux. Si on a un boulanger, ça amène du flux. Si on a la boutique Orange, ça amène du flux. Moi, j'avais comptabilisé, ça fait 500 à 600 personnes jour pour la petite boutique à côté qui faisait le café gourmand. C'était important d'avoir la boutique Orange à côté. Donc, ce qu'on recherche aussi, c'est des commerces qui amènent du flux, pas forcément... Il faut des commerces qui soient différenciants, mais il faut aussi ceux qui amènent le nombre. Et ça, ça en fait partie. Et c'est là que je trouve qu'il y a un manque de cohérence. Je me bats pour dire, mais on nous propose un plan de centre-ville, une opération cœur de ville qui nous paraît intéressant, mais il faut que tout le monde aille dans le même sens. Et que dans le même temps, si l'État est actionnaire de certaines... de groupes, de sociétés, merci, comme Orange, il faut dans ce cas-là qu'il y ait aussi... une éthique, quelque part, qui aille dans le sens de ce qui est proposé, parce que sinon, on ne s'en sortira pas tout seul. Et là, on est confronté à des problèmes, des montagnes que l'on ne peut pas gravir. On termine avec vous, Nicolas Sansu, partiellement. Vous avez souhaité témoigner. Pourquoi ?
Parce que nous aussi, nous sommes stigmatisés, mais c'est normal. Hein, mais ce n'est pas grave. Parce que je pense sincèrement qu'on a essayé tous les outils, moi, d'être accompagnés par l'État, par la région, par l'ANRU, par l'ANA, etc. Et on voit qu'on ne va pas assez vite. Et ça, je veux le dire à tous les collègues, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à enclencher quand même le cercle vertueux. Donc après, il y a des réalités qui nous dépassent. Quand je parlais de démographie, c'est une réalité qui est au-delà de simples choix d'élus. Mais il faut quand même qu'on trouve des moyens en disant que la ville a changé, la ville est en mutation et les commerces sont en mutation et dans la ville. La ville et l'interco, il y a un travail collégial. Nous avons petite interco. Donc Vierzon représente 85% de l'interco. On est dans une... Vous savez, on est des berrichons. Le général Bertrand disait à Napoléon, si vous voulez, il me reste un régiment de berrichons pendant la retraite de Russie. Il disait, mettez-les derrière parce que s'ils n'avancent pas, ils ne reculent pas. Donc nous ne reculons pas, mais nous n'avançons pas très vite, notamment sur ces questions d'intercommunalité. Sonia de la Provoté, Christophe Gertier, rapport d'étonnement, carte blanche. Madame. Rapport d'étonnement, non, parce que justement le groupe de travail qui a été mis en place au Sénat pour la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs a fait le même constat et très redondant avec tout ce qui a été évoqué ici. Il n'y a pas de rapport d'étonnement. Il y a en tout cas à ce stade-là, là où on en est, et on est parti très loin quand même dans la déprise pour certaines villes moyennes, pour certains territoires. On en est à voir des constats qui sont convergents partout. D'abord, un, il faut des politiques globales. C'est pas que le sujet du commerce. La revitalisation, ce n'est pas que le sujet du commerce, que c'est le sujet de l'habitat, la question des services publics, des services au public, de la santé, de la présence de la santé. C'est la question de la politique culturelle, de l'économie, de l'éducation aussi, qui n'est pas tellement évoquée, mais qui fait partie aussi des sujets importants qui sont source de vitalité et d'attractivité dans un territoire. Le deuxième constat, et donc c'est vrai que le plan qui est proposé tend à avoir une vision plus globale, et en tout cas dans des axes différents, mais on se dit qu'il y a encore quelques axes qu'il faudrait ajouter à tout ça pour avoir le courage de dire que tous les domaines des politiques publiques devraient être concernés dans ces plans-là. Le deuxième constat cohérent, ça a été celui du rôle des schémas de cohérence territoriaux et de l'aménagement du territoire. On traite la question du commerce, on dit il y a des déserts médicaux, on dit il y a plus de services publics, on fait le constat de villes moyennes en déprise, on fait le constat de zones rurales désertifiées ou en tout cas qui se sentent abandonnées. Et en réalité, il faut revenir à cette notion fondamentale qui est celle de l'aménagement du territoire et de la hiérarchie des centralités. Il y a des pôles de centralité en dehors des métropoles, il y a des pôles régionaux. On peut le dire comme tel, des pôles qui sont des pôles secondaires, il y a des pôles relais, il y a des pôles de proximité, et à chacun de ces niveaux de pôles, il y a des fonctions à mettre en place et à préserver. Or, on n'a pas préservé ces fonctions quand une ville moyenne n'a plus les services de santé, n'a plus l'accueil commercial minimal de proximité, parce qu'on a besoin de commerce de proximité et d'une proposition différente de celle des centres commerciaux. Quand les services publics ne sont plus là, la question des cartes d'identité qui n'est pas du tout une question accessoire de ce point de vue-là, quand il n'y a plus les services publics, quand la poste ferme dans certains quartiers, dans des villes moyennes, c'est quand même parce que c'est quand même une difficulté, on parle des services fiscaux, une fois qu'on a laissé tout ça partir et qu'il n'y a plus grand-chose dans la ville moyenne, enfin plus grand-chose, qu'il n'y a plus en tout cas ces services essentiels à la population autour, comment voulez-vous qu'à 30 km de cette ville-là, on puisse avoir les éléments utiles pour vivre sainement et de façon confortable, enfin normale, quoi, comme tous les citoyens ont droit de vivre en France. Donc cette question de l'aménagement du territoire est essentielle. Les schémas de cohérence territoriaux sont censés traiter ces questions-là.
Et je pense qu'il faut revenir à ce diagnostic de territoire et dire qu'est-ce qu'on met, à quel endroit et à quelle échelle et à quel niveau de centralité. Et puis le troisième sujet, c'est qu'il faut une boîte à outils, très clairement, une boîte à outils pour le commerce, qu'il faut une boîte à outils pour l'habitat, qu'il faut aussi que l'accompagnement de l'État, justement parce que c'est une question d'aménagement du territoire, dans le cadre de la DGF, par exemple, ne soit pas fondé exclusivement sur la population, parce que c'est un cercle vicieux. Les villes en déprise, on voit une baisse de population, donc il y a une baisse de participation de l'État, et puis c'est quelque chose qui, voilà, on arrive d'ailleurs quasiment au bout du bout de ce système, et que justement, parce qu'il y a des pôles de centralité, des pôles secondaires, des pôles relais, justement la participation et l'accompagnement de l'État, en tout cas dans sa contribution générale, devrait tenir compte du rôle majeur qu'est joué la commune, la ville, au moment où on l'accompagne. Au sein de cette mission, vous avez sûrement mené des auditions. Est-ce qu'il y a un champion que vous aimeriez mettre en avant, une commune, une agglomération qui vous a semblé soit dans les résultats, soit dans la dynamique? Il y a sûrement quelque chose de vertueux dans ce pays, bon sang. Alors, je ne vais pas me lancer là-dedans. Ce que je peux dire, c'est que il y a des bonnes pratiques aucun des témoignages n'est complètement parfait dans tous les domaines, justement parce que c'est une politique qui est plurifactorielle et qu'on doit pouvoir agir dans tous les domaines. Ce qui est certain, c'est que il y a des facteurs intrinsèques, la proximité avec Paris, par exemple, il y a des éléments extérieurs qui font que certaines villes moyennes, par exemple, s'en sortent mieux que d'autres. Mais globalement, on voit bien que tout le monde est dans la même logique, les opérations cœur de bourg, le constat est le même. Voilà. Ce que je voudrais dire quand même, c'est qu'on a évoqué l'idée que tout le monde devait faire un effort, et je crois que le fait que l'État ait laissé un peu certains territoires en France et certaines communes, le fait que l'organisation hospitalière ait fait que les hôpitaux généraux ne jouent plus leur rôle de proximité essentielle, le fait qu'on ait laissé les déserts médicaux s'installer, tout ça fait que, quoi qu'on fasse, il va falloir redemander à chacun de faire l'effort nécessaire, parce que les communes seules n'y parviendront pas, même si elles ont la belle et la bonne vision de leur territoire. Christophe Gertier. Bonjour à tous. Moi, je vais juste préciser, je suis membre de la commission des finances, je suis rapporteur des collectivités, et peut-être que dans mon discours, je vais rajouter certains éléments, parce que je suis urbaniste de formation. Et j'ai travaillé une quinzaine d'années pour les collectivités, ce qui fait que j'interviens en tant que député, mais j'ai peut-être des visions complémentaires. On est d'accord avec tout ce que vous avez vu. Moi, j'ai quelques éléments complémentaires suite probablement aux professionnels. On a eu un souci d'acceptabilité d'évolution de la population par rapport à nos centres-bourgs. C'est-à-dire quand il y a une quinzaine d'années, on a les centres-bourgs qui ont évolué au centre-ville. La population a plutôt critiqué les élus qu'accepté le fait qu'il y avait une évolution, comme vous l'avez expliqué. Et cet élément-là, on n'a pas su prendre la main. Et à cette époque-là, je travaillais en tant qu'urbaniste professionnel, juridique justement, et aussi en termes d'aménagement du territoire. Et je crois que cet élément-là, l'acceptabilité de la population, on n'a pas su la porter. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, la population se dit « on va recréer le bourg d'avant ». Et ce que vous avez dit, c'est totalement vrai. On a oublié cette communication qui aurait pu permettre d'anticiper certaines choses. Ça, c'est mon premier point. Mon deuxième point, on a beaucoup d'outils. Vous en avez utilisé beaucoup. Dans les outils qu'on a pu utiliser, il y a un regret et à mon avis une erreur qui a été faite sur beaucoup d'outils, c'est d'avoir fait des cahiers des charges. Et en fait, les cahiers des charges, ils ont uniformisé nos territoires, ils ont uniformisé nos propositions, ils ont uniformisé les modèles. Et ça pour ma part, hein, je le dis, puisqu'il m'a dit que j'étais libre, donc je suis libre. Et quand je suis libre, il ne faut pas me laisser la micro parce qu'un mec de la Corrèze, c'est foutu. Il faut être très conscient de ça. À partir du moment où vous créez des cahiers des charges, les gens cherchent à rentrer dans le cahier des charges. Et je pense que sur de l'aménagement du territoire, sur du modèle, on est dans des cas divers et variés. Et cet élément-là, et vous l'avez dit, vous avez utilisé tous les cahiers des charges possibles et imaginables. Je pense que ça a été une erreur, on va dire, des politiques publiques. C'est mon avis personnel, c'est un constat aussi de ma profession, et peut-être un constat que je vais défendre aussi à l'Assemblée, d'éviter les cahiers des charges les prochaines fois, et de faire de la liberté et laisser la responsabilité aux élus de se faire engueuler, je suis assez cru, et aussi de la responsabilité du projet qu'ils veulent porter.
Voilà. Et je crois que ça, c'est le deuxième point. Vous étiez, juste une parenthèse, vous étiez urbaniste en collectivité ou conseil ? J'ai fait les deux. J'ai fait 8 ans dans les collectivités où j'étais chargé de mission, directeur, enfin tout ce que vous voulez. Et j'ai monté un bureau d'études d'urbaniste et j'ai été maire aussi. Bon, voilà. Pour faire la totale, si vous voulez. Et j'ai été membre des CADAC, le plus jeune de la Corrèze. Ce qui explique, et ce qui va arriver à mon troisième point, c'est qu'on a eu un troisième point, où l'outil CDAC, c'est un outil, moi j'ai connu pendant 6 ans, vous avez siégé en tant que personne qualifiée. Cet outil-là a été utilisé à la fois par les professionnels et à la fois par les élus pour développer leur territoire. Et la conséquence, elle est ce que vous avez dit, c'est qu'à un moment donné, on n'a pas construit la ville sur la ville, mais on a étendu la ville. Et aujourd'hui, on est obligé de travailler à l'envers. Donc ça veut dire que l'outil juridique, on est obligé de le modifier. Et ça, c'est le premier point. Donc là, je vais un peu plus que le constat. Ça fait des années que moi, je dis que cet outil juridique n'est plus adapté au monde actuel et à ce que vous avez évoqué et vos problématiques. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas des surfaces moyennes. Hein. Ça veut dire que l'outil juridique était un outil d'une certaine époque. C'est l'époque 70, 80, 90 maximum. Mais à partir des années 2000, on aurait dû le réformer plus qu'il ne l'a été, puisque de passer en CDEC ou CDAC, globalement, on arrivait au même résultat, si vous êtes tous d'accord. Ensuite, j'ai un autre élément, moi, sur mon constat, c'est la planification. Alors, j'ai fait des DUP, puisque je faisais des expropriations avec mon bureau d'études. On a deux éléments qui posent problème, où, à mon avis, sur le constat, c'est pour ça que je ne veux pas redire ce qu'ils ont déjà dit, c'est la réalité. C'est mieux. Hein. Le quatrième point, c'est la planification. La planification urbaine, la planification juridique, et qui a été montée au niveau régional. Aujourd'hui, quand on fait du droit, on a une multitude de planifications. Le problème, c'est que cette planification-là, aujourd'hui, soit elle devient généraliste, soit les bureaux d'études font des copier-coller, et on arrive au même principe qu'un cahier des charges, on ne fait plus de la planification locale. Ça, c'est un point très important. Et je compléterai aussi, vous l'avez parlé pour la DUP, mais c'est encore plus vrai pour la planification, on met 5 ans pour faire un PLU. Et si vous mettez 5 ans pour faire un PLU, j'ai plusieurs cas, ben, ce n'est pas la peine, votre PLU, il est fini. Vous pouvez le recommencer à zéro. Donc c'est 4 éléments que je veux compléter parce que ce qu'ils ont dit, c'est la réalité. Et 7 ou 6 ans ou 7 ans, moi j'en ai qui ont 10 ans, si vous voulez. Alors bon, malheureusement, il aboutira jamais. Mais ce sont ces éléments-là aussi qu'il faut mettre dans le constat, puisqu'on est sur le constat. Et je pense que c'est des éléments, et là je retourne dans mon rôle de législateur, je l'espère, va être plutôt dans le sens inverse des 4 éléments que je viens d'évoquer. C'est à nous de trouver certains modèles qui vont nous permettre de trouver le commerce de demain, ou plutôt, peut-être pas le commerce de demain, la revitalisation, mais j'aime pas ce mot-là, l'aménagement ou la construction de la ville sur la ville, parce qu'aujourd'hui, on l'a pas. On n'a que le mot, mais on n'a pas les outils adaptés. Alors, je terminerai sur un élément, puisque je reste quand même à la commission des finances, et je suis aussi rapporteur du budget pour l'Europe. Donc, vous voyez, j'aime bien les finances, et a été mis le mot fiscalité ou finances par les deux élus locaux. Les deux maires. Et en fait, on a aussi, et ça on rentre dans le vif du sujet parce qu'on va y aller, les finances locales qui ne sont plus du tout adaptées à l'évolution de nos collectivités. Et encore plus vrai sur les petites et les moyennes villes, parce que l'outil fiscal et l'outil financier, parce que c'est différent, est un outil financier et fiscal qui date des années 70, donc du modèle que vous avez expliqué qui est fini. Et il faut qu'on lie cette cinquième partie, c'est-à-dire l'outil fiscal et financier, avec l'évolution que vous avez évoquée. Voilà. Donc c'est des constats complémentaires que je me permets de faire, parce que je ne vais pas redire les choses très prégnantes et très réelles qu'on peut avoir sur nos territoires. Madame Bonjean, peut-être sur le propos de ces deux parlementaires, hein, une réaction également de Nicolas Sansu, et puis on va vous donner des micros. Je t'en prie. Beaucoup de choses ont été dites, en effet, et que je partage, bien entendu. Je partage ces préoccupations. Et en effet, ce qui vient d'être dit sur les outils ou sur le SCOT, malheureusement, nos SCOT, et ça rejoint ce que vous avez évoqué sur les temps de PLU, là, en ce moment, on est en train de travailler sur le PLUI. On y a commencé, on l'a anticipé, on a commencé en 2016, on doit le rendre pour 2020, mais enfin, il sera déjà en effet obsolète, parce qu'entre-temps, il sera passé certainement plein de choses. Et nos SCOT, nous, on a un SCOT qui a été validé en janvier 2014. On a mis 10 ans pour faire le SCOT, sauf que ce SCOT qui a verrouillé certains espaces commerciaux pour l'avenir, malheureusement, d'autres avaient été acceptés par les CDAC et les SCOT précédents, et de toute façon, les coûts sont partis. On vient d'avoir de livrer, et en cours de livraison aujourd'hui, 15 000 m² supplémentaires en périphérie, qui ne sont pas dans le SCOT qui, dans le SCOT de 2014, n'auraient plus été acceptés, mais malheureusement, qui ont été validés il y a 10 ans. Et on en a les effets pervers aujourd'hui. Donc tout ça, on voit bien que ces outils ne sont pas adaptés,
que tout va trop vite. Et puis peut-être le dernier point par rapport au problème des villes moyennes. Vous parliez des difficultés dans vos communes, de la perte de population. Nous, on a une population à peu près stable. On a quasiment autant de ménages, si ce n'est plus. Mais on a moins de personnes, parce qu'on a un vieillissement de la population très important. Et c'est aussi un vrai problème pour les villes moyennes, puisque moi, aujourd'hui, si je prends la ville de Dax, un nouveau Dacquois sur deux a plus de 75 ans. Ce qui veut dire que, en termes d'accompagnement de la cité et de la ville, il y a plein de choses auxquelles je dois penser avec les élus pour adapter le territoire au vieillissement de ma population et essayer aussi de mixer la population et d'avoir des initiatives pour faire revenir les ménages, les familles sur les centres-villes. On verra dans la deuxième table ronde, d'ailleurs, la Fédération des agences d'urbanisme mettre l'accent sur la silver economy au travers de création de valeur, etc. Nicolas Sansu, et ensuite oui. On vous donne la parole. Juste on est dans les temps. Un tout petit mot. Moi, j'aime bien l'idée de construire la ville sur la ville. C'est-à-dire que reconstruire la ville sur la ville, parce que c'est vrai qu'on a étalé, pas seulement les zones commerciales, aussi les habitations, de manière considérable. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, sur certaines parties du centre-ville de Vierzon, il faudrait avoir la possibilité, le courage aussi, d'acheter, de démolir et de reconstruire des choses complètement différentes. Et c'est très compliqué. Et c'est un peu... Ça mange un peu de crédit aussi. Donc c'est aussi la réalité. Donc non, mais parce qu'on est dans un moment où nous avons plus de 80% d'habitat individuel avec un jardin. Et on a 65% de propriétaires. Alors vous pouvez acheter pour pas cher. Hein. Je fais pas de la pub, mais vous pouvez acheter pour pas cher à 2 heures de Paris. Mais c'est quand même ça la réalité. Donc c'est vrai que l'idée de reconstruire la ville sur la ville est quelque chose qui me semble le bon chemin. Et le député de la Corrèze, je vais l'inviter parce que le 23 mars à Vierzon, nous faisons une réunion sur la revitalisation des centres-villes avec le directeur de l'ANRU, la directrice de l'ANA, le ministre Mézard, justement avec Action Cœur de Ville. Donc je le dis. Et ils peuvent venir en métro, j'ai compris. Ils peuvent ouais. En RER. Le métro, non, mais le RER. On peut appeler ça le RER. Voilà, merci. Merci à vous. Alors j'ai l'autorisation donc de nos présidents d'organiser ces 30 minutes d'échange. Monsieur, madame derrière nous. Bonjour. On a des gens dans le paramédical, manifestement, qui ont l'air de prendre les choses en main. Il fait chaud. Alors, merci de me le dire, effectivement. Annick Pilves, est-ce que c'est possible de rafraîchir un peu, éventuellement, la salle? Je pense qu'ils sont, c'est rare qu'il y ait 200 personnes dans cette salle. Là, on a vraiment fait salle comble aujourd'hui. Messieurs les présidents, est-ce que le show goes on? Est-ce que nous continuons? Vous n'êtes pas choqués? Je pense que vous êtes venus aussi pour ça, pardonnez-moi. Madame, désolé de cet écran. Ma prise de parole va être un peu... Voilà, naturellement. Mais voilà. Florence Lecossois, je suis adjointe au maire de la ville de Rochefort, si je vous dis l'Hermione. J'espère que vous suivez son aventure. Je voulais ici témoigner, d'abord remercier de nous avoir conviés à cette... À ce colloque, saluer la pertinence en tous les cas des contributions parce que je note qu'il y a une grande variété des témoignages et ça c'est toujours extrêmement important. Je voulais également vous témoigner de deux points parce que la première des choses c'est dans l'attente des élus, il faudrait déjà qu'on accepte de nous faire confiance. Il faut faire confiance aux élus. Il faut que l'État aussi fasse confiance aux élus de terrain. Et que quand ils font remonter des informations sur l'ensemble de leurs soucis, voire vraiment en préoccupations quotidiennes, il est vrai que la cohérence des dispositifs n'est pas seulement l'outil prioritaire. Vous avez noté tout à l'heure, Madame la Sénatrice, je trouve, ainsi que Madame, vous avez noté la nécessité de la diversité dans
les schémas à construire. Madame le maire de Dax, c'est pas Hervé Blanchet, le maire de Rochefort, parce que la typologie des territoires est totalement différente. Alors, pour compléter un autre point, nous n'avons pas attendu le contrat de métropolisation et des grandes métropoles, parce que vous imaginez bien qu'avec Bordeaux, nous avons les mêmes interrogations, à la fois sur la question des transports, qui n'a pas été évoquée d'ailleurs dans les points que vous avez soulignés, le transport dans les centres-villes et dans les territoires. Au moment où on nous demande de renforcer le lien avec le PCI et les territoires, c'est aussi un point important. Nous n'avons pas attendu, et c'est vrai qu'il y a 4 maires qui ont monté un contrat de métropolisation, que sont le maire de La Rochelle, le maire de Rochefort, Niort et Fontenay-le-Comte. C'est-à-dire qu'ils se sont mis d'accord tout de suite quand ils ont été élus en 2014 pour dire, voilà, le bassin de vie, c'est ça. En gros, tout seul, on n'est pas grand-chose. La métropole urbaine et Bordeaux va de toute façon, dans un premier temps, tout absorber. Comment on fait ensemble, même si politiquement nous sommes d'horizons différents. L'objectif, il n'est pas de se fâcher, il est de maintenir effectivement les habitants sur le territoire. Il y a un autre volet, vous évoquiez, monsieur le maire de Vierzon, la déshérence, notamment par rapport au logement, avec madame qui évoquait qu'effectivement la population, par rapport à la démographie, il y avait le seuil en dessous duquel nous descendions, mais également la typologie des publics que nous accueillons. Juste une petite parenthèse, du côté de Dax, d'ailleurs, Madame Lélu nous disait il y a quelques jours, il y a des opérations d'HLM, enfin d'habitat aidé, qui vont avoir lieu dans Dax, mais vous souhaitiez également un recrutement d'une population un petit peu plus CSP+, comme on dit. Je vous en prie. Tout à fait. Et donc, pour compléter ce volet-là, il y a des opérations qui sont montées. Il y en a une notamment à Périgueux. Nous allons... Je l'espère, si nous sommes retenus, mais j'ai un petit bémol comme madame, nous ne sommes pas une préfecture. Donc peut-être que dans le plan d'action cœur de ville, nous ne serons pas identifiés sur le volet numéro 2. Mais il y a ce qu'on appelle le BIMBY. Voilà, ça veut dire construire dans mon jardin. Ce sont des opérations qui sont conduites de manière expérimentale à l'échelle nationale par une start-up bordelaise qui s'appelle Ville Vivante, qui contractualise avec les collectivités. Et cette expérience est conduite à Périgueux. Puis je voulais rappeler qu'il y a un sous-chapitre. Je sais, mais le sous-chapitre, ça relève des villes d'art et d'histoire. Parce que dans le plan d'action cœur de ville qui est proposé par le gouvernement, il y a un second plan qui est porté par Yves Dauge. Saint-Flour en a témoigné d'ailleurs lors du congrès de l'association Cité-Cité Remarquable pour dire que, encore une fois, il y a un plan dans le plan et la législation et en plus la réglementation ne s'applique pas encore de la même manière. J'ai noté là récemment qu'il y avait, de la part des sénateurs, une volonté d'appuyer notamment un accompagnement sur les outils fiscaux sur le logement ancien. Parce que le taux de vacance dans les logements anciens, vous comprendrez bien qu'il est encore largement supérieur à d'autres villes qui n'ont pas ces classements-là. Et puis, il y a ce que madame évoquait également, et puis madame la sénatrice, sur les déserts des services de l'État. Ça va sans ouais, dire. Ça, quand nous sommes 6e ville thermale... on ne se retrouve plus qu'avec... Vous savez que pour y a une visite obligatoire pour les thermalistes, enfin les gens qui viennent en cure. Nous n'allons plus avoir de médecin pour valider le patient qui viendra en cure. Donc, effectivement, il y a un croisement des politiques publiques, mais il y a un croisement des politiques sectorielles. Et puis, à cela s'ajoute la diversité géographique et liée à la biodiversité, parce que quand, en plus, vous êtes une ville littorale à laquelle s'appliquent les obligations contractualisé dans le cadre de la loi littorale, à la fois maintenir la biodiversité, de se conformer au développement durable, de valoriser l'activité sociale. Le lien social a peu été évoqué dans les contributions que, sauf par madame, c'est marrant, ce sont les femmes. Hein. Oui, c'est la semaine. Ouais, bah ouais. Il y a juste une semaine par an. Hein. Et également de remercier en tous les cas effectivement la Caisse des dépôts et consignations qui accompagne les villes, et y compris les élus femmes, puisque l'association élue UES a contractualisé avec la Caisse des dépôts et consignations, la Caisse des dépôts et consignations pour accompagner les jeunes élus dans leur formation au métier d'élu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Juste derrière vous, mais auparavant, on fait un petit passage par là. Merci, monsieur.
Bonjour, Jean-Luc Dupont, maire de Chinon et président de la communauté de communes Chinon-Vienne-et-Loire. Juste un truc, on se renseigne sur l'état de santé de madame, d'une part, voilà, ça c'est pour nos présidents. D'accord. Il y a de l'eau au fond et peut-être que d'ailleurs, si des gens de l'AMF pouvaient faire passer des bouteilles d'eau, allons-y, oui, pour éviter que les gens se déplacent, parce que sur le centre, là, ils sont vraiment mal placés. Donc on peut vous équiper, on va vous envoyer des bouteilles. Monsieur le maire. Votre intervention après la présentation du maire de Chinon, c'est sympa pour l'eau. Oui, c'est vrai, pas ça, forcément n'est, le produit. Ça n'est que de l'eau. Hein, c'est désolé. Pas forcément le produit le plus reconnu chez moi, mais c'est pas très grave. Je voulais simplement réagir sur un certain nombre de points et apporter ma contribution. Vous évoquiez, Monsieur Hénard, tout à l'heure, le fait qu'il n'était pas nécessaire d'opposer les territoires, notamment les métropoles, à la ruralité. Je pense qu'on est tous ici globalement d'accord. Il faudrait d'abord que ça se traduise dans les actes. Et la difficulté des zones métropolitaines, l'Indre-et-Loire, c'est 275 communes, 23 dans la métropole qui représente 50% de la population et les 250 autres autour. Ça ne se construit pas comme ça, le partenariat des métropoles avec les territoires ruraux. Et ça veut dire que les pôles d'équilibre, comme la ville de Chinon, qui est sous-préfecture au sud, à 50 km de la métropole, eh bien, elle a besoin d'être autonome sur la politique de santé, sur la médecine, sur l'université, sur la formation de professionnels. Et que du coup, sans vouloir les opposer, il faut quand même qu'il y ait du concret. Et aujourd'hui, quand un euro arrive dans le rural, il en arrive 4 à la métropole dans les dotations. Et ça, c'est un vrai problème de fond qu'on peut ne pas partager, mais qui est une réalité du quotidien. J'ai la chance d'avoir sur mon territoire une centrale nucléaire. Je ne sais pas jusqu'à quand, mais en tout cas, pour l'instant, elle est là. Et évidemment, ça crée une dynamique économique sur le territoire, puisque c'est le premier employeur. Hein, jusqu'à 6 000 emplois en arrêt de tranche sur un bassin de vie de 11 000 emplois marchands. Donc ce n'est pas anecdotique. Et pour autant, ces politiques d'équilibre, elles sont difficiles à construire. Donc je pense qu'il y a un vrai travail de fond à faire sur ces enjeux. Sur la problématique... administrative et des outils réglementaires. Parce qu'on le voit, un certain nombre, on parlait, mon collègue de Vierzon évoquait un certain nombre de difficultés. Vous avez, monsieur le député, voté les longueurs de la planification, qui, lorsqu'elles sont abouties, sont quasiment obsolètes dans leur conception. Les services de l'État ont un grand rôle dans cette obsolescence. Ils viennent jamais à cause de la déconcentration des services. Ils sont jamais avec les publics personnes associées lorsqu'on fait les réunions. Et puis, dès qu'on est prêt à valider les documents, ils arrivent. Et là, on est reparti pour un an de discussion. C'est insupportable. Et le respect des élus que nous sommes, c'est aussi ça. C'est comment l'État... à un moment donné... Alors, c'est la DDT, c'est la DREAL, mais c'est l'ABF. Alors, je sais pas. Sinon, il y a un secteur sauvegardé, plan de sauvegarde et mise en valeur. Bon, si vous voulez être ennuyé, c'est comme ça qu'il faut commencer. Vous avez le moyen d'inaction. C'est-à-dire, dans des territoires, reconstruire la ville sur la ville. Je suis complètement d'accord avec vous. Moi, j'ai des secteurs, deux secteurs historiques, qui sont complètement obsolètes, parce que l'habitat du 15e siècle, c'est plus le standard du 21e. Des pièces à 4,50 m de haut, des fenêtres à 80 cm de large, des escaliers à 20 cm, les marches, ça ne marche plus. C'est plus... Donc il faut avoir le courage de porter des politiques de réhabilitation de ces quartiers, de déconstruire pour pouvoir reconstruire la ville ici. Simplement, aujourd'hui, il y a un rôle de conservatisme des services de l'État qui ne font plus confiance aux élus locaux. Je rejoins madame. Est-ce que vous croyez sincèrement qu'on veut la destruction de nos territoires ? Lorsqu'on propose une opération de curetage urbain pour permettre de refaire de la vie ancienne... Moi, dans mon secteur sauvegardé, c'est un joli musée. C'est magnifique. Sauf qu'il n'y a pas de vie. Il n'y a plus d'enfants qui courent dans les rues. Il n'y a plus rien. Comment voulez-vous qu'il y ait des commerces ? Il faut commencer par là. C'est ramener de la vie dans les secteurs de la ville. Et on verra que ça va être beaucoup plus simple de refaire de la dynamique économique et commerciale au travers de ça. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait de la cohérence dans les politiques publiques. Et sur la problématique de la santé, je termine là-dessus... j'ai un centre hospitalier à Chinon, il y a 600 lits, c'est plus de 1000 personnels, c'est le deuxième employeur du territoire. Aujourd'hui, la politique de tarification de la santé fait que les hôpitaux d'équilibre comme les nôtres sont gravement mis en danger. L'année dernière, 420 millions déficit de l'hôpital public, cette année 1,5 milliard. Ça a explosé, ça a triplé. Si on n'apporte pas des solutions correctives à ça, on va faire mourir ça. Et comment faire du développement économique, de la revitalisation de centre-ville si on n'a pas une politique de santé forte sur un territoire? Voilà. Merci beaucoup. On continue sur deux, trois points. Monsieur, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Denis Merville, président des maires de Seine-Maritime. Seine-Maritime. Et plutôt donc, en tant que vice-président de communauté de communes de 20 000 habitants. Bienvenue. D'abord, le collègue de Vierzon a dit qu'il fallait agir vite, fort et en cohérence. Je souscris tout à fait, car on a souvent des procédures qui sont particulièrement longues ou souvent pas, qui ne connaissent pas suffisamment le terrain. Je vais vous donner notre exemple. Pour au niveau de la politique des centres-bourgs, nous avions été retenus, on a répondu à l'appel à manifestation donc, d'intérêt. On avait 3 mois pour répondre, je crois. C'était 2 mois, juillet, août.
Heureusement, la Chambre de commerce nous a aidés. La Comcom a travaillé donc avec le chef-lieu de canton. Et malheureusement, nous n'avons pas été retenus. Alors, on a candidaté ensuite au FISAC, à l'appel à, l'appel à projet. On a commencé en 2016. On a été, pour les communes rurales d'une agglo, et puis nous, nous avons été retenus, mais c'était, on a commencé en 2016. Les premiers crédits ne sont pas encore versés. Et donc, il faut 3 ans. En 3 ans, pour sauver un commerce, le commerce, il est transformé en maison d'habitation très rapidement. Et en plus, quand on, dans le plan de financement, j'ai fait observer que ceux qui apportaient le plus, c'était les communes. Or, nous sommes en interco à fiscalité donc unique. Et ensuite, deuxième financeur, l'interco, alors que c'est elle quand même qui perçoit la fiscalité économique. Troisième financeur, la Chambre de commerce. Et quatrième, l'État, qui apporte grosso modo la TVA. Alors, j'ai dit, mais attendez, est-ce qu'on sait à Paris, est-ce qu'on sait au ministère que, en définitive, les communes aujourd'hui, dès lors qu'on est en TPU, enfin maintenant FPU, eh bien, ne perçoivent plus de ressources économiques. Alors, on le fait pour nos commerçants, mais c'est quand même un peu choquant quand on voit les baisses de dotation, que ce soit les communes qui soient donc sollicitées. Alors, ensuite, moi, je souscris à ce qui a été dit au niveau des services de l'État ou des services que l'on perd dans un certain nombre de chefs-lieux. Mettez de plutôt communes. L'accent sur les points sur lesquels voilà. Vous êtes en désaccord. Alors, le désaccord, c'était donc effectivement de voir des services publics disparaître, des cartes d'identité, je crois que là-dessus. Et puis, je préside et on est en train de travailler un nouveau PLH. Je peux vous dire que ce n'est pas facile aujourd'hui, avec à la fois le nombre d'intervenants dont la politique change régulièrement. Je suis conseiller départemental par ailleurs, là on a une certaine stabilité. La région, avec la loi NOTRe, la nouvelle politique est à peine définie. L'État change de politique. On nous annonce une nouvelle loi. Quant à l'ANA, il a aussi changé, c'est vrai. Alors aujourd'hui, pour élaborer ce PLH, je peux vous dire que pratiquement chaque jour, il y a quelque temps, on rentrait encore pour le PTZ. Maintenant, on n'entre plus. Alors on ne sait plus trop comment faire. Je crois qu'il faudrait aussi, dans ce moment, de la cohérence, mais une certaine visibilité dans les politiques d'État qui ne changent pas tout le temps. On a besoin de visibilité, je crois, aussi dans les politiques publiques. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci, Monsieur Merville. Alors, le micro peut migrer. Madame, allons-y. Et puis, il y a encore 2 interventions ici. Voilà. Et après, on passera à la table ronde suivante. Très rapidement. Oui. Marie-Christine dirige l'Observatoire Territoria, qui s'intéresse depuis 30 ans aux innovations des collectivités territoriales. Et bien évidemment, nous avons vu arriver, il y a quelques années, ce problème de la désertification ou du besoin de revitalisation des centres ruraux. Je serai aussi prudente que Madame la sénatrice, je ne vais pas citer de nom de collectivité, mais je voulais quand même apporter une note très positive, parce que je trouve qu'il se fait énormément de choses. Nous avons reçu beaucoup de dossiers sur ce thème-là. Il y a beaucoup de choses qui sont... Et insister sur le fait qu'effectivement, il faut que l'État et que les organismes fassent confiance aux projets des élus. Ce sont eux qui connaissent leur territoire, ce sont eux qui savent ce qu'il est possible de faire et avec qui le faire. Alors, les aider, bien sûr, en particulier par les politiques nationales des établissements publics et de leur répartition, mais faire confiance aux projets de chaque territoire. Alors, je n'apporte rien de nouveau, sauf que nous allons organiser avec un de nos partenaires privés, la Française des Jeux. La forme n'est pas définie, ça ne sera pas une conférence, une cagnotte. Ça sera à Albi, non pas une cagnotte, mais nous allons redonner tout ce que nous aurons pu gagner de très positif sur ce qui se fait actuellement, pas seulement dans les villes moyennes d'ailleurs, mais dans les centres-bourgs ou dans des quartiers de très grandes villes qui connaissent exactement le même problème. Merci beaucoup, madame. Je crois que monsieur, voilà. Oui. Allons-y, la main est chaude là. Oui, Christian Lerouet, maire d'une commune de 1200 habitants. Je suis le petit poussé peut-être de la salle. Ou pas. Et d'ailleurs, où on n'est pas nombreux parce qu'on n'a pas entendu beaucoup la ruralité profonde, très sincèrement. Et je déplore que l'AMF n'ait pas invité la ruralité profonde à intervenir. En table ronde 2, pour info. Oui, ce qui m'inquiète énormément, encore aujourd'hui, si vous voulez, c'est quelques mots. Nous n'avons pas été retenus, nous n'avons pas été choisis. Je dirais, et je le constate au quotidien, que c'est à la limite du clientéliste. Car une ville, une petite ville ou un bourg, mais j'en connais pas,
On attend, si vous voulez, simplement d'être choisi pour, si vous voulez, faire des opérations, et des opérations que j'ai connues, que 2 ou 3 mois pour les préparer. Croyez-vous que c'est comme cela qu'on valorise au mieux, si vous voulez, l'argent de nos concitoyens? Comment voulez-vous que nos concitoyens, aujourd'hui, aient confiance dans la politique? Alors, si vous voulez, même pour une commune de 1200 habitants, on n'a pas attendu après toutes ces opérations, car je crois qu'on n'aurait que nos yeux pour pleurer. Aujourd'hui, nous avons recréé l'ensemble des besoins du quotidien. Nous avons été dans les pionniers de recréer une station-service. Dans votre village? Dans notre village. Qui s'appelle comment, pardonnez-moi? Lons-les-l'Abbaye, dans l'Orne. Bien. Une station-service pour être attractif pour nos jeunes, pour sauver nos écoles. On a mis l'ensemble dans le terrain à 1 € le mètre carré. On vient de recréer une boulangerie bar-tabac avec 5 logements, 1 million d'investissements, sans endetter la commune. Alors, très sincèrement, ça me fait très chaud au cœur. Arrêtons. Arrêtons d'attendre tout des autres. Sincèrement. Prenons-nous aussi également les élus en charge. Arrêtons. Arrêtons de pleurer. Vraiment, j'ai vraiment mal au cœur. Et de plus, ce qui nous pénalise, monsieur le maire, quand vous dites il ne faudrait pas opposer la métropole à la ruralité. Mais que font, excusez-moi, je discute là des sujets qui fâchent, mais que font nos élus qui, pour se battre d'une répartition des dotations de l'État, comme le disait si bien monsieur, une métropole va bénéficier de 3 fois le montant de ce que nos communes rurales bénéficient. Très sincèrement, on est en train de creuser le fossé, et je crains énormément pour l'avenir, entre nos métropoles et notre ruralité. J'espère que, en tant qu'élu, que vous en tiendrez compte dans vos futurs... Et je suis sûr qu'on va vous applaudir. Allez, on y va. Merci de ce témoignage. Messieurs les présidents, juste une dernière intervention de madame, je vous en prie. Bonjour, Marie-Lise Ortiz, directrice de Cité-Cité Remarquable de France. Merci à l'AMF pour l'invitation à participer à ces rencontres véritablement intéressantes, où je retrouve d'ailleurs d'éminents membres de l'association. Et je voulais simplement souligner que que 2 rapports ont été réalisés. Donc, a été évoqué le rapport d'Yves Dauge qui a précédé le dossier Action Cœur de Ville sur la revitalisation des nouveaux sites patrimoniaux remarquables, donc qui succèdent aux ZPPUP, à VAP, secteur sauvegardé, et le rapport de Martin Malvy, notre président, qui évoque donc le développement économique et touristique à partir des patrimoines. Je voulais souligner que je vois à cette table aussi des élus qui ont des sites patrimoniaux remarquables, et que c'est à partir du patrimoine que beaucoup relancent la revitalisation de leur territoire, et que c'est un outil formidable, car souvent, parfois aussi, ce qui reste sur les territoires, c'est ce patrimoine qui nous est quand même très, très envié, qui permet de développer différentes politiques, un aménagement du territoire, de nouvelles fonctions dans les centres-villes. Encore faut-il bien le traiter, c'est-à-dire avoir cette réflexion sur le logement qui a été évoquée, et je crois que ça, c'est un point extrêmement fort, que le logement, on parle bien sûr du commerce, ça fait longtemps qu'on dit que le commerce extérieur est trop important et qu'il tue le commerce des centres-villes, mais le logement est celui, et avec sa spécificité, et je ne crois pas que dans les centres protégés, on ne puisse pas faire des choses intéressantes. Beaucoup de centres travaillent, je pense à Dax, je pense à Saint-Flour, je pense à Vierzon. À Vierzon, bien sûr. et à Nancy, beaucoup. Et je pense aussi à des communes comme La Réole, qui sont des petites collectivités qui se sont prises en main pour travailler, avoir une réflexion aussi sur comment revitaliser leur centre avec de nouveaux types de logements et faire venir de nouveaux habitants, et notamment des familles, pour développer la mixité dans les centres-villes. Merci. Alors, ça me semble essentiel. Merci. Ceux qui n'ont pas parlé, sachez qu'il y a encore 30 minutes tout à l'heure, mais si on est encore vivant, parce qu'il fait effectivement très chaud, pour placer vos remarques, vos... Voilà. Oui, c'est pas de très bon goût, pardonnez-moi. Alors, Pierre Jarlier, Laurent Hénard, peut-être, qu'est-ce que vous entendez de cette rumeur du Quai d'Orsay, là ? Moi, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Mme Ortiz sur la question de la réhabilitation du patrimoine.
Parce que le patrimoine, c'est quand même un des atouts majeurs des centres-villes. Et que s'il est bien mis en valeur, la ville reprend de l'attractivité. Et ça, c'est un fait. Sauf que, aujourd'hui, les outils de réhabilitation ne sont pas adaptés aux contraintes qui pèsent sur ce patrimoine. Et aujourd'hui, les politiques de l'habitat ne sont pas adaptées à la spécificité du patrimoine ancien. Et on voit bien toute la difficulté. Vous parlez de mixité sociale. C'est absolument indispensable de faire de la mixité sociale en centre-ville. On a fait beaucoup d'OPH, on a fait beaucoup de logements locatifs. Ben, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? On n'est pas du tout contre, bien au contraire. Sauf qu'aujourd'hui, il y a de la paupérisation et il n'y a pas de mixité sociale. Il faut faire revenir des habitants qui sont propriétaires. Pour trouver des habitants qui sont propriétaires, il faut pouvoir accueillir des nouveaux accédants. Et les nouveaux accédants, notamment en matière d'accession sociale à la propriété, eh ben, ils n'ont pas droit aux mêmes choses du tout quand ils sont en réhabilitation que quand ils sont en construction. Et ensuite, ça c'est le premier point, mais c'est absolument majeur. Vous avez la TVA réduite en construction, pas de TVA réduite en réhabilitation. Ensuite, il y a quelque chose qui est un peu plus important sur un sujet que j'ai connu dans une autre vie, c'est que la configuration même de l'habitat est la même aujourd'hui dans la périphérie, c'est-à-dire en neuf, que l'habitat ancien. On ne peut pas imaginer les mêmes normes. On ne peut pas imaginer la même approche d'un habitat en centre-ville. Si on veut de l'attractivité en centre-ville pour de l'habitat pour des jeunes familles, il faut leur donner de l'espace en compensation de l'espace extérieur qu'ils n'ont pas. Il faut trouver aussi les moyens d'apporter de la lumière, mais ça, c'est autre chose. Donc, les normes en matière d'habitat ne sont pas bonnes aujourd'hui parce que ce sont les mêmes. Quand vous faites un F3 en logement HLM en centre-ville, vous avez la même norme que quand vous le faites dans une petite copropriété ou en périphérie. C'est juste impossible. Ça ne peut pas marcher. Et donc, l'avantage de ces immeubles qui sont en centre ancien, qui ont de beaux volumes, qui ont de belles hauteurs sous plafond, eh ben, c'est peut-être aussi ce qu'il faut essayer de maintenir, parce que c'est ça qui donnera envie aux gens de venir. Mais si vous transformez ça avec du placo-plâtre en petit studio, là où il y avait un séjour, on transporte ça en studio, voire F2, eh ben, vous êtes tranquille. Il n'y aura pas un jeune couple qui voudra venir s'installer là. Donc, il y a un vrai problème d'adéquation entre les contraintes sur l'architecture, sur le patrimoine et les politiques de l'habitat qui ne sont plus du tout adaptées. Voilà, je pense que c'est un vrai sujet. J'aborde pas les... Laurent Hénard, il y a quelque chose sur quoi vous vouliez forer ? Non, je voudrais... Je voudrais simplement dire que je connais évidemment les inégalités de DGF, mais on peut se balancer les trucs à la figure. Ça ne fera jamais bouger les choses. L'État se satisfait même de ces oppositions rhétoriques qu'on s'allonge à longueur de débat entre élus locaux, qui justifient de ne rien faire. Donc, parce qu'après, on connaît bien, l'étape 1, c'est en milieu rural, on a moins de DGF qu'en milieu urbain. L'étape 2, c'est, mais attention, les charges de centralité. Bon. L'étape 3, c'est, faut faire une péréquation de tout ça. Puis l'étape 4, c'est tellement le bordel qu'on ne fait rien. Voilà. Et les mêmes qui appelaient à la réforme générale... Dernier congrès de l'AMF, on a dit qu'il faut que le président change la fiscalité locale. Mais je vais vous donner les étapes suivantes. Chacun va regarder les bases, les taux, appliquer à son territoire. Et puis dans 3 ans, on va tous être d'accord pour dire qu'il vaut mieux rien faire. Voilà. J'ai eu la chance, pendant 2 mandats, de participer à la commission des finances et de travailler avec des élus locaux. Donc ce cycle de vie, je l'ai vu faire plein de fois. Voilà. Et pendant ce temps, comme ça a été très bien dit, il y a beaucoup de dossiers et de projets qui restent en carafe, et il y a beaucoup de réalités qui changent beaucoup plus vite que les politiques publiques, qu'elles soient locales ou nationales. Donc moi, je pense qu'il y a deux sujets fondamentaux sur lesquels il faut qu'on avance. Un, obtenir de l'État une vraie politique d'aménagement du territoire. Parce qu'on voit bien ce qui se passe. Il y a un interlocuteur, ministère de l'Intérieur, collectivité locale. Il y a Bercy, de l'autre côté, qui parle des finances locales. C'est quand même un peu le nerf de la guerre. Et puis, il y a des politiques en tuyau d'orgue. Et il n'y a pas une véritable volonté d'aménagement du territoire avec des contrats globaux proposés au territoire et qui permettent d'ailleurs parfois d'apporter une certaine stabilité des politiques publiques. Donc je pense que ça, il faudrait à un moment donné qu'on soit d'accord pour le faire, et je crois que ça nous ramènera justement à des coopérations entre le métropolitain et le rural, inéluctablement. Et on peut être gagnant comme ça. Je vais juste donner un exemple. Quand le passage de l'ancien métropole a été possible, on craignait que les intercommunalités autour s'y opposent, pour des raisons creusement d'inégalité, évidemment. Et on a travaillé avec elles sur un pacte commun. Et aujourd'hui, dans le pacte État-Métropole qui a été donné à Nancy, la moitié des crédits sont affectés à des chantiers qui concernent les 13 intercommunalités autour de la métropole.
Mais moi, ce qui me navre sincèrement, c'est qu'il y a encore 13 intercommunalités autour d'une métropole, alors qu'on fait tous partie de la même zone d'emploi, qu'on est tous dans la même réalité économique et sociale, et qu'on devrait imaginer une gouvernance adaptée qui nous permette de mettre nos politiques publiques complètement en commun tout de suite. Voilà. Je crois qu'à un moment donné, il faut, si on veut que l'État donne des enveloppes globales, pas trop fléchées, qu'on dépasse les politiques en tuyaux d'orgue, qu'on puisse avoir des contrats adaptés à chaque territoire, il faut qu'on soit capable aussi d'avoir une organisation territoriale à l'échelle de la réalité territoriale. Voilà. On est encore trop de communes, on a encore trop d'intercommunalités, on est encore trop morcelés dans nos réalités administratives et électives et politiques. On va remercier nos élus. Juste avant, Sonia de la Provoté. Oui. Non, mais très court, mais parce que c'est vraiment quelque chose que je voulais souligner, parce qu'on a parlé de l'ingénierie et puis des PLU et de l'aménagement. En réalité, l'aménagement du territoire, ça se décline à toutes les échelles, et c'est ce que vient de souligner Laurent, c'est qu'il doit y avoir une vision nationale aussi de l'aménagement du territoire, il doit y avoir une vision locale, et ce qu'il faut, c'est la qualité de l'ingénierie. Et effectivement, il faut que les territoires soient dotés d'agences d'urbanisme, parce qu'elles sont gérées et accompagnées par les élus du territoire eux-mêmes, donc c'est les mieux placés pour qualifier l'identité et le projet du territoire, et c'est les mieux placés pour travailler en commun d'un territoire à l'autre. Et ça, c'est essentiel. Et quand on regarde la carte des agences d'urbanisme, par exemple, il y a des trous énormes sur le territoire. Et comme l'État fait plus complètement partout ce travail très fin que peut faire l'agence d'urbanisme, on n'arrive pas à faire cohabiter cette vision nationale avec cette vision locale. Et à défaut, on a l'impression qu'il y a d'un côté la stratégie métropolitaine et puis de l'autre côté des territoires qui se sentent ou abandonnés ou en tout cas peu regardés, et chacun se débrouille entre élus locaux pour revitaliser, pour avoir un projet, pour avoir une identité, pour faire ce qu'il faut pour être attractif. C'est ça qui est délétère, parce que la convergence des politiques publiques, c'est essentiel, que ce soit au niveau national et au niveau local. Et on voit bien que c'est ce schisme un peu par moment sur même cette ambiguïté du comportement de l'État dans certaines situations, sans vouloir tirer à boulet rouge sur l'État, c'est plutôt le fait qu'on ne soit pas actuellement en situation d'avoir une vision globale et de pouvoir faire du plus petit au plus grand et dans l'autre sens, avec une fluidité qui est nécessaire pour que tous les citoyens se soient considérés au même niveau, quel que soit l'endroit où ils habitent. Voilà, il est 16h01, on va remercier nos invités et garder nos présidents. Voilà, on les rend à leur territoire ou à leur bureau. Il y a toujours de l'eau au fond, si vous le souhaitez. Et je vais inviter maintenant à nouveau des élus locaux et des experts pour cette table ronde numéro 2 qui va nous entraîner jusqu'à 17h. Elle portera sur les outils avec un gros plan qui sera fait sur le dispositif d'actualité Action Cœur de Ville. Alors tout d'abord, je voudrais que la triplette des élus locaux monte en scène et aille s'installer où bon leur semble, d'ailleurs, on s'adaptera, où bon leur semble autour de leur président de commission. Donc il y a Jean Girardon qui est en troisième position, il est le maire de Mont-Saint-Vincent. Olivier Pavy s'assoit à côté de Pierre Jarlier, me semble-t-il. Voilà. Et Daniel Cellier, donc ça, ce sont deux maires. Je vous les présenterai un peu plus au-delà. Et Daniel Cellier, qui est le premier adjoint de Douai, qui est à votre gauche ici. Voilà. Donc on a Douai, Salbris, Olivier Pavy. Et Mont-Saint-Vincent, c'est cela ? C'est dans quel département ? Ça vous a fait quoi, ce que votre collègue de la ruralité pouvait avoir dit il y a quelques instants ? Allez-y. Je partage largement, je dirais. Ce que vous partagez, c'est qu'effectivement, sur un plan local, s'il y a une volonté politique dans les centres-bourgs, on peut faire beaucoup de choses. Voilà. Si vous voulez, je crois qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, il ne faut peut-être pas effectivement poser le territoire rural et le territoire urbain. Mais il faut considérer que vous avez des territoires qui sont en prise directe avec la mondialisation. Et puis vous avez d'autres qui sont plus éloignés et dont le salut doit venir d'eux-mêmes. Et l'économie sociale et solidaire est pour ces territoires-là ce que la mondialisation est peut-être pour les métropoles. Et ça veut dire aussi que les élus de ces territoires, qui bien souvent n'ont pas forcément une grande expertise, mais qui ont une qualité essentielle que nul expert ne peut leur prendre, c'est qu'ils vivent dans ces territoires. Et ça, c'est fondamental.
car ils vivent et ils connaissent les acteurs, en particulier l'économie sociale et solidaire. Et donc, on peut créer une dynamique, un développement qui vient du bas et qui ne vient pas d'en haut, même si... moi, vous savez, la théorie du ruissellement, ça, mon voisin va sans doute la défendre. Mais moi, j'y crois pas trop. Moi, je pense que les territoires ruraux, il faut qu'ils cessent d'abord de pleurnicher. Ça, c'est quelque chose qui, malheureusement, a été monté en épingle parfois et qui fait qu'on a une image, ben oui, les ruraux, ben, ils sont en retard, etc. Ils n'évoluent pas, ils sont conservateurs. Mais moi, je peux vous dire que dans le monde rural, il y a des expériences, des exemples, mais qui ne sont pas forcément spectaculaires, mais qui rendent service, qui font que les gens qui vivent en profitent, en bénéficient, et dans un certain nombre de domaines. Bon, sans vouloir... moi, je suis maire d'une commune de 350 habitants. C'est vrai que je n'ai pas beaucoup de moyens. Mais quand il a fallu repeindre la salle des fêtes, bon, on l'a fait avec les habitants. Et on s'est bien amusé. Parce que, bien évidemment, on a travaillé, mais aussi la convivialité. Voilà, c'est ce qu'on appelle du crowd painting. Voilà. C'est ça ? Ouais. Est-ce que vous me permettez de vous interrompre ? On a bien compris l'esprit de votre action vis-à-vis de votre collègue. On vous redonnera la parole parce que je me suis un peu laissé déborder et il y a trois autres intervenants que vous allez découvrir qui seront également dans des propos un petit peu allusifs parce que ce sont des hyper experts. Ils sont à votre disposition dès après cette réunion, ultérieurement bien sûr, et je vais vous les présenter. Je vais leur demander de nous rejoindre également, messieurs les élus. Tout d'abord, Elisa Val, où est-elle ? Elisa, je vous en prie, madame, installez-vous peut-être où vous le souhaitez d'ailleurs. Où vous le souhaitez, il n'y a rien de mieux que la liberté. Elle est directrice, Elisa Val, de l'appui au territoire à la Caisse des dépôts. Donc on a là quelqu'un d'importance. Peut-être pouvez-vous nous dire quels sont les territoires vis-à-vis desquels vous allez déployer des outils d'appui. Alors, bonjour à tous. Bonjour. Merci à tous ceux qui ont cité... Ça y est, c'est fait. Merci à tous ceux qui nous ont cités sur les précédentes tables rondes. La Caisse des dépôts accompagne déjà les territoires sur la redynamisation des centres-villes, mais pas de façon segmentée, comme ça a pu être évoqué, puisqu'on est présent à la fois sur les centres-bourgs, même si vous n'avez pas été retenu dans le cadre de l'AMI centre-bourg. On a décidé de consacrer malgré tout des enveloppes d'ingénierie justement pour pouvoir aider les territoires qui n'ont pas été retenus à élaborer leur projet de développement, donc sur la partie centre-bourg. Et on est bien évidemment présent sur les villes moyennes depuis l'année 2016, où on avait développé donc des contrats globaux, comme ça a été évoqué, d'accompagnement des villes moyennes sur ce sujet des centres-villes. Évidemment, comme cela a été appelé de vos souhaits, on va mettre tout cela en cohérence avec la politique cœur de ville, et donc proposer. Les villes ouais. qui vont être choisies là d'ici fin mars, évidemment toutes celles qui ont déjà travaillé avec nous depuis 2 ans sur les sujets de redynamisation, on va récupérer tous ces travaux d'ingénierie pour les basculer dans le programme cœur de ville et on va intensifier les moyens qui vont être consacrés à la redynamisation de ces villes puisque vous savez qu'on intervient à la fois sur l'ingénierie, sur les prêts et sur l'investissement dans toutes les thématiques qui ont été citées puisque je viendrai compléter ce qui a été dit, mais il s'agit évidemment d'intervenir en même temps sur l'habitat, sur le foncier, sur la mobilité, sur les commerces, bien entendu, on l'a dit. On va en parler. On ne va pas, redire ce qui a été dit. Mais donc, les moyens qui vont être consacrés sur cette nouvelle période, qui va durer 5 ans pour les villes moyennes, ils vont être, en ce qui concerne la Caisse des dépôts, multipliés par 3, voire 4, puisqu'on va consacrer 50 millions pour de l'ingénierie de projet, 50 millions pour de l'ingénierie liée aux innovations, 700 millions sur les investissements, 200 millions pour accompagner des foncières, et puis on va dégager aussi des enveloppes sur les fonds d'épargne, de façon à utiliser des prêts très avantageux, ceux qui sont d'habitude utilisés pour les politiques de la ville, on les utilisera désormais pour ces zones à redynamiser. Merci. Brigitte Bariol, Matet, qui est déléguée générale de la Fédération des agences d'urbanisme. Voilà, il y a des marches sur la droite, va s'asseoir à côté de vous, Madame Laval, avec un travail qui a été fait tout à fait somptueux. Vous avez vu qu'il y a des documents qui vous ont été remis à l'entrée. Il y en a un qui manque et qui pourra, ça sera
possible de compléter. Révéler le potentiel des agglomérations moyennes, voilà un dossier d'octobre 2017 qui est pas mal fait. Vous nous direz dans quelques instants ce que vous mettez en avant compte tenu de notre auditoire du jour. Peut-être ces agences d'urbanisme aujourd'hui, de ce que vous avez entendu, après on ira vers les élus et peut-être aussi un patron de CCI. Quel est un peu le instinctivement ce que vous avez envie de partager maintenant ? Bonjour à tous d'abord. Alors, je vais être dans la continuité de Sonia de la Provoté, qui est aussi vice-présidente de l'AFNO, qui a parlé de l'enjeu d'aménagement du territoire et du fait que les agences d'urbanisme apportaient une ingénierie territoriale à différents niveaux, aussi bien aux grandes échelles que sur des niveaux beaucoup plus fins. Et elle a pointé qu'effectivement, les agences d'urbanisme ne sont pas sur tout le territoire français, mais néanmoins, on en a une image d'outils plutôt de métropole ou de grandes agglomérations. Et en fait, ce n'est pas tant que ça le cas, puisque beaucoup d'agglomérations moyennes, de territoires périurbains sont adhérents d'agences d'urbanisme, membres des agences, soit autour de grandes agglos, soit parce qu'ils sont dans des réseaux qui ont créé des agences d'urbanisme appuyées sur des réseaux d'agglomérations moyennes pour se doter d'une ingénierie commune. Et c'est tout l'enjeu de la mutualisation. Et pour faire le lien avec le plan cœur de ville et l'appui que les agences peuvent apporter au plan cœur de ville, on a fait un croisement entre le nombre d'agglomérations potentiellement éligibles qui tournent entre 2 et 300. Et près de la moitié d'entre elles sont déjà adhérentes d'agences d'urbanisme, directement ou indirectement. D'où toute la réflexion qui a été souhaitée sur les agglomérations moyennes qui avait été engagée en 2017 à la demande des élus du bureau de l'AFNO, parce que justement, beaucoup des membres des agences sont confrontés aux enjeux des agglomérations moyennes qui ont été déjà très bien décrits dans la table ronde précédente. François-Xavier Brunet est notre dernier interlocuteur. Je vous propose, monsieur, bonjour, d'aller compléter la tribune. On vous entendra dans quelques instants. Je voudrais déjà que les trois élus locaux nous disent comment ils ont entendu cette première table ronde qui portait sur des constats, déjà des annonces. Olivier Pavie pour Salbris. Oui, bonjour à toutes et à tous. Oui, je pense qu'il y a eu un très bon constat de la table ronde. Et je rejoins, parce que c'est mon voisin géographique, Nicolas Sansu à Vierzon. Nous sommes à 25 km, même pas 22 km, voilà, l'un d'eux. L'avantage que j'ai sur Vierzon, c'est que j'ai un quart d'heure de moins de Paris. Donc voilà. Mais il y a moins de trains, c'est vrai. Donc voilà, il s'arrête quelquefois chez moi, il repart à Vierzon après aussi. Donc voilà. Mais ça, c'est un sujet important. C'est aujourd'hui comment arriver à redéfinir. Donc, gérer cette revitalisation nécessaire des villes. Vierzon est une sous-préfecture. Moi, je suis une commune qui fait à peine 6 000 habitants. Et c'est une commune qui a beaucoup évolué en très peu de temps, puisque de 1950 à 1975, elle a doublé de population. Ça veut dire qu'il y a eu, en fin de compte, un bond énorme donc, de cette commune, avec, bien sûr, tous les équipements qui vont avec. Et ensuite, il y a eu la désindustrialisation de ce territoire, puisque nous avons une économie qui était fortement liée, donc puisqu'on est au sud d'Orléans, entre Orléans et Bourges, à l'armement et à l'automobile, puisque c'était Matra, et on avait un certain nombre d'entités qui étaient au CAC 40 à l'époque, qui ne sont plus aujourd'hui, et ça c'est bien la difficulté d'un certain nombre de territoires, avec toute la fiscalité qui arrivait avec. Donc on a bénéficié de cette économie porteuse pendant plusieurs décennies. On a maintenu nos commerces. Pourquoi on a maintenu nos commerces ? Pour une partie des commerces, et on a réussi à en développer certains, parce que on est considéré, comme l'INSEE l'a défini aujourd'hui, comme un mini-pôle. Commune d'à peine 6 000 habitants, communauté de communes d'environ 13 000, mais avec des communes qui sont peu nombreuses, mais très éloignées l'une de l'autre. Et moi, je suis à une heure d'Orléans, une heure de Blois, qui est la préfecture, une heure de Bourges. Et ce qui fait qu'en fin de compte, de par cette localisation géographique, eh bien, il y a un besoin de consommation, donc de l'ensemble, bien sûr, des habitants périphériques, mais également, on a une zone de chalandise qui est portée bien au-delà donc, de la communauté de communes. Pour témoigner, j'ai encore une poissonnerie en centre-ville. Pour une commune de 6 000 habitants, c'est quand même relativement rare. J'ai une armurerie qui est connue donc, à plusieurs centaines de kilomètres, à Salbris, donc la chasse. Ça, c'est normal. Mais j'ai encore de l'électroménager.
j'ai encore 5 boulangers avec 2 grandes surfaces, j'ai encore 3 bouchers, donc on arrive à maintenir cela. Par contre, j'ai de la perte de... Voilà. Donc, le descriptif qu'il y avait lors de la table ronde précédente, et cette diversité de territoires, elle existe. Elle n'existe pas qu'entre les grandes villes en fonction de leur secteur, elle existe aussi sur des villes de plus petite taille, et je pense que l'objectif... Si on veut atteindre l'objectif du gouvernement, c'est de ne pas se focaliser sur un nombre d'habitants, parce que ça, je pense qu'on fera, à mon avis, une erreur de cible et d'objectif, mais par contre sur des zones de chalandise qui correspondent à un certain nombre d'habitants pour ne pas perdre donc, dans le dispositif les villes de ces catégories-là, et je ne suis pas une exception sur le territoire. Vous savez, Olivier Pavy, votre taux de vacances, c'est quelque chose qu'une petite commune comme la vôtre sait calculer, évaluer ? Alors, le taux de vacance, il est très fluctuant, parce qu'on a un taux de vacance, bien entendu, aujourd'hui, qui est d'environ 12% donc, des commerces, mais il est lié aussi à l'évolution d'un certain nombre de commerces et de générations. On a aussi un certain nombre de commerces qui ont vécu sur un certain nombre d'acquis et qui ont, après, donc, de par leur créneau, ont des difficultés à retrouver un certain nombre de repreneurs. Mais dans les commerces traditionnels, on arrive à maintenir cela. Il faut qu'on arrive, par contre, à compléter sur d'autres offres et surtout arriver à rebondir par rapport, à ce qu'on le disait tout à l'heure, sur l'évolution du commerce. Et je pense que le descriptif qui a été fait par M. Moati était tout à fait pertinent sur beaucoup, beaucoup de domaines. C'est la raison pour laquelle, moi, j'ai mis en place les journées du commerce, parce que depuis 25 ans, il ne s'est déjà rien passé. On vivait sur un acquis et sur, justement, cette population. On a mis en place les journées du commerce donc avec l'aide donc d'un intervenant que l'Union commerciale avait choisi pour les accompagner justement sur cette évolution. On a fait participer bien sûr l'ensemble des artisans, mais aussi des petites entreprises que l'on a sur le secteur qui sont évidemment très importantes. On a fait participer, parce que ça, c'est un volet aussi important dans la redynamisation des centres-villes et notamment des centres-bourgs, c'est les marchés. Les marchés, c'est une zone, c'est un élément très important et qui véhicule énormément de flux. Et nous avons commencé, nous, à revitaliser notre centre-bourg en bénéficiant du plan donc d'aide à l'investissement donc, il y a 2 ans. Et on a commencé par rénover la partie donc, service public. On a refait toute la rue. Alors, certains disaient 2 mois pour faire le dossier. Nous, on a eu 15 jours pour le faire. Donc, mais on a réussi à le faire. Et pourquoi ? Parce que les services publics, quand on examine les flux de fréquentation, c'est entre 45 et 50% en fin de compte, du flux de fréquentation d'un centre-ville. Donc c'est la raison pour laquelle on a commencé par cela, pour arriver justement ensuite à enclencher le reste donc, du dispositif. Mais c'est aussi toute une politique que j'irai d'accompagnement derrière. C'est le maintien pour nous, qui est quelque chose de très coûteux, une compétence très coûteuse de petite enfance, enfant, jeunesse, c'est-à-dire d'avoir une crèche, d'avoir de l'accueil de loisirs, d'avoir tout un environnement lié justement au service des familles pour pouvoir générer justement tout ce flux sur l'ensemble des commerces. Donc on a créé également, c'est pas nous qui l'avons créé, mais on a appuyé une démarche d'une jeune entrepreneur pour créer un site internet de soutien aussi des commerces, avec justement une partie vente en ligne et également toute une partie d'accompagnement pour les commerces vers le service à la clientèle, parce qu'on a une population très très différente et gérée d'une manière de sociologie très différente. On a évidemment l'habitant salbrisien courant et donc habituel, mais on a également toute une partie de propriétaires, nous, en Sologne. Et on a des résidences secondaires, donc avec des personnes qui ont des besoins de consommation qui sont très différents que le local. Donc il faut aussi s'adresser à tout ça. Pour aller vers cette ville servicielle et expérientielle dont on parlait tout à l'heure. Exactement, tout à fait, pour arriver justement à cela. Olivier Pavy, permettez-moi juste, et M. Cellier également, de donner la parole à quelqu'un qui doit partir d'ici une vingtaine de minutes. Il ne prendra pas les 20 minutes, mais c'est un acteur du privé. Il est patron d'une CCI. Vous êtes également le référent commerce pour l'ensemble des CCI de France. Vous participez au plan Action Cœur de Ville. Vous êtes très étroitement lié à l'AMF aussi sur ces questions. Quand vous entendez d'abord des élus locaux qui se chargent, qui se préoccupent d'économie, est-ce que il y a quelque chose pour vous d'un peu atypique, mais vous vous êtes habitué, ou vous vous dites tant mieux et on y ajoute nos propres énergies, nous les CCI? Alors je vais vous faire une confidence. Ça ne me paraît absolument pas étonnant, d'autant plus que je suis un être parfaitement hybride.
puisque je suis président d'une chambre de commerce et d'industrie, certes, mais je suis comme mon voisin, je suis premier adjoint au maire dans une ville qui s'appelle Tarbes. Donc je vis ça sous les deux casquettes. Hein. Et comme j'ai un métier aussi, j'exploite des agences générales d'assurance dans deux centres-villes, l'un de 8000 habitants, Bagnères-de-Bigorre, et l'autre, Tarbes, 43000 habitants. Mais pas en périphérie de commune. Pas en périphérie. Alors pourquoi commune. Vous n'êtes pas allé pas en périphérie de commune. Voilà. Et donc, c'est non, mais je réponds d'abord à votre je première question. Je pense qu'effectivement, la bonne nouvelle, c'est que la culture générale, à laquelle je viens de vous expliquer que je participe moi-même en partie, est en train d'évoluer dans la relation par rapport au commerce. Pendant de longues années, on a beaucoup pensé que, et notamment, ça a été dit tout à l'heure avec sous l'effet de l'étalement urbain, que le développement du commerce, du grand commerce en particulier en proximité, était une sorte de variable d'ajustement, de moyen, de faciliter, de favoriser les grands projets d'aménagement. Et c'était un outil sans tenir compte des mécanismes économiques propres du commerce. Puis après, on s'est dit, le commerce, notamment en centre-ville, commence à souffrir, il commence à avoir des difficultés, donc on va faire des choses, des animations commerciales, on va faire des rénovations sur les rues commerçantes, etc., parce qu'on s'est dit, on va là vraiment faire le focus sur le commerce. Et puis là, on s'aperçoit maintenant, et je trouve que c'est un renversement extrêmement intéressant, que le commerce est la conséquence de beaucoup de choses. Le commerce est la conséquence de beaucoup de choses. Ça a été dit dans la table ronde précédente, mais je pense que c'est bien de le rappeler. L'ensemble des politiques publiques qui sont menées en matière d'urbanisme, en matière de fiscalité, mais l'urbanisme en premier, fait que il y a des conséquences sur le fonctionnement des centres-villes, il y a des conséquences sur le fonctionnement du commerce. Alors que le commerce suit l'habitant. Le commerce suit l'habitant. Et le client. Historiquement, les villes, c'était pour regrouper les populations et pour les fonctions commerciales. Alors, deuxième question, pourquoi est-ce que, et là je fais le lien avec mon propre métier et mon mandat de président de chambre de commerce. Pourquoi un commerçant s'installe en centre-ville finalement alors que le flux est à l'extérieur ? Le flux est à l'extérieur sur certaines activités et le flux est à l'intérieur du centre-ville pour d'autres activités. Et en termes de marketing, mais Philippe Moati aurait dit ça beaucoup mieux que moi, c'est qu'on voit très bien l'évolution des formes de commerce entre les marchés de commodité et les marchés de spécialité. Pour tout ce qui est commodité, c'est-à-dire sans valeur ajoutée particulière, gestion de flux uniquement pour ce qu'on appelle les achats contraints, que ce soit en centre-ville ou en périphérie, ça ne va pas faire beaucoup de différence. Et si le professionnel auquel on s'adresse se contente de distribuer les produits ou les services, qu'ils soient en centre-ville ou en périphérie, ça ne va pas faire de différence. En revanche, pour tout ce qui est marché de spécialité, avec valeur ajoutée, avec la notion de plaisir, avec la notion de recherche de qualité, de recherche de conseil, là, le commerce indépendant, le professionnel indépendant et sa localisation sur en particulier du centre-ville, pour être différenciante et de façon extrêmement utile. Quel est le message des CCI, message opérationnel ou politique, adressé aux porteurs, agents ou élus qui sont ici en salle, porteurs d'un développement, d'une revitalisation de centre-bourg ou de centre-ville ? Alors, le premier message, c'est que nous devons tous travailler dans le même sens en faisant converger l'ensemble des process. Que je trouve extrêmement positif, ça sera détaillé tout à l'heure, dans le projet Action Cœur de Ville, c'est qu'on met également en exergue le logement en centre-ville. On ne peut pas espérer revitaliser, même si je rejoins ce qu'a dit l'intervenant précédent, le mot n'est pas très heureux, on ne peut pas espérer booster, redynamiser le commerce en centre-ville si on ne favorise pas le retour de population en centre-ville, et notamment de population. J'allais dire, c'est pas péjoratif, mais je manie le propos avec un potentiel de pouvoir d'achat suffisant, parce que c'est nécessaire. Il faut, alors les compagnies aériennes parlent de passagers à haute contribution, en tout cas il faut faire revenir en centre-ville du logement permanent et donc rénover complètement des îlots. Et notamment le partenariat avec Action Logement sera positif. Nous, de notre côté, le réseau des chambres de commerce et industrie, avec l'ensemble des collaborateurs qui sont déployés sur le terrain et qui sont en collaboration à travers les offices de commerce, à travers le management de centre-ville, à travers les unions commerciales, etc., donc en partenariat direct et quotidien avec les élus locaux, nous, notre mission, c'est de travailler sur deux autres leviers. Je veux dire que moi, j'avais noté pour préparer la réunion les quatre leviers pour répondre à la question thématique de la table ronde. Quatre outils ou quatre leviers, l'urbanisme, la fiscalité, mais ça a été amplement développé, la professionnalisation et le digital. Sur la professionnalisation, nous accompagnons les commerçants
dans l'amélioration de leur conception de leur point de vente, dans l'amélioration, l'identification d'opportunités d'implantation, dans l'amélioration de leur qualité d'accueil, parce que ça c'est extrêmement important, et dans la valorisation de ce qui fait leur plus-value. Mais ça, c'est pas nouveau tout ça, c'est pas nouveau. Est-ce que vous avez accéléré pour justement que ceux qui s'implantent s'implantent plus durablement et choisissent le centre-ville parce que justement c'est là où on doit être et pas ailleurs? Ben, c'est là où on doit être ou pas ailleurs, mais en tant qu'institution publique accompagnant ses ressortissants, quand on donne un conseil à l'implantation par rapport au métier que va faire le commerçant, on va lui conseiller en conscience d'aller s'implanter en centre-ville s'il y a une dynamique de centre-ville et s'il y a une dynamique de population, de logement, etc. C'est-à-dire qu'il faut, être, répondre parfaitement à la logique. L'autre dynamique sur laquelle on s'inscrit, c'est l'accompagnement des commerçants dans l'appropriation des outils digitaux. Alors, qu'est-ce que vous attendez des maires et à quel moment vous pouvez les accompagner? Il m'est arrivé, il y a quelques semaines de cela, de faire une réunion dans une commune de mon département où le maire de la commune m'avait dit, écoute, il faut que tu viennes, j'aurai là l'association de commerçants, deux, trois élus qui s'intéressent au truc, explique-moi comment on monte un office de commerce, explique-moi comment on peut désigner un manager de centre-ville et est-ce que tu peux t'occuper de ça? Et je lui ai dit, ok, on va t'apporter toute l'ingénierie. On a développé sur certaines communes des opérations de management centre-ville, mais il y a un point qui est absolument fondamental, c'est que tu dois t'y impliquer toi. Il doit y avoir un pilotage politique. C'est-à-dire que tout ce que nous mettrons techniquement au service de ce qu'on appelle dans le jargon nos ressortissants, tout ce que nous mettrons comme outils, formation-action en faveur des commerçants, ne sera pas efficace dans sa totalité s'il n'y a pas une volonté politique, un pilotage politique et une volonté de revitalisation du centre-ville dans sa globalité. Y compris communautaire. Bien sûr, ouais. intercommunal, ouais. bien sûr, c'est la dimension pertinente aujourd'hui, ça a été dit tout à l'heure, je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Ok, très bien. Et à quel moment il y a un point de contact avec un nouveau service ou une belle réalisation avec ce que font les maires? Est-ce que vous voulez nous citer un territoire où vous avez peut-être une de vos CCI ou chez vous, pourquoi pas, à œuvrer main dans la main avec... Monsieur le député de la Corrèze vient de me dire, Tarbes, oui, finalement, on ne parle que de ce qu'on connaît le plus. On a fait converger à l'époque, quand l'opération a été lancée, j'étais déjà adjoint au maire, mais je n'étais pas président de la CCI, donc j'en parle beaucoup plus facilement, une opération de restructuration d'une halle en centre-ville, restructurant tout, rénovant tout, favorisant la réimplantation, le redéveloppement de commerces et artisans traditionnels. Et on a été un peu disruptif et on s'est fait un peu taper sur la tête pendant quelques semaines parce qu'on a dit on va y favoriser l'implantation également d'un supermarché pour générer des flux. Et là, il y a eu typiquement dans la conception du projet une vraie collaboration mairie, chambre de commerce et industrie. On a même fait une étude pour, sur l'ancien site, regarder les flux de circulation piétonnier pour voir comment il fallait définir le cahier des charges vis-à-vis de l'architecte pour ne pas rompre ces flux naturels-là. Donc les choses se font. Voilà un exemple qu'on peut citer. On va vous libérer dans quelques instants. D'un précédent colloque, on vous entendait dire les CDAC, c'était des machines à dire oui. Qu'est-ce que les élus doivent savoir de ce dispositif qui devrait, je crois, disparaître dans le cadre des opérations cœur de ville? C'était lors du fameux colloque d'octobre qui a été évoqué tout à l'heure par l'un de ses organisateurs. Effectivement, je le redis, on voit bien que l'évolution du régime des autorisations commerciales fait que les CDAC sont des machines à dire oui. Mais les élus figurent dedans, pourtant. Mais oui, tout à fait. Mais tout à fait. Alors ? Parce que on n'a pas encore intégré, on l'a retiré d'ailleurs, la notion d'impact. Tout à l'heure, il était évoqué la nécessité d'introduire des études d'impact. Lors de ce colloque, on a eu un témoignage extrêmement intéressant que quelques-uns d'entre nous connaissions déjà. En Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, les sequential tests, alors on ne peut pas dire qu'en général, la Grande-Bretagne est réputée pour être un pays plutôt plus libéral que la France. Mais avant d'autoriser l'implantation d'un commerce en périphérie, on regarde et on décline tous les impacts. Et est-ce qu'il ne serait pas plus pertinent de l'implanter dans le centre-ville? Donc ça, ces études d'impact, elles sont nécessaires et elles permettraient très certainement, d'éviter bien des erreurs. Alors, nous, ce que nous avons proposé au niveau des chambres de commerce et d'industrie, nous ne revendiquons plus, comme c'était le cas précédemment lors des CDU ou EC,
que les CCI ou les chambres de métiers siègent, bon, parce que la règle européenne fait que, bien que nous soyons une institution publique, nous étions supposés être les représentants des pétitionnaires. Bon. En revanche, ce que nous proposons, c'est que ce soit les institutions, comme le sont les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers d'artisanat, qui soient chargées de réaliser les études d'impact pour donner aux élus des outils d'aide à la décision avant qu'ils prennent leur décision en matière d'équipement commercial. Très bien, merci beaucoup. On termine avec... alors, je vous propose le déroulé suivant. Daniel Cellier, oui, du côté... Je vais atténuer un peu ce que dit au niveau des CDAC, parce que moi, ça fait... je vais participer à 5 CDAC dans le Pas-de-Calais, justement pour contrer des agrandissements de zones commerciales que tout le monde doit connaître. C'est la zone commerciale de Noël Godot, qui est une des plus grandes, zones commerciales d'Europe. Et à chaque fois, avec la ville d'Arras, avec les unions commerciales de Douai et d'Arras, et bien sûr, nous avons voté contre et nous avons été suivis en CDAC. Le groupe Immonchamp a fait appel en CNAC. Ils ont gagné en CNAC. Nous avons fait appel de cette décision. Nous sommes passés en cour administrative d'appel, puisque son siège est à Douai. Et là, nous avons été battus. Et voilà, donc on a laissé s'installer une zone commerciale gigantesque de Noël Godot, qui s'amplifie encore, puisque maintenant, ça c'était en 2014, je viendrai pourquoi on a lancé une étude, ça c'était en 2014, et depuis, Immonchamp est revenu en CDAC du Pas-de-Calais pour nous dire, bah oui, mais comme son hypermarché perd en clientèle, et bien maintenant il va consacrer une partie de sa surface d'hypermarché à une grande enseigne internationale qui commence par AP et qui finit par ACA. Et donc, il va lui céder environ 5000 m² de son hypermarché. On a voté contre. Malheureusement, l'aspect emploi l'a emporté et les élus ont voté pour. Et donc, j'atténue un peu ce qui se passe. Daniel Cellier, sur ce que vous avez entendu de la précédente table ronde, pour faire le lien, et on va aller après vers les recommandations que vous tous vous formulez en termes d'outils. Moi, je retiens tout ce qui a été dit précédemment, et je partage totalement. Bon, Douai, c'est 40 000 habitants. Hein. Nous sommes sur un arrondissement de 64 communes qui représente 250 000 habitants sur une zone urbaine de 550 000 habitants. Et moi, j'ai regardé, notre arrondissement est supérieur à 21 départements en France, en termes de population. Donc, on a des villes importantes. On a le Nord et le département le plus peuplé. Donc, on est confronté, justement, Douai est confronté, c'est une ville ancienne. Or, Douai est une ville judiciaire, hein, c'est une ville militaire, c'est une ville universitaire, et ça, on y tient beaucoup. Douai, bien sûr, on a un taux de vacances important, plus de 15%. Avec des zones commerciales, on est entouré de zones commerciales beaucoup trop importantes. Donc, on s'est dit, on a été battu, mais on va essayer de lancer autre chose. Et donc, on n'a pas attendu le programme Cœur de Ville pour lancer ce qu'on a appelé les rencontres de l'attractivité. Alors, ça a été fait en 2016. Pour évaluer, pour faire un point d'étape de chaque projet. Dans ces rencontres de l'attractivité, qui ont lieu tous les six mois, on se revoit, on associe le sous-préfet, est présent, le président de la communauté d'agglomération est présent et son directeur de développement économique, le président du SCOT est présent, sa directrice également, le président territorial de la CCI Grand Lille est présent avec son directeur, la Chambre des métiers est présente et nous avons associé à ces rencontres de l'attractivité les notaires, les banques et les agences immobilières. Et qu'est-ce qu'on fait ce jour-là, tous les six mois ? Eh bien, tous les six mois, on fait le point de nos différents projets, de ce que l'on porte. Autour du commerce. Voilà. Et récemment est entrée aussi dans ces rencontres de l'attractivité la directrice déléguée de Lille, de la Caisse des dépôts. Donc l'objectif, c'est de travailler peu sur tous nos projets que l'on porte. Et on prend des décisions ou on avance, partage les projets. On avance. Ouais. Alors, on s'est associé en juin 2017, la ville s'est adjoint à un bureau d'études spécialisé pour nous accompagner. D'accord. C'est une étude qui est financée par la ville, la communauté d'agglo et la Caisse des dépôts. Ce bureau d'études spécialisé est accompagné d'experts en mobilité, en anthropologie de territoire et également en marketing territorial. Vous allez dire, qu'est-ce que c'est que l'anthropologie de territoire ?
on a constitué un groupe de travail avec ce cabinet, constitué d'élus, de techniciens, de personnes qualifiées, d'habitants, des membres de conseils de quartier, de commerçants. On est 30 personnes. Hein, on a travaillé, on a phosphoré. On l'a annoncé ça en septembre. On est arrivé en février. Et maintenant, en avril, on aura notre plan d'action. Mais à charge pour vous, ce groupe entrepôt, là, de dire quoi ? Alors, on est allé à la rencontre. Chacun a pu choisir des rencontres. Par exemple, moi, j'ai choisi d'aller à la rencontre des habitants, de ce que doit être la ville. Des habitants, des gens qui viennent travailler à Douai, des touristes qui viennent travailler à Douai sur ce qu'ils ressentent de la ville. Et pas pour porter un constat, mais plutôt de recevoir. Et chacun a choisi un thème, une thématique. Certains ont pu travailler sur les lieux. Qu'est-ce qui manque ? La signalétique, qu'est-ce qui manque ? La circulation, qu'est-ce qui ne va pas ? Les stationnements, qu'est-ce qui ne va pas ? Et donc, on a fait un travail collectif pour ça. Ensuite, on a dit, ça serait bien qu'on aille voir ailleurs quand même, parce que voir un peu ce qui se passe, et ce qui se passe de bien. Et je remercie Laurent Hénard et sa première adjointe Sylvie Pessieux de nous avoir accueillis à Nancy, puisque l'objectif, c'est de voir un peu qu'est-ce qui marche à Nancy et pourquoi ça ne marche pas à Douai. On a fait la même chose avec Mulhouse, et sa mère, Michel Lutz, et son adjointe au commerce, pour voir un peu... Et comment vous avez choisi ces villes ? Eh bien, parce que moi, j'avais déjà rencontré le manager de centre-ville de Mulhouse à l'occasion de... Douai est adhérent à Centre-ville en mouvement, l'association Centre-ville en mouvement, et j'avais eu l'occasion de rencontrer le manager de centre-ville de Mulhouse, mais également celui de Nancy. D'accord. Alors, ce sont deux villes importantes, certes, plus importantes que Douai, mais je pense qu'il faut toujours partir des expériences réussies et d'essayer de les approprier. Et donc, sur ce groupe de travail, là, on est en février. En avril, nous allons avancer sur des plans d'action, puisque le bureau d'études va continuer à nous accompagner sur un programme d'action pluriannuel. Voilà, ça, c'est ce qu'on a mis en place. Avec la communauté d'agglomération, on a aussi travaillé... Et ils nous ont mis en place un fonds d'investissement de 3 millions d'euros pour résorber nos friches commerciales de centre-ville ou pour accueillir de nouveaux commerces. Et à cette occasion, on a fait l'acquisition et on est en train de le réhabiliter à un immeuble historique pour accueillir prochainement un restaurant gastronomique et bistronomique qu'on n'a pas à Douai. D'accord. C'est un facteur d'attractivité important pour une ville d'avoir au moins un étoilé dans une ville. On continuera avec vous sur les outils ou sur les leviers qui vous semblent importants. Jean Girardon, d'abord, puisque je vous ai interrompu tout à l'heure. Nos deux présidents de séance sur un point relais. Et puis chacun, après, de vous se défendra bec et ongle sur ce qu'il a envie de dire à un élu. Qu'est-ce qui marche ? Quel est le levier qui lui semble le plus décisif ? Oui, moi, je voudrais donc faire quelques observations concernant la crise des centres-villes. On la voit effectivement aujourd'hui, mais elle a démarré dans les années 60. Et je dois dire qu'elle est la conséquence d'un système de gestion administrative très cloisonné. Qu'est-ce que c'est qu'un centre-ville ? C'est d'abord un lieu de pouvoir. C'est là qu'on a l'hôtel de ville, c'est là qu'on a éventuellement la préfecture, la sous-préfecture, je parle de ville moyenne. Hein. C'est bien sûr aussi un lieu d'échange, ça a été dit, d'échange commercial, mais aussi d'échange culturel, d'échange de savoir. C'est un lieu de loisirs. Et qu'est-ce qui s'est passé dans les années 60 ? Bien sûr, on a évoqué la révolution commerciale. Mais il y a eu une autre révolution dont nous avons été, nous, les élus locaux, les principaux acteurs. C'est ce que Paul Bernard appelle le grand tournant des communes de France. C'est-à-dire que dans les communes, on s'est doté d'équipements sportifs, culturels. Et bien sûr, on les a fait là où on avait l'espace. Et cet espace, malheureusement... Il n'était plus dans les centres-villes, qui avaient été formatés bien souvent quelques siècles plus tôt. Et donc on a, de manière mécanique, déplacé les flux, les gens qui allaient au stade, qui allaient au Zénith, qui allaient, etc. Et tout ceci a eu comme conséquence, bien évidemment, d'appauvrir les centres-villes, avec quelquefois, je prends l'exemple de campus universitaires qu'on met, mais on a quelquefois fait machine arrière, je pense à Amiens, où on a ramené une partie du campus, je connais ça puisque j'ai été enseignant à l'université d'Amiens, on a ramené une partie du campus sur la ville, en profitant aussi de moyens pour réhabiliter le bâti qui était ancien autour de la cathédrale, du quartier des Tanneurs, etc. Donc,
aujourd'hui, si on veut revenir sur cette tendance, il faut effectivement une approche complètement globale. Mais il y a eu, et une question d'aménagement du territoire, ça a été dit, je ne reviendrai pas là-dessus, mais il y a eu une politique dans le passé d'aménagement du territoire qui est très proche de celle qu'on évoque en ce moment. C'est la politique des villes moyennes qui a été lancée dans les années 70 et à partir donc de l'expérience qui avait été faite, je crois, à Rodez, avec Boscaré Montservin et aussi Marc Sancy, et qui était une politique où les élus locaux dialoguaient avec l'État et avec les financeurs pour, sur un programme de 3 ans, arriver à donner davantage d'attractivité à la ville moyenne. Parce que je pense aussi que cette politique de centre-ville doit d'abord être une politique de la ville. Hein. On ne va pas non plus commencer à saucissonner. Certes, le centre-ville doit retrouver sa fonction qui est d'être le cœur de la ville. Dans certaines grandes agglomérations, il y a même plusieurs centralités, mais dans la plupart des villes moyennes et petites, vous n'avez qu'une seule centralité. Et donc, il faut, par une approche globale, où non seulement les acteurs publics, les acteurs privés, les financiers, les financements, tout le monde se met autour de la table pour dire ce qu'on veut, parce que de toute manière, on ne mettra pas le zénith au centre-ville, ce n'est pas possible. Mais il faut trouver le moyen de redonner sa fonction de pouvoir, d'échange et de loisirs au centre-ville pour qu'il soit, si vous voulez, tout à fait apte à répondre aux besoins de nos populations. Nos 5 invités vont, dans quelques instants, se déshabiller et nous dire quel est le levier qui leur paraît important en termes de vitalisation d'un centre-ville. Ils vont là s'engager. Pierre Jarlier, juste avant qu'on les écoute. Jean Gérardon me permet de faire la liaison avec ce qu'on entendait sur la question de l'urbanisme et de la question de l'urbanisme commercial. Parce que tout est lié quand on parle de projet global. Les mutations qu'ont connues les villes, elles ont dépassé le cadre de la commune. Et c'est ce qui a d'ailleurs posé un certain nombre de problèmes, c'est que les villes-centres n'avaient plus du tout aucun moyen d'agir sur les villes périphériques, puisque ça se passait plus chez eux. Et le vrai sujet aujourd'hui, qui est un enjeu absolument majeur, c'est le projet territorial, c'est la démarche globale, c'est l'urbanisme intercommunal. Il faut commencer par ça. Alors je sais que c'est un sujet qui est compliqué, qui n'est pas toujours bien perçu. N'empêche que tant qu'on ne fera pas d'urbanisme intercommunal, on ne saura pas régler ces problèmes de complémentarité entre la ville-centre, son centre-ville et la périphérie. Pour postuler d'ailleurs à l'action cœur de ville, est indispensable d'avoir le binôme. Mais c'est évidemment indispensable et nécessaire. Et ça m'amène à évoquer la question de l'urbanisme commercial qui doit enfin être intégré dans l'urbanisme tout court. Parce que c'est aux élus de décider où ils veulent faire des zones commerciales, où ils veulent faire de l'habitat, où ils veulent faire du service. Comment se fait le lien entre la ville-centre, le centre-ville et la périphérie, par quel type d'outils on peut faire du lien, parce qu'il y a aussi des centres commerciaux qui font du lien, ça existe. Il y a des centres commerciaux de proximité. Et ça nous amène surtout à la question de qui décide. Mais s'il y a de l'urbanisme intercommunal, et si on règle l'urbanisme commercial dans l'urbanisme, les élus, ils sont acteurs. Ils sont plus dépendants du système. Ils deviennent acteurs. Et du coup, les fameux CDAC dont on parlait tout à l'heure, c'est vrai que l'efficacité, on pourrait en parler, elle mérite sans doute d'être vue, mais surtout, à ce moment-là, on pourra avoir un dispositif qui sera peut-être un peu plus éloigné du terrain, mais avec, à la clé, une décision de la communauté qui doit dire oui ou non sur un projet. Et ça, c'est absolument majeur. Et dernier point, vous avez parlé d'études d'impact. Mais si on veut des études d'impact qui soient réalistes, il ne faut surtout pas les faire par ceux qui construisent. Voilà, il faut commencer par ça. Donc c'est qui ? Parce qu'aujourd'hui, les études d'impact sont présentées par ceux qui déposent les dossiers CDAC. Il n'y a pas beaucoup d'études négatives. Donc les CCI alors, sont bien placés pour et ça. Et tout à l'heure, la personne qui est intervenue tout à l'heure avait vraiment, vraiment raison quand elle disait qu'il faut faire des études d'impact sérieuses. Il faut un véritable observatoire de l'activité commerciale. Et il faut que les collectivités puissent bénéficier de tout ça. Mais il faut que ce soit indépendant du porteur de projet. Sinon, les laissons piper, tout simplement. Madame Val, qu'est-ce qui vous paraît ? Je suis le premier adjoint à l'urbanisme commercial de la ville de... je vais aller dans mon département, donc on va continuer avec Romorantin. Si je vous rencontre, qu'est-ce que je peux attendre de vous pour tonifier un peu mon centre-ville ? Une chose, je demanderai la même chose aux autres. Oui, on a
a passé l'après-midi à se dire qu'il n'y avait pas de solution miracle et qu'il fallait faire de la dentelle et d'accord, qu'il fallait faire du sur-mesure. Ouais. Donc je ne vais pas donner une mesure qui marche partout. Ce que vous pouvez trouver à la Caisse des dépôts, c'est des experts partout sur le territoire. Tout ce que je peux vous conseiller, c'est d'aller vers les directeurs régionaux, d'aller vers les directions régionales. Ils sont là pour ça. Ils sont là pour travailler avec vous le projet. Je crois que vous l'avez dit, il faut insister sur cette dimension. Il faut absolument un projet. Insister sur la dimension de contractualisation, mettre l'ensemble des partenaires autour de la table pour sécuriser les engagements des partenaires, sécuriser les financements et sécuriser le plan d'action. Voilà. D'accord. Est-ce que toute ville sera bienvenue ou tout interco, tout territoire à discuter et à contracter avec l'appui de vos collègues? Oui, alors je reprécise ce que j'ai dit tout à l'heure. Les enveloppes spécifiques que l'on met à disposition des territoires pour les 5 ans à venir, elles s'adressent aux villes qui vont être retenues dans le cadre du plan cœur de ville, mais elles ne sont pas exclusives de toutes les autres modalités d'intervention de la Caisse des dépôts. Et donc même un centre-bourg et même une collectivité de taille inférieure peut venir voir sa direction régionale et travailler un plan de redynamisation pour sa ville, qu'il ait été retenu ou pas dans le cadre de l'AMI. Très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez envie d'ajouter? Parce qu'après, la parole ici, la parole là, ça va? Olivier Pavy, collègue de Romorantin, vous lui dites d'aller voir qui, de faire quoi? Quel est un petit peu la première, le premier pas que vous lui conseillez de faire? Alors, mon collègue de Romorantin, en plus, c'est un vieil élu. Donc, moi, je suis beaucoup plus jeune par rapport à lui. Donc, c'est peut-être lui qui pourra aussi m'apporter de l'expérience dans le sujet. En plus, c'est un très bon sujet parce que, vous voyez, on a conscience, nous, dans notre communauté de communes, même si on est une des plus importantes du département du Loir-et-Cher, qui est un appartement qui n'est pas excessivement peuplé, mais que notre territoire, notre bassin de vie tel qu'il est, dépend des autres bassins riverains. Et on a deux bassins qui nous environnent, Romorantin et Vierzon. Donc on ne peut pas aujourd'hui arriver à travailler sur un projet de territoire sans aller voir de ce qui se passe chez l'un et chez l'autre. C'est la raison pour laquelle on a commencé à travailler sur une étude justement d'élargissement de notre territoire avec Romorantin pour tenir compte justement de cela. Et ce n'est pas la peine d'aller ouvrir des structures commerciales ou de services dans des territoires qui ne pourront pas les porter, de toute façon, sur une durée économique. Donc, ça, c'est un élément. Voilà ce que très vous dites important à votre élu de Romorantin, c'est viens me voir. C'est viens me voir et travaillons ensemble sur le sujet. Je vous en prie, madame, également, votre conseil ciselé. La question des centres-villes n'exclut pas de travailler sur la périphérie. Il faut travailler en même temps sur la périphérie pour pouvoir avoir des solutions qui souvent ne sont pas dans le périmètre strict où est le problème. Et donc, dans le travail que nous avons réalisé au sein du réseau des agences d'urbanisme, le on plaide plutôt... Le document circule, hein. On ne le reverra pas, mais il doit être quelque part. Pour une philosophie d'action qui est basée sur trois choses, le projet, et le projet global, le contrat, parce qu'effectivement, comme l'a dit monsieur le député, l'appel à projet segmente et ne permet pas cette dimension de projet global auquel tout le monde peut contribuer. Et puis l'alliance, et notamment l'alliance entre les villes et leurs territoires périphériques. Et puis je vais peut-être focaliser sur quelques points qui ont été peu abordés, et puis revenir un peu sur le commerce. Sur la question des leviers, il y en a un qui n'a pas été évoqué aujourd'hui, ou peu, c'est celui de l'espace public. Parce que c'est l'espace public qui va faire le lien, c'est le lieu de la qualité urbaine, c'est le lieu des échanges, de l'appropriation des habitants, mais aussi de ceux qui passent, des touristes. Et c'est là où se crée l'attractivité. Et faire du logement et du commerce sans traiter de manière qualitative l'espace public, la qualité des rues, la redécouverte des cours d'eau, des lieux d'aménité, c'est sans doute voué à l'échec. Parce que c'est une manière de redonner envie, de rendre désirables ces centres-villes. Et puis, sur la question du commerce, c'est une question qu'on a essayé qui nous tient à cœur, qu'on a essayé de traiter un peu en profondeur. Vous le verrez si vous le lisez. Là aussi, on plaide pour la question, pour l'outil du contrat. Et en tant qu'élus locaux, vous avez les éléments en main, puisqu'il y a maintenant une politique locale du commerce qui peut être mise en œuvre.
Et cette politique locale du commerce, si elle est appuyée sur une stratégie portée par des élus avec des documents un peu robustes en termes d'urbanisme, mais qui puisse aussi mobiliser d'autres outils, des outils fonciers, pour permettre du remembrement de surfaces commerciales, pour permettre de mobiliser des outils fiscaux pour favoriser les commerces de centre-ville par rapport aux implantations périphériques, parce qu'il y a un déséquilibre du modèle économique, soit par des dégrèvements, soit par des taxations. Ces outils, ils existent. Et il faut pouvoir les mobiliser et que les outils d'appel, comme les CDAC, on plaide plutôt pour leur disparition, ne soient qu'un recours si il n'y a pas d'outils robustes portés par les collectivités sur la base du contrat. Daniel Cellier, ce collègue de Romorantin, qu'est-ce que vous lui dites ? Ben, je dirais plutôt que je suis d'accord tout à fait avec madame hein, sur tout ce qu'elle propose. Il faut travailler sur un projet global. Le commerce n'est pas suffisant. L'habitat, c'est important. Les cadres de vie, extrêmement importants. Nous, on travaille sur tout ça. Il faut travailler sur la circulation, si elle est compliquée. Sur les stationnements, c'est une vue globale de l'ensemble. Quoi. Et je pense que tous les partenaires doivent travailler. Nous, on travaille énormément avec la Terco et avec le SCOT. Je pense qu'on doit être ensemble. On a un bon sous-préfet, il nous entend et on travaille aussi avec lui. La Caisse des dépôts est maintenant un partenaire de travail. Donc je pense que c'est une vision globale. Quoi. Bon, un exemple, j'avais une librairie importante qui devait quitter le centre-ville de Douai pour aller à la périphérie. Et oui, parce qu'il voulait se développer. Il y avait un immeuble qui était d'une architecture remarquable. La ville s'est portée acquéreur. Elle a acheté. On va lui mettre à disposition. On va faire tous les travaux de mise aux normes de ce bâtiment, eux, ils vont faire leur propre aménagement et à terme, ils nous paieront un loyer sur ce mise à disposition. Je pense que, et sinon, elle partait à la périphérie. Donc, on a fait l'investissement. La communauté d'agglo nous accompagne également sur ce projet et ça permet de garder une librairie en cœur de ville. Est-ce que sur un tel projet, dans le conseil municipal ou des associations de commerçants ou autres, il y a eu un moment? On vous a dit non, ça c'est vraiment c'est illégal, c'est injuste. C'est... Non, on y est vous allé. Vous n'avez pas à vous en mêler. On a dit on veut absolument garder notre librairie. On a fait venir le PDG de la librairie qui est quand même importante puisqu'elle a 17 implantations sur le territoire et on voulait absolument la conserver en cœur de ville. Plutôt unanime comme démarche. Jean Girardon, la recommandation à cet édile de Romorantin. Bien, d'abord d'avoir effectivement une démarche pluridisciplinaire, c'était dit, et d'utiliser d'abord la volonté politique au travers de l'urbanisme réglementaire, mais également l'incitation financière, à la fois par le volet fiscal, et qui peut être positif et négatif, c'est-à-dire à la fois taxer, c'était dit, les locaux vides, pour de manière à libérer sur le marché, et donc éventuellement modifier le marché foncier, notamment en abaissant notamment les coûts, mais aussi des incitations financières avec des aides. Donc la volonté politique, l'urbanisme, la volonté, les moyens financiers, et puis surtout la concertation. Car le projet ne peut réussir que s'il a été largement débattu, discuté, et qu'élaboré en commun, il se mettra en œuvre en commun. Alors nous, on a eu le privilège de recevoir notre Premier ministre à Douai, hein, et donc, ainsi qui est accompagné par deux autres ministres, dont Jacques Mézard, qu'on a un peu séquestré à la fin, pour discuter justement du cœur de ville, de l'opération cœur de ville. Et on a rappelé au Premier ministre qu'il fallait absolument à Douai garder nos gares. C'était primordial. La ville de Douai, la gare de Douai, c'est la deuxième gare de montée des Hauts-de-France. Ensuite, il fallait garder nos tribunaux, parce que de les voir partir sur l'île en métropole lilloise, alors qu'on a un service public à rendre à la population, il fallait absolument garder nos tribunaux. Et ça, c'est important. Alors, avec Jacques Mézard, on a candidaté, bien entendu, dans le programme Cœur de Ville. On espère que notre dossier sera validé. Voilà. Alors, c'est peut-être le moment, justement. Alors, Olivier Pavie, on va vous donner la parole dans quelques instants, mais va avoir un rôle très difficile maintenant. Hein. Vous, Monsieur Hénarge, Monsieur Jarlier, vous en êtes conscient. C'est lui qui va présenter le dispositif gouvernemental Action Cœur de Ville. Or, on ne sait pas ce qu'il en pense. En revanche, il a dit OK pour ce petit travail de pédagogie. Vous allez bien dissocier, Olivier Pavie, le descriptif de cette opération. Est-ce que vous en pensez ?
Vous êtes d'accord ? On est d'accord. Bien. Alors, dites-nous comment va fonctionner cet appel à projet ? Donc, rôle de composition, donc pour ça. Comment ça fonctionne ? Alors, bon, je pense que tout le monde l'a dit et beaucoup de choses ont été dites et partagées dans le dispositif qui découle de l'article X, article 46 donc, du projet de loi, qui est devenu depuis le projet qui est actuellement, qui va être présenté jeudi matin au Conseil national d'évaluation des normes, qui est l'article 54. Alors, cet article 46, qui est le contrat de la création d'un contrat de revitalisation des centres-villes, donc, que l'on appelle maintenant ORT, comme tout le monde le sait, et succède à ce qu'on appelait l'ORCAD. L'ORCAD, qui était l'opération de requalification des quartiers anciens dégradés, et tout ça est abrogé. Alors, il s'agit bien de mettre en œuvre, c'est ce que nous dit l'article L303-2, donc, qui est à peaufiner et à écrire, donc, d'un projet global de territoire destiné à adapter et à moderniser le parc de logements, de commerce, ainsi que le tissu urbain, afin de lui donner plus d'attractivité, de lutter contre la vacance des logements et des commerces, ainsi que contre l'habitat indigne, valoriser le patrimoine bâti et répondre aux enjeux de développement durable comme d'innovation dans les secteurs du commerce et de l'artisanat. Et j'y rajouterai un volet mobilité qui est incorporé, bien entendu, l'ensemble de cette action. Donc cette opération fait l'objet d'une convention qui est entre l'État, bien entendu, et ses établissements publics et les collectivités. C'est une convention qui définit le projet économique, urbain et social de revitalisation du territoire et qui fait l'objet, et tout le monde l'a dit, donc, d'une concertation publique à l'initiative de l'EPCI. Alors, ce dispositif d'intervention donc, et de contractualisation définit également tout ce qui concerne l'immobilier et le foncier, en revalorisant les îlots d'habitat vacants ou dégradés. Et c'est ce qui va obliger aussi pour les collectivités à faire, pour beaucoup d'entre elles, je pense, ce qu'elles ont engagé pour beaucoup, l'inventaire de leur patrimoine. Parce qu'il y a aussi un volet, il n'y a pas que le privé qui est concerné. Il y a bien entendu le patrimoine public des collectivités, privé et public des collectivités, et surtout le patrimoine privé, bien entendu, parce qu'il y a des gisements derrière pour arriver justement à revitaliser aussi nos centres-bourgs ou nos centres-villes. Un plan de relogement et d'accompagnement social, c'est ce que Pierre Jarlier disait, c'est obligatoirement, ça passe par une mixité. La mobilisation donc, des dispositifs coercitifs de lutte contre l'habitat indigne, et là je rappelle l'ouvrage que l'on a fait avec la DILA, en collaboration avec la DILA, que Pierre Jarlier, au nom de la commission, donc, a piloté pour cela, sur justement la lutte contre l'habitat indigne. Mais c'est aussi une mise en œuvre d'un plan pour favoriser la transition énergétique. Donc il y a aussi un volet, bien entendu. Et ça, Pierre l'a dit tout à l'heure, ce sont les normes. On ne peut pas aujourd'hui avoir des normes équivalentes pour l'ensemble des habitats, qu'ils soient des années 60, 70, ou des habitats du 15e, du 18e ou du 19e, qui sont dans nos cœurs de ville. Parce que ça, on a une vraie adaptation nécessaire donc à ça. C'est un projet social de territoire avec une adaptation de l'offre de logement, mais des services publics également, mais également, et ça a été souligné plusieurs fois, avec également la santé, puisqu'on a une perte d'autonomie d'un certain nombre d'habitants. Et quand Vierzon disait qu'il faut mettre des voitures dans une rue en pente, eh bien, ça fait partie, justement, des éléments. Alors, c'est monsieur le ministre, je vais peut-être perturber un petit peu votre propos. Quelles sont les villes qui peuvent postuler à cette contractualisation de grande ampleur ? Alors, les collectivités éligibles, c'est une excellente question et je vous remercie de l'avoir posée. Donc, dès 2018, il y a un certain nombre de villes qui sont éligibles. C'est celles dont le projet global est abouti. Et normalement, c'est celles qui bénéficient d'une ingénierie, qui sont déjà inscrites et qui ont déjà pu, bien sûr, déposer leur dossier, puisqu'on avait une date qui était le 15 février, avec normalement donc, des villes qui étaient retenues pour... Une trentaine dans la première génération. 2019-2020, ce sont des villes avec un diagnostic et un projet partiel, c'est-à-dire une gouvernance ou une ingénierie à conforter dont la mise en œuvre n'a pas été possible donc avant 2019. Donc ça, il y a encore un certain nombre de villes qui peuvent bien sûr candidater. Et là, bien sûr, il y a l'ingénierie, mais aussi il y a le financement de l'ingénierie derrière que l'on se pose pour ça. Et puis pour 2020-2021, c'est les villes avec un projet partiel, mais sans caractère opérationnel, avec un portage politique et surtout une ingénierie également suffisante. Donc voilà les trois strates, ouais. Puisque c'est un projet sur 3 ans l'ensemble des collectivités, que ce soit de collectivités villes importantes ou bourgs importants, donc, peuvent candidater. Romorantin y va ou pas ? Romorantin y va. D'accord. Pierre Jarlier, Laurent Hénard, est-ce qu'on y va si on est élu dans cette salle ?
Est-ce que ce dispositif, vous leur recommandez de continuer d'y candidater ? Ah ben, recommander de candidater, oui, parce que c'est vraiment une procédure nouvelle qui est très intéressante, parce qu'elle est transversale, justement, et qu'elle rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, un territoire, un projet, un contrat. Et du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est une vraie démarche de fond. Après, il y aura de la place pour tout le monde, oui. Aussi ouais. Est-ce qu'il y aura de la place pour tout le monde ? Voilà, le vrai enjeu maintenant, il est là, c'est que l'État se donne les moyens de cette dynamique qu'il va impulser, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est au courant de tout ça, on voit que les besoins sont très importants, et donc il faut évidemment que les moyens suivent. Mais moi, je trouve que cette démarche cœur de ville est vraiment très intéressante. Olivier Pavie, est-ce que c'est le moment peut-être d'être un peu plus réservé sur le dispositif ? Alors, réservé, je ne sais pas, mais par contre, je ne sais pas si ceux qui ont lu l'avant-projet de loi et le projet de loi ont été attentifs. Il y a eu une évolution de l'article. Il est passé de 46 à 54, comme je le disais. Et puis, on a ajouté un alinéa dans cette fameuse article pour dire que c'est la possibilité pour le préfet de décider dans certaines conditions d'un moratoire sur l'implantation des surfaces commerciales dans les communes non signataires de l'ORT, mais appartenant à un EPCI signataire pour les projets de nature à compromettre gravement l'objectif de l'opération. Et on pourrait même donc ajouter pour les EPCI périphériques à l'EPCI qui a contractualisé. Donc je reprends le cas de mon schéma local, j'ai Vierzon qui contractualise, j'ai Romorantin qui contractualise, moi je dépose mon dossier, et je me retrouve avec un préfet qui me dit « Stop, vous ne pourrez pas ouvrir donc, cette unité commerciale ou votre projet ne pourra pas donc, aboutir. » Donc comment je fais ? Donc là, je pense que l'AMF va être très attentif. Je sais qu'en Conseil national d'évaluation des normes, ça va faire certainement l'objet d'un débat. Mais là, il y a un décret à venir et on aura certainement quelques travaux parlementaires à mener, comme le disait Laurent Hénard tout à l'heure. On a... Alors, merci à tous. On a... Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on aille jusqu'au bout, à savoir 17h30 ? C'était le contrat. Hein, on y va ? D'accord. Parce qu'évidemment, on peut trouver que ça devient un petit peu fatigant. Deux tables rondes, d'ailleurs, en une après-midi. Je vous avoue qu'une seule aurait été pour moi. Je propose, grâce à ces deux micros, que vous preniez... que vous nous fassiez part sur ces dispositifs de vos remarques. Monsieur, je vous en prie, vous ouvrez le bal. Madame et monsieur, bonjour. Thibault Le Carpentier, dirigeant un cabinet de prospective et travaillant sur la redynamisation du commerce depuis 25 ans. Il y a trois choses qui ne vont pas dans cette loi et dans ce projet. On n'a toujours pas touché au millefeuille des périmètres. C'est-à-dire qu'on parlait de la taxe sur les friches commerciales. Aujourd'hui, je comprends qu'un certain nombre de maires ne veuillent pas l'appliquer puisqu'elle s'applique à tout le territoire et pas un périmètre qui serait le centre-ville. Moi, je travaille sur une ville actuellement où on est obligé de travailler sur 18 périmètres différents. C'est infaisable. Donc il faudrait une simplification des périmètres. Deuxièmement, et pour en avoir discuté avec Olivier Pavie, le pendant du moratoire sur les mètres carrés de périphérie, c'est pas de CDAC en centre-ville en dessous de 2500 m². 2500 m² de surface CDA sable plus 1000 m² de non CDA sable plus 3 étages de lotement au-dessus, ça fait du 15 000 m². C'est-à-dire on commence à rentrer dans des choses qui sont où on fait rentrer le loup dans la bergerie, c'est-à-dire on va le faire à l'anglaise, on va faire rentrer les acteurs des centres commerciaux qui ne fonctionnent plus en périphérie, qui sont à moins de 30%, on va les faire rentrer en centre-ville pour nous faire des centres commerciaux de centre-ville, dont on sait, je prends les chiffres de Pascal Madrid, de l'Institut de la Ville, sur les 80 derniers ouverts, il n'y en a que 15 qui marchent à peu près. Donc aujourd'hui, vous êtes tous des élus, ce qui est en train d'être écrit là, c'est vous déposséder très clairement de toute marge de manœuvre et de la donner dans les mains du privé. Je pense que c'est ça qui est en train de se faire. Je ne voudrais pas faire en tant que prospectiviste un scénario noir, mais c'est très clairement ce qui est en train de se passer et ce qui est poussé très clairement par un certain nombre d'acteurs. Ça ne règle pas le problème qu'Olivier Pavie a sur Salbris. Je reprends ce que disait M. Girardon. Salbris, un petit peu moins de 6 000 habitants, trois pôles commerciaux en centre-ville. Ce n'est pas un pôle commercial, c'est trois. Et tout le travail de monsieur le maire, c'est comment je reconnecte les trois pour faire un appareil commercial qui soit cohérent et qu'un cheminement différent. Et puis je voudrais revenir et terminer sur ce qu'a dit notre ami et mon ami et collègue Philippe Moati. On parle du consommateur, on a parlé au début, puis au fur et à mesure des débats, on l'oublie. Je voudrais qu'on revienne dessus. Je voudrais que vous ne focalisiez pas sur les 65 milliards de commerce Internet
qui d'ailleurs ne rapporte pas d'argent à ceux qui ont monté ces entreprises. Donc il ne faut pas oublier qu'on est quand même dans une gigantesque bulle financière. Je voudrais que vous pensiez aux 155 milliards de consommation collaborative, vente directe, etc., etc., sur lesquels vous avez une action directe en tant qu'élu territorial. Votre point de sortie sur le centre-ville, il n'est pas dans le e-commerce. Le e-commerce, c'est empêcher que les gens viennent en centre-ville. C'est exactement l'inverse que vous voulez faire. Vous voulez créer du flux. Si vous voulez créer du flux, il faut que vous soyez l'acteur local fédérant l'économie de demain qui est collaborative, circulaire. Enfin, on peut mettre un certain nombre de choses. Puis je voudrais terminer sur un dernier point. Je vais simplement vous citer les chiffres et je vais vous laisser le réfléchir. Le commerce aux enseignes en France, c'est 10% des magasins. C'est 35% des surfaces, c'est 45% du chiffre d'affaires, c'est 68% des dépenses médias, c'est 97% des dépenses numériques. Il y a trop de chiffres, je suis perdu. Bah, ça veut dire dire simplement que la périphérie va chercher ses clients et que le centre-ville les attend. Tant que vous n'aiderez pas les commerçants, il y a un truc tout bête à faire dans la loi, ça ne coûte rien. Permettre au président et aux membres des bureaux d'une union commerciale de prendre leur budget de formation de commerçants pour se faire former à la direction d'un pôle commercial qu'on appelle le centre-ville. Ça ne coûte rien, on a les fonds pour le faire, et c'est ça qu'il faut professionnaliser. Quand vous avez des enseignes qui dépensent entre 3 et 7% de leur chiffre d'affaires en communication et des commerçants de centre-ville qui sont à 0,2%, il y a un problème. Vous pouvez faire tout l'urbanisme que vous voulez, vous ferez le plus bel appareil commercial du monde, il n'y aura pas de flux parce que vous n'avez pas fait venir les clients. J'ai une petite question. À quel moment je recrute un manager de centre-ville? Quand tout est lancé ou au tout départ? Alors, en tant que membre du club, mais le président est là, donc président, je parlerai éventuellement maire, à ta place, il faut que le maire ait écrit, enfin l'équipe ensemble, ait écrit un projet. Soit c'est un manager de ville et de territoire, et il est habilité à écrire un projet, mais il ne faut pas rêver. Une résultante. Sauf, ça pose un simple problème. Si vous prenez un manager de ville et de territoire chargé d'écrire un projet, vous ne pouvez pas le prendre sur un poste que vous renouvelez tous les ans. Oui, à 1200 euros par mois. Il faut lui laisser un peu de temps pour... voilà, donc à un moment donné, normalement, on fait le projet d'abord, on met le manager après, ça dépend du statut de manager. Merci, on continue notre collecte. Madame ici et monsieur, si vous permettez. Bonjour à tous. Donc, je suis Marlène Bourgeois-Miraculeux, maire de la commune de Capesterre-de-Marie-Galante, d'environ 3340 habitants. Je tiens à vous rassurer, je suis bien éveillée malgré le décalage horaire et j'ai tout entendu, j'ai tout retenu. Alors, ma question est la suivante. Faut-il impérativement dépendre de la communauté de communes dont on est membre pour être bénéficiaire du dispositif? Parce que moi, j'ai le sentiment, je pense que je ne suis pas la seule, on a souvent le sentiment que certains parmi ceux qui président les communautés d'agglo, les communautés de communes, pratiquent comme politique ces deux adages, charité bien ordonnée, commence par soi, ou alors on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Parce que je n'ai jamais entendu un président ou une présidente de communauté de communes dire que telle mesure ne lui a pas été profitable. Alors, je repose ma question, faut-il impérativement passer par la communauté de communes pour profiter de ces avantages? Je pense qu'on peut répondre très vite. Alors, oui, on va répondre très vite. Monsieur le ministre. Même si l'adage aux Antilles est le même qu'en métropole, donc pour beaucoup. Donc, c'est vrai, oui. C'est un des critères du projet de loi, c'est que ce dispositif doit être porté par le PCI. Voilà. En dépit de tout. Monsieur. Oui, bonjour à tous. Christian Hurvois, je suis maire d'une commune touristique dans la banlieue briochine, donc qui va faire partie de cœur de ville. Je crois qu'on va travailler dessus, ça m'intéresse. En plus, je suis vice-président en charge du SCOT, en charge du PLUI dans la nouvelle agglo, et je participe au CDAC assez régulièrement. Alors j'ai plutôt trois remarques. Je n'ai jamais entendu parler cet après-midi du problème de la consommation foncière, qui me semble être un élément important, parce que c'est un élément d'urbanisme qui doit pouvoir permettre de limiter les extensions, donc les demandes de création de nouvelles surfaces. Alors, encore faut-il qu'on évite la concurrence entre les différentes communes, mais au moins avec le PLU, on devrait pouvoir y arriver un peu mieux, même si le SCOT a déjà limité les choses. J'ai une deuxième remarque. J'ai un peu l'impression que depuis quelques années, là, 4-5 ans au CDAC, j'y siège depuis presque 10 ans,
les investisseurs dans le domaine du commerce ont largement anticipé les contraintes que nous pourrions mettre maintenant sur nos documents d'urbanisme et que le mal est fait dans beaucoup d'endroits sur le nombre de mètres carrés créés. J'ai l'impression qu'on a largement dépassé les besoins depuis 10 ans. Alors maintenant, on peut mettre des contraintes, mais je ne vois pas sur quoi on va limiter les choses. Et une troisième remarque, mais là, il faudrait la poser à des gens qui ne sont pas présents aujourd'hui dans la salle, ce sont les investisseurs. Alors autant je peux comprendre que les groupes Auchan, Carrefour et d'autres qui sont des investisseurs, on sait pourquoi ils investissent là-dedans. Mais quand il s'agit d'investisseurs du style Leclerc, U et d'autres, qui ne sont pas du tout sur le même type d'investissement, où ce sont plutôt des porteurs locaux souvent, pourquoi continuent-ils à investir avec ce que j'ai entendu sur le risque qu'ils vont avoir dans quelques années de ne plus faire de commerce dans leur future moyenne surface? Moi, ce que j'appelle une moyenne surface, c'est 3 000, 4 000, 5 000 m². On n'est pas sur les 25 ou 30 000 dont on a parlé tout à l'heure dans le Nord. Voilà, c'est plus des remarques. Merci. Je vous ai vu, madame, peut-être sur ce dernier point. Oui. Oui, sur ce dernier point, je pense que ce qu'on disait avec Pierre Jarlier et ce que disait Pierre tout à l'heure, c'est le PLUI qui va bien sûr être l'outil essentiel. Donc le projet qui est amené sur la gestion du foncier, c'est sûr, il y a le SCOT, ça c'est évident, qui va fixer les périmètres. Le PLUI va fixer lui des zonages beaucoup plus précis. Mais il y a un autre élément aujourd'hui dont on doit tenir compte, c'est le SRADET. Et c'est peut-être là nécessaire, je me tourne vers le député, donc, puisqu'on a la chance, voilà, c'est que de faire évoluer le SRADET, le contenu du SRADET, pour intégrer dans le SRADET justement ce volet commerce. Parce qu'on parle d'économie dans le SRADET, mais on ne parle pas de commerce. Mais le commerce et le petit commerce de centre-ville est un élément également. Donc ça, c'est un élément important. Sur la motivation de l'investisseur privé Mais l'investisseur privé, lui, il va s'implanter là, bien entendu, où il a un gain à trouver ou une opération. Mais de toute façon, pour beaucoup, et vous le disiez très bien, les surfaces ont déjà été remplies. Quand la grande distribution n'arrivait plus à avoir d'autorisation pour mettre des centres commerciaux ou les étendre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce qu'il y avait un vide juridique à ce moment-là qui a été comblé par la loi Allure, c'est de mettre en fin de compte des drives. Et les drives, après, il y a eu une régularisation a posteriori, justement, de ces constructions-là. Mais il va bien falloir gérer à un moment ou un autre ces drives. Alors, est-ce que, justement, la plateformisation, comme disait M. Mati tout à l'heure, d'un certain nombre de choses vont permettre de le rentabiliser? C'est aussi une question que l'on doit se poser. Et à notre droite, alors est-ce que ce juste sera la dernière... Oui, bien sûr. Juste une seconde. Est-ce que madame a la dernière intervention? Ce sera vous, madame, ici? Oui. Et au centre Bonjour. Également. Voilà, une, deux et trois. Bonjour. Attends, non, pas maintenant. C'est juste, à vous, madame. Pardonnez-moi de reprendre la parole, non, mais c'est bien la bien. Table ronde m'interpelle à deux niveaux. Le premier, c'est que dans le titre, il est mentionné quel outil pour un projet global de revitalisation. On est encore... régulièrement revenu que principalement sur le sujet du commerce, qui me semble être... De revitalisation du commerce de centre-bourg et de centre-ville. Du commerce de centre-bourg et de centre-ville. Mais néanmoins, il y a une observation que madame a faite de la Fédération nationale des agences d'urbanisme, qui était d'élargir notre champ opératoire, c'est-à-dire de prendre le projet à la fois dans sa globalité, mais dans le traitement des espaces publics. Il est à noter que tout particulièrement sur la question du commerce, on a très très peu évoqué la question de la difficulté des stationnements. Et nous, en tant qu'élus sur le plan de mobilité en centre-ville, c'était extrêmement complexe. C'est-à-dire que vous avez ceux qui veulent un espace apaisé, donc pas de voiture, ceux qui veulent les mobilités douces, donc ça c'est logique, mais quand on est en mobilité douce, qu'on est mère de famille et deux enfants, on prend sa voiture pour emmener les enfants, puisqu'il y a tous ces volets sociologiques. Mais ça contribue également à la question du commerce, c'est-à-dire que comment on se rend acheter en centre-ville quand on a envie d'acheter en circuit court et quand on a envie de prendre son vélo, et que la question des transports n'est traitée qu'à l'aune du centre-ville et du centre-bourg, mais pas dans sa transversalité, ni même dans le pendulaire. Que dire, secondement, et nous avons un président Charente-Maritime qui se bat pour ça sur le ferroviaire, que dire de la réforme des transports en commun? Parce que la question des transports périurbains et urbains, c'est aussi la facilité de faire venir des gens de l'urbain dans le centre-ville. Et monsieur avait raison de dire que les commerces en extérieur de ville, eux, ils n'attendent pas. Ils attractivent le commerce de centre-ville. Mais en centre-ville, on l'attend. Et puis, que dire aussi de la place des départements et des régions? Parce que sur le commerce, vous l'avez évoqué tout pareillement,
le collaboratif, le coopératif, la gestion des circuits courts qui sont portés par les politiques régionales et les politiques départementales pour peu qu'elles se positionnent, et l'accompagnement également du commerce par les départements dans le cadre de la revitalisation et de l'accompagnement financier. Voilà, mais ces deux structures collectivités n'ont pas été évoquées. Je trouve que c'est dommage. Merci. Elles l'ont été maintenant. Et merci pour cette remarque, effectivement. Madame, s'il vous plaît, et monsieur, et après on ira sur un dernier camailleux de remarques. Allons-y. Bonjour. Bonjour. Je me présente. Je suis Sylvie Bléry-Touché. Je suis adjointe au maire de la ville de Sceaux, en charge de la vie économique, du commerce, de l'artisanat et du tourisme. Je voulais juste dire à monsieur Pavy, monsieur le ministre, je ne peux plus entendre petit commerce. Est-ce que vous connaissez une petite banque, cher monsieur ? On ne parle pas de petite banque, on parle de commerçants de proximité. Il est hors de question d'entendre ça aujourd'hui. Le petit commerce, c'est ça ? On n'en parle plus. Enfin, c'est une proposition, d'accord. Enfin, je veux dire, ça fait un moment qu'on se bat tous là-dessus, vous n'êtes pas d'accord ? On vote. Non, non, mais franchement, demandez à Gérard Atlan, l'ancien président du Conseil de commerce de France. Il se battait là-dessus. Très bien. Donc remarque de sémantique, ça roule. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a un compte-rendu, d'ailleurs, qui est organisé. Il faudra peut-être que, Sylvain, vous me disiez si on peut attendre des actes ou quelque chose. Vous me direz. Monsieur. Oui, merci. Ali Banyaya, premier adjoint, ville de Beuvrage. Beuvrage, ça ne vous dit rien, c'est une ville appartenant à la communauté d'agglomération de Valenciennes. Nous avons bénéficié, d'un grand projet en rue qui a renouvelé pratiquement les deux tiers de la ville pour un budget d'à peu près 110 millions d'euros. Et aujourd'hui, je peux dire que tout ce que j'ai entendu m'a plu, mais je reste sur ma faim. Vous êtes là nombreux qui ont été partenaires et qui êtes encore partenaires de cette ville. Et en termes de restructuration du centre-ville, de déplacement des commerces, avec la Caisse des dépôts et consignations et Pareca, nous y avons travaillé et on pensait que ça allait réussir. Alors on fait le bilan. Alors j'ai en charge la politique de la ville et le développement économique. Et je me suis très vivement inquiété. Je me suis dit, tiens, mon partenaire, pourquoi ça ne marche pas ? Il y a un peu plus de 4 ans, on a décidé, dans le cadre du schéma, de développer des espaces commerciaux. Donc on a fait des cellules. Et puis, bien on est, c'est qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que ces cellules sont à 50% occupées. Et je suis en train de perdre mes commerçants. Quel est le sujet ? Alors, lorsque je me rapproche du référent commercial, et je me rapproche du commerçant. Alors déjà, celui qui s'installe et cellules n'ont pas du tout le même coût au mètre carré locatif. Ça pose déjà un vrai problème. Ce qui veut dire que j'ai un commerçant, genre point chaud, il est à hauteur de 1100 euros pour pouvoir... faire son activité. Puis surtout, il ne faut pas dire à son voisin qui est de l'autre côté qu'il va payer 400 euros. Alors vous imaginez, donc on est aujourd'hui sur une fragilité de commerce en centre-ville, on est en quartier petit de la ville, on essaie de tout faire pour maintenir, et je me retrouve avec des commerçants qui me disent « Monsieur, mon loyer est très cher ». Et lorsque je rencontre le commercial, il me dit « Le loyer est fonction de l'activité ». Si le monsieur fait de la banque, eh ben, ça sera plus cher. S'il fait des pizzas, ça sera un autre prix. S'il fait du point chaud, c'est encore autre chose. S'il fait café, PMU, loto, c'est autre chose. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai plus d'auto-école, j'ai plus de PMU loto, j'avais un marchand de vêtements qui est parti, j'ai mon point chaud qui s'apprête à fermer, et j'ai le coiffeur qui doit renouveler son bail et qui me pose la question, est-ce qu'on y retourne ? Alors tout à l'heure, j'ai la chance de partager ici ma place avec une amie qui est maire. Je lui ai présenté un document qu'on a mis en place et on a fait avec, dans le cadre de l'accompagnement boutique à l'essai et Pareca, on fait une enquête, tant auprès des commerçants qu'auprès des usagers. Et là, aujourd'hui, sincèrement, on se pose énormément de questions. C'est est-ce que l'appel à projet remporté par boutique à l'essai va marcher sur la ville ? Car le véritable problème, c'est un, on a parlé du commerce, mais on n'a pas parlé du petit commerçant qui veut s'installer. Et la vraie problématique aujourd'hui, c'est est-ce qu'ils sont prêts à investir aujourd'hui, conjoncturellement et compte tenu des charges qu'ils ont ? Merci. Merci. ACP. Alors, on va aller s'orienter vers nos deux présidents de séance et peut-être certaines de vos remarques vont être prises par nos experts ou nos élus ou pas. On va leur laisser cette liberté et on me signale que dès demain, sur le site de l'AMF, vous aurez en replay l'ensemble de vos interventions et des interventions de ces orateurs de l'après-midi. Voilà.
Dès demain, sur le site de l'AMF, vous serez guidé, il y aura un lien et nous nous retrouverons. Madame Val, de ce que vous avez entendu, est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel vous avez envie de prospérer cette fois? Non, j'ai regretté de ne pas avoir commencé mon intervention par humilité. Ouais. Parce que humilité, c'est quand même la posture qu'on a tous hein, face à cette problématique-là. Et nous-mêmes, on ne peut pas dire qu'on soit des experts, on essaye d'assembler un ensemble d'expertises dont on dispose, puisqu'on a bien vu qu'il s'agit aujourd'hui de traiter 10-15 expertises différentes au sujet d'un même objectif. Voilà, donc j'ai bien pris note de votre déception et je vais en parler au DR en sortant pour voir tous ces sujets-là. Mais c'est difficile pour moi au niveau national d'avoir un regard sur la spécificité de votre cas, voilà, sans être décalé. Très bien, c'est merveilleux. Daniel Cellier ? Non ? Un mot pour la route ? Oui, avec le micro. Bah écoutez, je crois que ça a été vivifiant. Hein ? On a appris plein de choses. Peut-être, je ne sais pas si on va repartir avec toutes les réponses. En tout cas, moi, je vous conseille à chacun et à chacune de rentrer dans le dispositif Cœur de Ville. D'accord. Hein ? Vous allez voir votre maire tout à l'heure ou demain, vous lui dites... Mais non, on y est déjà, on est déjà non, enclenché. Non, pas sur ce sujet. Oui. T'es allé cet après-midi à l'AMF, qu'est-ce que t'as retenu? C'était très intéressant, très 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 intéressant. D'accord, d'accord, l'animateur non. Super, d'accord, mais quoi d'autre? Non, mais je pense qu'il faut être... Dans un projet comme ça de revitalisation de Cœur de Ville, je pense qu'il faut penser, et on l'a dit à plusieurs reprises, avoir un projet global. Il n'y a pas que le commerce, hein. C'est l'habitat. C'est les espaces publics, d'accord. C'est le stationnement, c'est la mobilité, c'est tout un ensemble qu'il faut traiter. Brigitte Bariol-Mathès, sur ce qu'on a entendu... J'aurais deux remarques. Il faut connaître pour agir. Et souvent, on travaille à l'aveugle et il faut, pour conduire ces projets cœur de ville, une connaissance fine locale des coûts, du commerce et... On est aveugle aussi au niveau national. Par exemple, on ne sait pas mesurer les créations d'emplois, les destructions en termes de création commerciale. Dans les grandes surfaces, notamment. Donc, il y a un enjeu de connaissance. Et puis, l'autre enjeu, c'est que la loi Elan, elle a aussi, dans son nom, aménagement numérique. Et il y a un énorme enjeu, certains l'ont pointé, d'appropriation des outils numériques. Et il faut savoir que ce sont les agglo-moyennes qui ont les populations ou les entreprises qui sont le plus en décrochage territorial sur le numérique. Donc il y a un enjeu à héberger aussi des espaces numériques qui sont aussi des lieux d'emploi, d'invention de nouvelles formes d'emploi et qui sont dans les centres. Un certain nombre d'agglomérations les créent et c'est un volet qu'il ne faut pas oublier. Jean Girardon, sur ce qui a été... ce qui a émané de notre auditoire. Mais écoutez, moi je pense que la question qui nous occupe est une question qui doit être traitée concertation, globalité, car il ne faut pas reproduire les raisons pour lesquelles le problème se pose aujourd'hui, le cloisonnement dans la décision. Et je crois que le contrat doit être général et doit permettre... à l'État et à tous les partenaires publics et privés d'aboutir à des résultats qui doivent être décidés localement. L'appel à projet, ça a été dit, ce n'est pas la bonne méthode. Qu'on mette quelques lignes générales, mais qu'on laisse au local le soin de décliner, compte tenu de ses particularités historiques, géographiques ou autres, la question du centre-ville à Lens ne se pose pas du tout de la même manière que dans une ville qui est plate. Autrement dit, il faut aussi... prendre en compte les données purement locales qui doivent s'additionner, bien sûr, parce que l'État ne peut pas avoir 50 000 règles, il y en a quelques-unes, mais il faut avoir la souplesse de la concertation pour aboutir à des résultats qui soient en quelque sorte sur mesure à l'arrivée. Merci à vous, monsieur le maire. Monsieur le maire. Oui, alors, question, est-ce qu'on est candidat? Oui, pour 2019. Nous avons donc déposé notre dossier, parce que ça, c'est un enjeu important. On va voir ensuite si on est retenu, puisqu'on ne remplit pas tous les critères, notamment ceux de population. Mais comme on le disait, c'est un projet de territoire. Il faut le définir sur l'ensemble du territoire. Il faut aussi que l'ensemble des élus donc, avec conscience justement de ce qu'est leur territoire, leur périmètre, et quel est le juste équilibre entre les services publics, donc le commerce, l'artisanat, l'industrie
et tout ce qui est à revitaliser sur l'ensemble donc géographique pertinent. Donc ça, c'est je vais à Salbris. Si je vais à Salbris pour apprendre des choses sur la façon dont la mairie travaille sur cette question du centre-ville et de son activité commerciale, si je viens en learning expédition, comme on dit, vous m'accueillez, vous me faites visiter vos agents, vos lieux. Il n'y a aucun problème, ouais, je vous accueille quand vous le souhaitez. Okay. Et ça, vous posez une question aussi qui a déjà été posée, c'est l'ingénierie. C'est-à-dire qu'il y a des tailles de collectivités aujourd'hui. Comment est-ce qu'on implique les services et comment on peut arriver justement à avoir la bonne expertise au bon niveau pour ça ? Quel financement on a pour arriver à accompagner cette ingénierie ? Parce que c'est un dossier quand même très complexe. Et moi, c'est pas compliqué, hein. Nous sommes trois élus à l'avoir fait avec la directrice des services, qui est en plus la directrice des services ville et communauté de communes, pour arriver justement à monter ce dossier. Parce qu'on n'a pas les moyens financiers, nous, de mettre un cabinet donc sur ce dossier-là, ce n'est pas possible. Et on s'est servi d'ensemble de dossiers d'autres qui ont été faits notamment par donc, tout l'observatoire économique du département, parce qu'on a la chance d'avoir cela. Et ça, je rejoins ce qui a été dit. Ça, c'est des outils absolument nécessaires aux collectivités, les observatoires économiques locaux, et c'est eux qui, pour une grande partie, ont aussi l'ensemble des données pour arriver justement à matérialiser notamment les études d'impact et les points économiques qui servent de travaux a posteriori. J'ai un centre-bourg de 3000 habitants. Est-ce que je vais plutôt, Olivier Pavy, vers une commune de 700 habitants pour comprendre comment ils ont remaillé, comment ils ont développé une boulangerie, un coiffeur, etc. Ou vous me dites d'aller plutôt vers une ville de 10 000 habitants ? Ça dépend de la localisation de la ville. Il n'y a pas de réponse oui-non. Pour apprendre. Pour comprendre. Mais voilà, il faut se positionner par rapport à l'environnement de cette ville. Quelle est, en fin de compte, sa zone de chalandise ? Vous avez des secteurs dans lesquels, malheureusement, vous pourrez toujours essayer de trouver un repreneur pour des commerces. On n'y arrivera pas. Il y a un modèle économique pour chaque chose, il y a un nombre de clients, après il y a une politique de fidélisation de la clientèle pour justement arriver à améliorer et à accélérer sur les choses. Donc ça peut être une commune de 5000 habitants, ça peut être une commune de 10000 habitants ou de 20000 habitants, tout dépend bien sûr de la situation et on sait très bien que nos territoires sont très divers et c'est la raison pour laquelle il faut qu'on arrive justement à territorialiser l'ensemble des politiques, parce que sinon, on n'arrivera pas à avoir une efficacité à la fois sur le développement, le maintien de nos populations et l'avenir économique d'un certain nombre de territoires. Il est 17h26, messieurs. Je vous propose... Non, je vous donne mon micro, comme ça, vous ne me réentendrez plus. Pierre Jarlier. Oui, c'était quand même vraiment tout à fait intéressant. Je vais juste compléter ce qui vient d'être dit en disant que ces opérations Action Cœur de Ville, elles ne sont pas limitées aux villes moyennes. Voilà. Parce que souvent, on l'a cru. Et il y a eu une association qui s'appelle les Petites Villes de France qui a quand même milité pour que les petites villes puissent être aussi, évidemment, associées à ce dispositif. Il suffit simplement que ces villes aient des charges de centralité, qu'elles remplissent des charges de centralité, une fonction de centralité. Donc voilà, c'est important. Alors après, elles ne sont pas prioritaires. Il y a un programme ville moyenne, on sait pourquoi. Difficulté particulière de ces villes, il ne s'agit pas de remettre ça en question. Mais les petites villes qui ont de vraies difficultés, peuvent évidemment candidater. Après, moi, il appartiendra à ceux qui en décident de voir. Mais voilà. Donc moi, ce que je retire de cette discussion très rapidement, c'est que finalement, la présentation qui a été faite tout à l'heure par M. Moiti a montré qu'on était dans une période de mutation très profonde. Et cette mutation très profonde, elle est en train d'avoir un impact direct sur la ville et sur le centre-ville. Et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui. C'est qu'on est en train de vivre une évolution très forte de notre société qui a de nouvelles attentes. Et le centre-ville, qui était quand même historiquement le lieu où on vivait, où on échangeait, où on commerçait, où on habitait, doit retrouver ses fonctions initiales de l'échange, du lien social, de l'humanité de la ville et du bien-vivre dans le territoire. Et ça, c'est un enjeu qui est absolument considérable. Et on voit que pour réussir à lui redonner sa nouvelle fonction, cette fonction justement du bien vivre ensemble, eh bien ça passe par des domaines qui sont extrêmement divers. On l'a vu, on les a pas tous évoqués, hein. Mais en tout cas, on en a quand même, j'en ai listé certains. Je crois que chacun a pu
dire bah, ici c'est le commerce, là c'est l'urbanisme, là c'est l'habitat, là c'est l'espace public, là c'est le patrimoine. Là, c'est... Et c'est ça la vraie difficulté de l'exercice. Et ce que je trouve intéressant dans le programme qui nous est proposé, c'est pour ça qu'on a besoin d'une loi, c'est que justement cette spécificité du centre-ville soit reconnue et que ces ORT puissent déboucher sur de vraies politiques urbaines nouvelles, avec de nouveaux moyens. Et je donnais deux exemples qui ont été évoqués par les deux personnes auxquelles vous avez demandé, monsieur, tout à l'heure, quelles sont vos attentes. Il y a le maire de Dax ou le maire de Vierzon, je ne sais plus lequel, en tout cas les deux, ont évoqué deux sujets majeurs. Ils ont évoqué le foncier et la fiscalité. Et on aura besoin, au-delà du programme Cœur de Ville, qu'il y ait des vraies mesures qui soient prises en matière fiscale d'incitation à l'installation en centre-ville, avec des zones franches qu'il faudra mettre en place sur des secteurs qui sont en grande difficulté, avec la révision des valeurs locatives professionnelles qui est injuste au regard du commerce de proximité, j'ai bien dit proximité, par rapport au commerce périphérique. Et tout ça doit être revu par rapport au dispositif actuel qui existe pour la rénovation de l'habitat avec les dispositifs Malraux qui sont inaccessibles aux particuliers aujourd'hui. Citez-moi ici dans cette salle quelqu'un qui a connu un particulier ou un petit investisseur local réaliser une opération Malraux dans sa ville. Je suis sûr qu'il n'y en a pas. Parce que c'est tout ça. Ben, ou très peu. Parce que c'est inaccessible. Et que c'est réservé à des sociétés spécialisées. Et du coup, ça a un impact certain sur le coût du logement. Donc il faut revoir tout ça. Et en matière foncière, donc fiscalité, vrai sujet qui doit être traité, évidemment. L'État est moins pressé de le faire, on peut comprendre. Mais on a besoin d'accompagnement. Et foncier, parce qu'aujourd'hui, ça a été dit par plusieurs intervenants, la maîtrise foncière, c'est le nerf de la guerre sur la requalification urbaine du centre-ville. Et aujourd'hui, cette maîtrise foncière est extrêmement complexe. Il y a des outils. Tout à l'heure, Laurent Hénard me disait, nous, on a une SEM. Bon, nous, on adhère à un établissement public foncier. Il y a d'autres outils. Mais il y a un problème. Et tout à l'heure, quelqu'un disait, il faut aller vite. Alors là, pour le coup, pour aller vite, pour faire la maîtrise foncière, c'est quand même un exercice qui devient compliqué. Donc on a besoin de mesures sur la maîtrise du foncier, parce que c'est comme ça qu'on arrivera à qualifier nos centres anciens. Donc voilà, fiscalité, maîtrise du foncier, démarche globale. Je trouve qu'on ouvre de belles perspectives et qu'il ne faut pas sortir de cette réunion en disant « oui, mais on n'a pas de réponse à nos sollicitations ». Au contraire, moi, je trouve qu'il y a un vrai chantier qui s'ouvre et qui est nouveau. Et donc il faut qu'on aille tous dans ce sens-là. Et on essaiera de porter avec l'AMF justement l'ensemble de vos revendications parce qu'on a entendu des choses très intéressantes. Voilà, je m'arrête là. L'AMF me signale qu'il y aura également un compte rendu dans Maire de France, la publication à Horizon, sans doute. Au travail, début à l'heure, le 12 avril, je ne Laurent Hénard. Oui, trois remarques rapidement. La première, c'est qu'effectivement, il va falloir vérifier que les moyens financiers suivent dans la durée le nombre important de dispositifs envisagés. Et c'est le rôle de l'AMF avec les parlementaires que de regarder comment, budget après budget, les choses se concrétisent et les paroles sont tenues. Deux, ce qui me paraît important aussi, c'est ce qui a été évoqué sur le besoin de législation nouvelle, au moins pour, enfin tout simplement pour aller plus vite, quoi, voilà, au moins sur les sujets d'urbanisme opérationnel et de maîtrise du foncier. Et puis a été évoquée une éventuelle réforme de la fiscalité locale. On pourrait imaginer que l'autonomie fiscale et financière des collectivités, ça puisse être par exemple le zonage de certains impôts pour tenir compte de particularités de centre-ville qu'on vient d'évoquer. Donc là aussi, il y a des débats législatifs à venir dans lesquels, je pense, l'AMF peut avec vous faire des propositions et nourrir le travail des députés et des sénateurs. Et puis la troisième et dernière remarque, c'est que on a mis en place, c'est vrai, des outils sur Nancy qui peuvent paraître lourds, hein, une SEM avec un capital de 4 à 5 millions d'euros qu'on est en train de constituer, qui pour nous d'ailleurs est le pendant, avec des dispositifs beaucoup plus légers comme le commerce à l'essai, de la mise en place de la fiscalité sur les locaux vacants au taux maximal. Parce qu'en fait, il faut la carotte et le bâton toujours, quoi. C'est-à-dire, si vous sanctionnez, le type qui dit « mais moi, dans ce contexte-là, je voudrais me débarrasser de mon local », il faut qu'on puisse lui dire « ben, on te propose ça ou ça ».
Donc des dispositifs de commerce à l'essai. Alors, chez nous, on les a limités à 12 mois. C'est vrai qu'il y a des villes qui vont jusque 24 mois. Ça, je dirais qu'à la rigueur, chacun trouve aussi sa vitesse dans la capacité qu'il a à faire le suivi. Et ça, c'est le mode léger. Dire, bah, écoute, si tu veux pas qu'il soit vacant, mets-le à l'essai, il sera plus vacant. Voilà. Et puis, il y a le mode plus lourd qui est de dire, pas de souci, on veut discuter du prix auquel on te l'achète. On a une SEM pour faire le portage. Et l'idée que la Caisse des dépôts, d'ailleurs, a acceptée, parce que c'est vrai que généralement, ces SEM sont des SEM de transit, je dirais. Hein. On acquiert le bien, on l'aménage, et puis on le revend. Et moi, ce qu'on a voulu faire, c'est une SEM patrimoniale. C'est-à-dire une SEM où la collectivité conserve une forme de propriété publique, en fait, de l'immobilier de son centre-ville, avec, dans le capital de la SEM, d'ailleurs, les bailleurs sociaux, en tout cas les trois bailleurs sociaux avec lesquels on a des politiques très intégrées dans le cadre de nos PLH sur la mixité, sur la politique de peuplement, des bailleurs sociaux qui comprennent qu'à certains endroits, il faut vendre, parce que la mixité, ce n'est pas seulement le logement social, c'est parfois de ne pas en avoir trop. Enfin, voilà, donc on a trois bailleurs sociaux qui sont au capital de la SEM. Et donc on fait des bâtiments assez simples, en fait, hein, qui sont des copros en deux lots. Il y a un lot commercial que la SEM conserve, puis il y a un lot d'habitation qui est vendu ou donné en gestion de mandat au bailleur social selon sa façon d'envisager les choses. Et c'est vrai que c'est la contrepartie, finalement, d'une fiscalité qui se veut pénalisante sur le vacant, qui est souvent un vacant, avec tout ce qui a été dit par ma collègue de Dax, hein, un vacant spéculatif pour certains, un vacant de déshérence, on n'a pas trop envie de s'en occuper, on verra ça demain, la personne est morte, on est 4 ou 5 héritiers, on a autre chose à faire, voilà. Bon. Et toutes ces situations-là, il faut les décoincer, il faut les mettre en mouvement, et c'est vrai qu'à un moment donné, quand même, quoi qu'on en dise, le fait de dresser une facture, ça met toujours en mouvement. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on a ces outils-là, mais que l'essentiel pour nous, ça a été de créer une association qui existe en fait dans les zones industrielles. Dans les zones industrielles, c'est très très dense, et on s'est dit que pour faire le travail qu'attendaient les entreprises installées, pour rester, pour se développer, puis pour donner un message positif à celles qu'on démarche, il fallait qu'on connaisse bien leurs besoins et qu'on mette en œuvre les réponses avec elles. Et donc on a créé une structure qu'on appelle ATP, Association Territoire Projet. Donc c'est une association pour la zone d'activité qui en fait met en œuvre avec la métropole et la commune site un projet partagé. Et on a mis en place en fait ce dispositif au centre-ville. Alors ça s'appelle AVEC, Association pour la Vitalité Économique de Nancy, avec Nancy, du centre de Nancy évidemment. Et ça marche vraiment bien. Parce qu'en fait, on associe dès le diagnostic, vous l'avez très bien dit, l'étape de diagnostic, il ne faut pas la sauter, les commerçants installés, les employeurs publics, privés, qui amènent finalement une première clientèle, des représentants des investisseurs privés, bien sûr les collectivités concernées. Et ensuite, on est partenaire de la définition et de la mise en œuvre de la feuille de route. Et aussi bien des outils lourds que d'actions, bien sûr, beaucoup plus légères, comme des actions d'animation, de promotion, de croisement culture et commerce, de piétonnisation parfois temporaire, ou de mise en place d'aménagements urbains qu'on veut tester avant de les installer dans le dur. Et je crois que la dimension, je dirais pas participative, mais je dirais presque associative, c'est-à-dire de définir un périmètre d'acteurs dont on se dit que dès le début, on va les associer, on va être dans un contrat ensemble de franchise et de coopération, et aussi quelque chose de fondamental. Parce que quand on veut de la stabilité, on en veut tous. À un moment donné, quand tout le monde est d'accord sur la même feuille de route, voilà, quand il y a un des acteurs ou un des partenaires qui veut changer quelque chose, c'est un peu plus facile d'être unis pour appeler à la stabilité, à la cohérence et simplement à la parole tenue. Voilà, je ne voudrais pas être plus long, mais je voudrais simplement vous dire qu'on aura à cœur, évidemment, d'abord peut-être de poursuivre les échanges. Il faudra voir en fonction du calendrier parlementaire, selon quelles modalités, éventuellement, on poursuit ensemble les échanges qu'on a pu lancer aujourd'hui. Et puis, bien sûr, de faire écho déjà à tout ce qui a été dit, qu'il va falloir qu'on prenne le temps de digérer, d'analyser, de regrouper, pour en faire les positions AMF dans les débats à venir.